Nous sommes en live, les amis, ça fait plaisir. Nous sommes sur Twitch et c'est l'heure du Creative Wargame Championship Number 3. Yes les gars, c'est top. On est sur Twitch, vous êtes sur Creative Wargame et ce soir je suis accompagné de Monsieur Bob the Sponge, alias Bob. On l'appelle un Bob pour la soirée, c'est plus court. C'est plus court. Applaudissements chez vous. Ça nous fait extrêmement plaisir. On a perdu le retour cam, on l'a récupéré. Le retour cam, c'est génial. Comme un yo-yo. Voilà, c'est, ça nous fait super plaisir d'être ce soir en live avec vous pour les premiers quarts de finale de ce championship. On va très très rapidement rentrer dans le dur puisque, comme vous pouvez le constater, les armées sont déployées, toutes les phases pré-game ont été faites et ce soir vous allez assister au premier quart de finale. Mon camarade Bob va jouer la Death Guard et de mon côté, je vais jouer les Necrons. Nous allons jouer avec la nouvelle Data Slate, le Chapter Approved Nephilim et les derniers coups en point update qui sont parus en même temps que la Data Slate et Nephilim. Les amis, nous allons jouer le scénario numéro 13 du Chapter Approved Nephilim, mais c'est le même scénario que 2022. C'est le scénario Data Script, Data Scribe, Data. Il y a des data dans cette histoire. Data Salvage. Data Salvage. Salvation. Ça va envoyer de la data. Numéro sévère. 13 pour chez vous. Voilà, pour chez vous. On joue sur des tables des layouts du WTC. On joue sur la table numéro 1. C'est le scénario qui sera joué sur tous les quarts de finale. Et c'est la table qui sera utilisée sur tous les quarts de finale pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Les tables et les scénarios ont été communiqués à tous les joueurs il y a déjà au moins une semaine, je pense. Ouais. Pour que chacun ait son adversaire et la liste de son adversaire et les secondaires. On gagne beaucoup de temps comme ça. C'est super. Ça, ok. Ok. Je vous propose qu'on passe sur la... ça va être genre historique. Ça va être historique. Totalement historique. Historique de ouf. Historique de ouf. On passe sur la zénithale. Qu'est-ce qu'il y a, Francky? Tu m'as fait des petits signes. Je veux parler. Tu veux parler? Ah, vas-y. Vas-y, Francky. Vas-y. Les amis, je vous lance dans les prochaines secondes une prédiction à vous de me dire qui, selon vous, va remporter cette partie. Je vous laisse donc... voter. On aura les résultats d'ici 2 minutes. C'est ça ma force. Je lance ça tout de suite. Ok, les amis, on va passer en zénithal. Donc la caméra génitale, toi-même tu sais. Yes, caméra zénithale. Donc vous avez le champ de bataille qui est projeté. Nous sommes déployés. We are deployed pour notre ami Nurgle Matthew qui est avec nous. On a perdu le retour sur l'écran et on récupère le retour sur l'écran. Merci, ça fait plaisir. Donc nous avons fait toute la séquence de pré-bataille. On a pris des secondaires. Bob, oui. Je vais te laisser nous présenter les secondaires que tu oui. as pris. Oui. Alors, en termes de secondaires, pour la mission de ce soir qui est donc la mission 13, nous jouons sur 6 objectifs. J'ai choisi de prendre un All Front. J'aurais pu prendre Sol Corrompu, qui est un secondaire Death Guard, mais pour le coup, je pense que ce sera plus stable contre ton armée de prendre donc, le Engage All Front, qui n'est pas évident pour la Death Guard, mais au vu de la répartition, je pense que je peux scorer 10 points. Je vais mettre un tout petit bémol avant que vas-y, tu continues à développer bien sûr, tes bien propos. Sûr, bien sûr. Dans le cadre de l'aspect compétitif de cette partie, ça va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude parce qu'on va beaucoup moins communiquer sur nos plans de jeu et sur, les raisons pour lesquelles on fait des choix. C'est pour ça parce que j'ai senti que tu allais partir sur l'explication de pourquoi tu as pris le haut front et pas l'autre. Donc garde-le, on en parlera dans le débrief. Okay, mais c'est vraiment, ça va vraiment être aussi l'objectif de ces parties-là, c'est de vous partager du beau jeu et à la fin on débriefera sur certains choix. Donc ça marche, je poursuis. Vas-y. Ok, je poursuis. Du coup, j'ai pris répandre la maladie, vous le connaissez, c'est le classico Death Guard. Hashtag chier sur les objets, tout le monde connaît. Basique, simple et concis. Et enfin, je joue contre du Necron. Je ne peux pas jouer du Psy puisque Alex a donc le King qui fait de l'anti-Psy. Donc j'ai choisi de prendre nos prisonneurs puisque c'est un peu un classico qu'on prend contre les Necrons avec le Rip-Hop qui permet de gagner plus de points. Yes. Et c'est tout pour moi. Ok, super. Le train de la hype approche. Le train de la hype approche. Chouchou. Et c'est parti. Et c'est Wazme KK qui s'est abonné. Merci Poto, ça fait super plaisir. Allez les gars, on veut voir des tricks. Et de mon côté, au niveau des secondaires, j'ai pris 3 secondaires Necron. Le premier qui est Trésor des Zéons. Et d'ailleurs, tu vas me dire immédiatement quels sont les 3 objectifs que tu décides. Qu'ils soient les objectifs du trésor des Éons. Alors, puisque je suis quelqu'un de terriblement rustre, hop, ce sera celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ok, donc à la fin de mon tour, si je contrôle un de ces 3 objectifs, je mets un point.
Si j'en contrôle 2, je mets 3 points. Si je contrôle les 3, je mets 5 points. Exactement. Ensuite, merci beaucoup. Stylé. Ensuite, j'ai choisi les Ancient Machinery, qui est encore une fois secondaire Necron. Et je vais devoir faire des actions sur les objectifs qui ne sont dans aucune zone de déploiement à la fin. À la fin de mon tour, chaque action me rapportera 4 points. Je peux le faire qu'une fois par objectif. Donc voilà, il y a 4 objectifs en No Man's Land, donc c'est un maximum de 16 points qui passe à 15. Et effectivement, vous voyez, vous avez tout compris. Et enfin, le dernier, c'est code de combat. Je vais mettre 3 points à chaque fois qu'une unité noble, j'ai le roi silencieux et j'ai ma console de commandement, à chaque fois qu'ils tueront une unité au tir, et je mettrai 4 points à chaque fois qu'ils tueront une unité à la mêlée. La particularité, c'est que je ne suis pas capé au nombre de points que je peux faire par tour, donc je peux faire 15 points en un tour. C'est quand même ballsy, mais voilà, c'est pour c'est, comprendre c'est, le truc. Ça existe. Ça existe. Il y a un monde où ça existe. Bien sûr, bien sûr. Voilà pour les secondaires. Ensuite, on va rester toujours et encore sur la zénithale et on va vous commenter les déploiements. Je vais commencer à la limite par le mien. Train de hype à 22%, les gars, faut que ça charge. Allez, on pousse. Charge du hype à plus de 22%. Ok, donc moi je vais vous commenter très rapidement mon déploiement avant qu'on attaque. Tu peux passer en mobile. Non, vas-y, je vais le faire. Tu le fais ? Ouais, okay. Vas-y. Ouais, je voulais turbin, je voulais être sympa. Hein. Non, mais tu vas le faire pour ta note. Tu vas le faire pour toi. Ah non, tu le fais pour moi. Ah, non. C'est parti. Ok, ladies and gentlemen. Je vous représente pas la liste puisque vous l'avez sur le site. Donc, je vais juste vous parler de mon déploiement. Vous avez tout à côté du flanc. Vous avez 3 scarabs qui sont devant et 5 motos Tomb Blades qui sont en 5+, 1 vue. Hein, je vous rappelle, j'ai l'équipement. Et qui sont en full gosse. Donc, c'est 6 tirs par moto de force 5, 100 PA. Ensuite, ici, on a un pack de Destroyer Scorpec. Ah, ça y est, je commence à bouger mes figurines. Avancé avec 3 petits scarabs juste devant. On a ici une barge d'annihilation. On a ici mon patron avec sa console qui fait plaisir. Il a relique et trait de seigneur de guerre, le super bâton voltaïque et Undering Will. Il réduit donc les damage de 1. On a ici le chronomancer tout cunu qui a le voile des ténèbres. On a ici un roi silencieux. Attention, le roi du silence est dans la place. Je vais payer son trait de seigneur de guerre aussi, hein, donc je pourrai alterner un protocole en courant de jeu. Vous avez ici en coin de table, regardez, c'est beau, mes deux avions, mes deux. La boulangerie avions, c'est les faucheurs. C'est la boulangerie française. La croissanterie n'est jamais finie. Bien sûr. Donc la boulangerie est ici. Ensuite, je continue. Je vais avoir un autre pack de 5 Tomb Blades, même équipement que le premier. Un autre pack de 6 Destroyers Scorpec. Même équipement que ceux qui sont là. Et j'ai 3 Lousticous qui sont juste là. J'ai mis mes destroyers ophidiens sous le sable. Vous noterez que leurs socles correspondent parfaitement avec ce magnifique tapis. Hashtag roi scorpion. Hashtag la momie 2. Yes. Donc voilà pour mon déploiement. Et je vais laisser notre ami Bob nous commenter ça. Allez, c'est parti. Les amis, je prends le relais. Allez, c'est juste avant de présenter ma liste, j'aimerais juste faire un petit big up au Death Guard Lab. Parce qu'on a monté un laboratoire, j'en parle de temps en temps avec les gars du Death Guard Lab. La liste que j'ai ce soir, c'est la liste de Vidar que j'ai rencontré au PGT, qu'on a customisé, qui est une des versions, c'est pas la version définitive, mais c'est une des versions que moi j'avais envie de vous montrer. J'ai décidé, j'en discutais avec Alex tout à l'heure, que chaque fois que je viendrai, j'essaierai de vous montrer un build différent Death Guard pour vous montrer que la Death Guard est jouable et que chaque build a des avantages et des faiblesses et qu'on verra en live tous ensemble. Donc merci à ces gars-là. On peut y aller. Donc vous allez retrouver dans ma liste Death Guard. Donc on est sur un gros QG avec des grosses fesses, puisqu'il s'agit de mon prince démon qui est positionné ici. Vous allez retrouver en second choix QG le Lord of Virulence, donc qui m'a été demandé par les viewers. Ça c'est de temps en temps, n'hésitez pas les gars, hein, vous pouvez me MP, vous pouvez me demander s'il y a des trucs que vous voulez que je joue en live. Je le ferai avec plaisir. Donc là vous avez un Lord of Virulence et c'est intéressant parce qu'il combatte avec le Swarm de Plague Marine, puisque ce soir je n'en joue pas 10, non pas 20, non pas 30, mais bien 40 Plague Marine, mesdames et messieurs, 40 Plague Marine. Vous en avez donc 10 dans ce rhino ici, 10 ici, vous en avez encore 10 juste là, et juste ici vous en avez 5 et encore 5 juste là, et ils sont tous en salade tomate oignon, c'est-à-dire la totale, vous pouvez aller vérifier ma liste sur le site. Enfin, train de live accompli, je sais pas ce que ça veut dire, mais on a ça veut dire qu'on atteint le niveau 3. Allez, on attend le niveau 4, les gars. Level 3. Ensuite, donc, pour compléter ça, vous les avez vus, il y a bien 3 rhinos pour pouvoir se déployer sur la table et prendre de la distance et servir de. Donc, moi je dis strapontin, mais c'est quoi le bon mot, Franck, déjà? Tremplin. De tremplin. Merci, voilà, c'est ça, de tremplin. Merci. Et enfin, pour terminer, les jardiniers, puisque je suis venu pour tondre le gazon avec 1, 2. Et 3 tondeuses. Donc vous remarquerez que ma liste n'a pas de tir, mais par contre j'ai de la prise de table et je suis là pour mettre des gros pieds-bouches.
Pied bouche, c'est très bien, c'est génial. Le scénario spécificité, donc 2, 3 et plus que l'adversaire pour mettre les 4, 8 et 12 points de primaire. Ouais. Sur ce scénario-là, lorsqu'une unité objectif sécure contrôle un objectif, elle peut quitter l'objectif et continuera de le contrôler. Oui. Et enfin, le secondaire bis consiste à faire une action sur l'objectif qui est dans notre zone. Donc la particularité, c'est que c'est une unité de ton armée, donc tu peux la faire avec n'importe qui, un véhicule, un personnage, peu importe, une unité. Est-ce que je peux le faire avec un avion? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Mais c'est une bonne question. Les avions ne peuvent pas contrôler les objectifs. Les avions contrôlent pas les objectifs. Mais, et c'est pas la notion de contrôle d'objectif sur Techniquement, c'est possible. Mais tu sais quoi? De toute façon, ce soir, on peut pas tricher. Parce que le chat nous regarde. Clairement. Et c'est eux les meilleurs arbitres. C'est vrai. Donc c'est voilà. Vrai. J'ai déjà tenté une fois et ils m'ont rattrapé. C'est vrai. Non, sans déconner, j'ai pas tenté. Mais voilà. Donc, à vérifier. Mais techniquement, comme c'est écrit, on peut supposer que les avions peuvent le faire. Oui. Bref. Non, tu sais pourquoi? Parce que les avions ne peuvent pas faire d'action. Les aérodynes ne peuvent pas faire d'action. Ah, c'est indiqué. Ah oui, il me semble que les avions ne peuvent pas faire d'action. Donc voilà, un aérodyne ne peut pas voilà. faire d'action. Voilà, merci, ça va vite. Le chat, de toute façon, on a dit, les meilleurs arbitres du monde, le chat. Et donc, on fait cette action dans l'objectif qui est dans notre zone et on marquera autant de points qu'on contrôle d'objectif dans le No Man's Land, donc les 4 qui sont dans la ligne, jusqu'à un maximum de 2-3. Parce que moi, j'aime bien passe-partout, donc je fais. Yes. Donc tout est fait. On va donc passer à la. Alors pour information, moi, au niveau des protocoles, je vais avoir actif toute la partie, donc ça c'est pour ceux qui évidemment que suivent la dernière data slide pour les Nécrons. Je vais avoir protocole actif toute la partie, celui qui consiste à soit avoir plus un mouvement sur sa directive 1 ou soit faire une action action plus tir sur sa directive 2. Voilà, donc je choisirai ça en début de round et en plus bah, j'ai déjà séquencé mes cartes pour les directives de protocole sur mes différents tours, sachant que je l'ai précisé à Bob parce que j'ai que 5 cartes. Le protocole que je décide de prendre deux fois, que je peux faire grâce au roi silencieux, sera celui qui me permet d'avoir plus 1 en force au corps à corps, ou alors l'explosion de la PA sur les 6 à la blesse. Et je vais voilà. te dire une connerie, t'en as un actif pour toute la partie par contre, non? Oui, c'est ça, c'est plus 1 move. Plus 1 move. Ouais. Voilà. Donc voilà les amis, je propose qu'on fasse apparaître la Kamadé, Francky. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Envoyer du love dans le chat. Avant ça, j'ai quand même le résultat des pronostics que je partage tout de suite dans le chat. Juste chaud pour Gaz. Ah, allez, Sancho DG, juste chaud. Je t'ai dit salut. Terminé la production. Expli, un gars sûr. Donc, on a une victoire de prédiction de victoire pour Tourop à 66% contre 34%. Le monde change. Mais parce que les gens se disent que je joue Nécron et que c'est complètement fucked up. Mais on va en parler moi très honnêtement. On débrief. Juste en pré-game, parce que c'est intéressant dans le cadre de l'objectif WTC des Warmasters. Affirmatif. Moi, d'estimé, je me mettrai un 12-8 en estimé sur cette partie-là, pas plus, avec un fort potentiel de descendre à 8-12. Voilà, entre 8-12 et 12-8. Voilà, c'est mon estimé sur cette partie. Ouais, ça se tient. Moi, je suis sur un estimé à 11-9 au mieux. Ouais. Et 9-11 au moins bien. Ok. Eh ben, j'espère que je vais pas me craquer. Merci pour le soutien, les gars. Je vous cache pas que ça fait plaisir. Parce que ça fait longtemps que je me suis pas senti soutenu. Yes. Là, j'ai repris du mojo direct. Tourop, pour son retour, va frapper fort. Bim! Ah, je pense qu'il va y avoir des Shoryuken. Allez, gars, il va y avoir des dragons. Je vais le faire improviser, je vais faire un as et tout le monde va. En fait, rien n'a changé. Je te propose qu'on balance la Kamadé. J'ai le dé blanc, t'as le dé noir. J'ai le dé noir. Ça, c'est pour l'initiative. Oh, ce gros 4. Oula, je le rate. Vas-y. On commence. Et ben, c'est un 5. Et ben, l'initiative est pour Bob. Bob, je te souhaite une excellente partie. Je suis très content de faire cette game. Je pense que c'est la game de ma vie, les gars. Je vous souhaite une excellente partie à tous aussi avec nous sur le chat. Et on va attaquer par la phase de commandement du T1. Moi, je commence à 2.com. Je passe à 3 sur la phase de co de notre ami Bob. Ouais. Je choisis le protocole plus un mouvement oui. pour mon protocole actif toute la partie. Oui. Et je dévoile mon premier protocole qui est... D'abord, j'ai des mouvements... Excuse-moi, j'ai des mouvements de... Oui, t'as peut-être des mouvements de 6. Je vais les faire avant bien de te dévoiler le protocole bien parce sûr, que sûr. Je peux potentiellement le changer. Bien sûr. Donc voilà, j'ai fait mes mouvements. Je m'occupe du chat. Fais ta vie, mon cher Alex. Je m'occupe du chat. Donc on est chaud, on est bien. Je vous cache pas que je suis relativement content d'avoir le tour 1, parce que ça va me permettre de pouvoir me positionner et pouvoir faire des choses. Après, comme l'a dit Alex, je vais pas pouvoir être autant transparent que d'habitude. Hein. On essaye sur la chaîne, ces temps, d'être le plus transparent, de vous expliquer le plus de choses. Mais là, comme on est sur un championship, on va essayer de faire en sorte que les planètes s'alignent. Et donc ça va demander un peu plus de réflexion que d'habitude, hein, puisque le but, c'est la win.
mais toujours dans un esprit de fair play et amical. Gaz, le Plaque Burst en Néphilim, moi je suis pas un fan du Plaque Burst. On a pas mal discuté ces derniers jours avec les gars du laboratoire. Je suis pas très fan du Plaque Burst. 145 points, c'est cool. Mais en fait, son intérêt c'était vraiment le tir indirect. Et avec le nerf, vous le voyez, hein, j'aligne 3 tondeuses. Je pense qu'actuellement, pour moi, en termes d'échelle de puissance des véhicules, la tondeuse c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, en termes de véhicules Death Guard. Non, c'est vrai que c'est pas fluff les plagues par 10, mon cher Kérosène, mais c'est surtout méta, en fait. Donc, non, il n'y a pas de souci. Un esprit de franche camaraderie, à grands coups de truelle dans la gueule, avec cordialité. Exactement, on va construire des murs ce soir, mais des murs de l'amour. Ok. Est-ce que t'as d'autres moves à faire, mon bon Alex ? J'ai pas d'autres moves à faire, je vais rester là-dessus, si on peut passer en zénithal. J'ai juste, voilà, ouais. Vous ne les voyez pas trop, mais j'ai avancé mes scarabs pour qu'ils soient bien, pour qu'ils prennent bien le couvert ici. J'ai pas bougé mon bloc ici, le roi n'a bénéficié pas du mouvement. Mon bloc QG n'a pas bougé, j'ai décalé un tout petit peu mes spectres. J'ai avancé légèrement, pareil, les scarabs, ouais. Vous ne les voyez plus, ils ont disparu, ils sont dans la parallaxe du Côte-Nerf. Et ici, c'est pareil, j'ai déplacé... Il y a tous les motards et les Elf Angels. C'est des mouvements anecdotiques, très honnêtement, ouais, ça n'a pas une grande incidence. Je te propose donc de dévoiler le premier protocole que j'avais préparé. Tout le monde rembourre. Oui, je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup de rembourrer, mais... Donc j'avais pris Néant Invide. Non, pas du tout. C'est pas du tout Néant Invide. Celui-ci, il est en tour... Bah, je vais pas te le dire du coup. Ouais, non. C'était pas du tout Néant Invide. Tu peux le faire. Vas-y. C'était le plus un PV métal et le plus un. Ou le plus un reroll. L'une reroll sur les protocoles. Et je vais prendre un. Je vais utiliser la capacité de ce bon vieux roi. Mmh, mmh. Je vais utiliser la capacité de ce bon vieux roi. Et je vais te le changer. Mmh. Non, je vais garder ça. Je vais garder. Je vais garder un PV supplémentaire sur le Living Metal. Voilà. Ok. Je ne vais pas m'embêter. PV supplémentaire sur le Living Metal. Je garde mon aptitude du roi. Et j'accepte. Ouais. Pour te répondre, RT The Knight, tu peux aller voir les listes sur le site Creative Wargame et ma compagnie actuellement est inexorable. Et si vous voulez le lien, vous tapez slash liste et il y a le lien qui apparaît dans le chat. Parce que les choses sont faites bien. Ou sont bien faites, c'est vous qui décidez. Début de ma phase de commandement, je gagne un PC. Ce que j'ai fait, je passe donc de 0 à 1 PC. J'ai un Taliman dans ma liste qui me permet de pomper du PC. Donc je vais lancer 2 dés. Si je fais plus de 7, je gagne un PC. Ça n'est pas le cas. Donc, it's not the case. It's not the case. Donc on va pouvoir directement passer à la phase de mouvement. Tout à fait, Todo Bueno. Caméra génitale, s'il vous plaît. J'ai terminé ma phase de mouvement. Je me suis placé comme j'ai pu. J'ai pas fait des advances de ouf. Mais ça reste ok puisque j'ai eu le tour 1, donc je suis content. L'escouade qui est ici va faire caca sur cet objectif. Je le fais tout de suite même si ça se résout à la fin de mon tour, comme ça c'est réglé. Le Taliman va faire l'action de scénario, ce qui me permettra de scorer 3 points puisque je contrôle 1, 2 et 3 objectifs actuellement. Et pour le reste, en termes de phase... J'ai fait des advances ici. J'ai fait des advances partout. Désolé. J'ai fait des advances partout. Ici, les drones ont fait de très gros advances avec du 4, du 5 ici. Ouais. Là-bas, il n'y a pas eu besoin d'advances. Le prince a fait une advance à 4, mais bon, son but, c'est de rester derrière son Rhino Nounou. Ouais. Ici, j'ai chié mes advances de perso puisque le full a fait une advance à 1. Le biologus, une advance à 2, donc c'est pas ouf. Lui a fait une advance à 4, mais comme il était derrière, il vient suivre le marathon. Bien sûr, il est écranté par l'escouade de 10 PM qui est ici, plus le Rhino. Les PM ici ont fait une advance à 5, mais j'avais pas besoin d'aller au maximum, on va dire. De ta projection ? Voilà, de ma projection. Par contre, je me suis positionné pour avoir le maximum de marines à couvert et profiter. Combien t'en as ? 3 ? J'en vois 3, moi tu valides. T'en as 3 devant, mais en fait, il y en a 3 autres derrière. D'accord, ok, d'accord. Très bien. Exactement. Et voilà. C'est génial cette caméra mobile, j'adore. Ouais, je me suis juste positionné, on va dire. Ouais. De toute façon, on verra au débrief, mais je fais le game plan qui est tracé, mes chers camarades. En termes de phase de tir, alors je suis en train de phase regarder. De psy. Non, mais phase de psy, j'ai rien à faire. Ok, très bien. Phase de tir. Donc on va directement à la phase de tir. En phase de tir, ici, je vais prendre quand même une mesure. J'ai quand même deux petits lance-patates ouais. qui sont là. Très ça bien. Mange pas de pain, c'est fait assaut, ça tire à 24. Donc ici, j'ai l'impression que tu vas jouer au billard là. T'as un joueur mais de billard. C'est exactement ça, mais t'as bien sûr. J'ai les poules et les boules. À la tenue du maître, on est sur un joueur de billard. Exactement. Du coup, à 24 pouces, je pense que je vois les motos, donc je vais commencer à leur mettre des petites timbales. Yes. Voilà. Je rappelle que les Tomblaze, t'as moins 1 pour les toucher. Mais je l'ai de base, puisque j'ai fait une course. Très bien. Je suis à saut 2. Tu te moques.
Éperdument. Exactement. Tu te ris de mes Tomblades. Je n'en ai cure, mon cher. Très bien, vas-y, balance. Sur du 4. Yes, monsieur. Hop, j'avais une reroll des as, mais ça ne sert à rien. Je te blesse. Endurance de 5. 5, oui. Sur du 3 plus. Hop, 2 save, je te prie. PA-2. Dégâts 2. PA-2, j'ai donc mon avu à 5. Ça fait plaisir. J'en rate une, c'est dégâts 2, je perds donc un mec. C'est ça. Je fais mon jet de protocole. Protocool. Voilà, bah il est pas mort. Bravo. Par contre, j'ai le plaisir de pouvoir le replacer. À ta convenance. À ma convenance. Donc il meurt et il revient. Et par contre, il faut marquer les points sur, sur nos prisonniers. Exactement, ouais. Sur nos prisonniers, je vais marquer à chaque fois les rip-hop. Il meurt et revient. L'unité, tu l'as déclenché en entier, t'avais que les lance-patates qui peuvent tirer. Hein. J'ai que les lance-patates qui peuvent tirer, okay. Mon cher et Alex. Tu n'as pas fait une course. Tu n'as pas d'autres tirs. Je n'ai pas d'autres tirs à cette portée, mon cher Alex. Ok, très bien. Eh ben, je vais te mettre une tomblaise dans le cornet juste là. Elle vient, elle repart. Voilà. Très bien. Oui. C'est un 2, cette merde que t'as écrit là. Ouais, c'est ça. Mais c'est une merde avant toute chose. N'oublie pas que je vous désgarde. C'est vrai. Après, j'ai des petits tirs d'opportunité, mais je pense que je suis très court. Voilà, je suis trop court. Nous le sachions. Le rhino ici, il a fait une course, donc il ne tirera pas. Eh bien, écoute, je pense que tout simplement. Fin de tour. Fin de tour pour moi. Je vais donc scorer sur le secondaire du primaire 3 points. Tu peux faire des barres. Alors attends, je vais le faire parce que du coup. Explique-moi, ouais. 3 points pour le primaire miss. 1, 2, 3. D'accord. All front. All front, je mets 2 points. 2 points, je te prie. Hop. Spread the sickness 3. 3 points puisque c'est l'objectif dans ta zone. C'est exactement ça. No prisoner. No prisoner, j'ai mis un petit 2. En fait, on compte, je vous explique pour ceux qui sont sur le chat. En fait, sur No prisoner, on va compter que les rip-hop. Ça va être plus simple, et en fait, à la fin de la partie, on ajoutera les rip-hop avec les morts. Oula, ça me va. Ça te va, frère? Ça me va, frère. C'est chaud, frère. Frère, ça me va. J'ai terminé, mon bon Alex. Ok, Franck, tu peux mettre, tu peux donc immédiatement mettre 3 et 3 et 2. Tu peux mettre 8 points de victoire à notre ami Bob. Et on va immédiatement attaquer mon tour 1 à moi. Tu veux jeter tes dés de... Exactement, je les jette. Le Saliman. Hop, je prends un PC. C'est un total de 2 PC. Je monte donc de 0 à 3 en moins de 1 minute. Très incroyable. Bien. Et moi, je passe de 3 à 4. Et je suis content d'être heureux. Je vais me prendre 2 petites minutes de réflexion quand même pour pas faire de la daube. Je t'en prie. Et voilà. Oui, donc nous sommes 215 sur le chat déjà. Ça fait grand plaisir. Ça fait super plaisir. Parce que c'est le jeu en priorité. Je me permets de vous couper 2 secondes. Vas-y. Phase de commandement. Oui, ce que je vais faire, le roi va donner un plus 1 hit sur ce pack de destroyers là. Que ma volonté soit faite du slip. Exactement. My will be done. Ok, ensuite le roi va donner son deuxième plus 1 hit sur cet avion là. Bien sûr. Ce petit avion qui est juste ici. Vous ne le voyez pas à l'écran, je suis désolé. Il est ici là, voilà. Et la barge ici va donner. Ah, est-ce que je suis à 9? Oui, large, easy cash money game. Sinon, regarde, j'ai des très belles règles qu'on m'a offert au PGT, tu vois. Attention, on passe à la goodies, comme ça on bien voit sûr, mieux. Bien sûr, c'est validé par la street. Et remonte autour à Pompis. Donc, le roi va donner son deuxième My Will Be Done sur cet avion là. Et ma barge de commandement va donner son My Will Be Done sur cet avion là. J'ai vraiment envie de vous saucer avec mes avions, ça fait grave plaisir. Voilà pour ça, et j'attaque ma phase de moule, l'invu à 5, excusez-moi, j'ai pas précisé, le Chronomancer, il va donner son invu à 5 à ce pack de Destroyer juste ici. Ok, très bien. Voilà, ça fait plaisir, je suis content d'être heureux, nonobstant le fait, j'attaque ma phase de moule. C'est vrai, oui. Non, je veux pas le câble, merci. Ok, les amis, allez, on est sur la table de jeu. Ah, il y a Net Epic qui est un aficionado, s'il est là tout le temps. Merci à Net Epic, bon, on est parti. Scarabée ici va faire son action de ancienne machinerie. Oui. Je vais donc mettre mes 4 points de victoire ici. Voilà, oui. Ici. C'est trop dur ce jeu. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai avancé non pas de 8, non pas de 9, parce que j'ai mon protocole plus un move, mais bien de 10, puisqu'ils étaient dans l'aura du roi silencieux. J'ai avancé de 10 mes spectres, mais pas mes spectres, mais Destroyer Scorpec. Mm-hmm. Le principe, vous l'avez bien compris, il y a quand même une histoire de corps à corps dans cette affaire. Bien sûr. Voilà pour ça. Ensuite, il y a mes deux avions qui ont jumpé. Du coin de table en middle map qui sont restés dans l'aura de full reroll du roi silencieux et puis voilà tout simplement. J'ai perdu l'écran sur la cam, mais je pense que c'est bon. Moi, je l'ai pas sur le téléphone, mais c'est bon. C'est bon. Ensuite, j'ai ma console ici qui s'est décalée un petit peu parce qu'elle a un petit bout de zigouigoui qui aura une ligne de vue sur le petit zigouigoui qui est là. Donc l'idée étant ici de venir chercher une ligne de vue avec papa qui est là. Pardon, je sais pas si je le vois pas sur mon écran. Là, il va falloir te décaler, c'est bon, le... Alex. Excuse-moi.
Enfin, te décaler un poil si tu veux. C'est vraiment sur une couille de loup. Ouais, hein, ouais, c'est ce que je te dis. Il faut que tu te décales un poil si tu la veux. Moi, j'ai pas de soucis. On peut jouer ici, attention. Ouais, voilà. Tu l'as c'est bon. Oh, ok, c'est bon. Donc, ici, lui s'est mis aussi à portée donc, de cette escouade-là. Vous l'avez compris. Hein, les moissonneurs, le patron et eux vont savonner cette escouade-là. Bien sûr. Mes petits scarabs sont mis sur l'objectif. J'ai mis les trois sur l'objectif et les trois dans le vent. Oui. Eux n'ont pour l'instant pas bougé parce que je la sens pas cette affaire. J'ai les Tomblades qui sont avancés et j'ai quand même mis un petit gars là-dessus pour la simple et bonne raison que si je me foire sur ma manœuvre, au moins j'ai quand même le contrôle de cet objectif-là. Voilà. Si je me foire sur ma manœuvre, Philippe. Philippe manœuvre. Voilà pour ça. Alors, phase de tir, c'est très simple. Je vais commencer par faire tirer ma petite console puisque c'est elle qui a le moins de lignes de vue. Oui. Et elle va envoyer sa salve sur Papaïdou Cocolus. Je suis désolé. Donc, j'ai 10 tirs de Tesla. Oui. Moins 20 hits. Alors, je vais utiliser, excuse-moi, un joli point de com. Et cette unité-là ne bénéficiera d'aucun couvert, mon bon ami. Voilà. Donc, toute mon armée qui tirera sur cette unité-là, tu n'as pas de couvert. Donc, très bien. Couvert, tu n'as pas le moins 1 hit. J'accepte. J'ai pas le moins 1 hit et j'ai pas le tout le petit. Et moi, j'ai pas le plus 1 à la save. Exactement. J'accepte. C'est parti, si j'arrive à sortir un dé. Ok, on est là. Donc, je te touche sur du 3. Je suis en full reroll à la touche au tir puisque je suis dans l'aura de mon roi et qu'il est particulièrement silencieux. Ici, ça c'est la reroll. Ouh ! Pas peu fier de ma reroll triplace. Reroll molle. Ok. Par contre, j'ai 2-6 sur mes Tesla. Oui. Ça me rajoute donc 2 touches ici sur les Tesla. On est bon. Je vais passer d'abord par les grosses attaques ici qui sont sur force 12, sur de l'endu 5. On est sur du 2+, on est d'accord. Il y a un petit as et on l'enlève. Et ici, c'est force 7, donc on est sur du 3+. Et j'ai pas de reroll ici. Je vais t'inviter à saver déjà les Tesla en 3+. Et après, les Tesla, c'est du 3+ sec. T'as pas de PA. Pas de PA. Hop là, full tanké. Ok, RAS, PLUS. Ok, et ici, c'est PA moins combien? C'est PA moins 4. Donc PA moins 4, donc PA moins 3 sur du 6. Raté. Et c'est D3 plus 3, ça tue 2 mecs. Donc ça tue 2 mecs sec. Sec. Ok, non, excuse-moi, pardon, c'est pas les armes des avions, excuse-moi. C'est PA moins 3, c'est save à 6. Donc c'était PA moins 5. J'ai fait une 5. T'as fait un 5, donc elle est savée. J'ai confondu avec l'arme des avions, excuse-moi. D'accord, et c'est D3 damage. D3 damage. Donc il y en a qui fait D3 damage. Et il prend un damage. Voilà, génial. Ça marche. Ma console a fait un PV sur les petits gadgets. Ensuite, je vais faire tirer ma console de commandement. La console de commandement qui va tirer toujours sur la même unité. Donc elle a les 3 tirs de Gauss et elle a les 4 tirs de bâton photovoltaïque. Ça touche sur du 2. C'est en full reroll parce que il y a le roi. Le 6 explose. Parce que c'est le super bâton voltaïque, ça explose qu'au tir. Donc on est là-dessus. Et ensuite, on est sur force 6 pour les Ghost Cannon. Je m'emmerde dans mes dés là. Qu'est-ce pour que ça soit plus lisible. Alors ici, on est sur du 3. Il y en a deux qui passent. Et ici, on est sur du force 6. On est sur du 3 aussi en fait. On est sur du 3 et on est sur du 3. Et j'ai pas de reroll, CPA moins. Les gosses CPA moins 3 et ça CPA moins 2. On nous dit que ça explose deux fois le voltaïque. Ouais, il manque 2 dés. C'est vrai. Donc. Ça passe. Ça passe, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Force 7. Force 6. Force 6, donc ça passe. C'est du 3+. Donc ça, tu me dis PA moins 2. Ça, c'est PA moins 2, 2 flats. Et ça, c'est PA moins 3, D3. Ok, tu veux que je lance par quoi? Vas-y, fais les PA moins 3. Fais les PA, du coup, PA moins 2 pour toi. Donc PA moins 2, A5. Ok, rien. Mec, c'est grave. De ouf. Hop. Et ça, c'est PA-2, donc PA-2 sur moins 1, dégâts 1. Sur du 4. Hop, 2 PV. 2 PV. Je tue un marine, il y en a un qui fait rien, qui est mort parce qu'il avait déjà perdu un PV. C'est ça. Ok, ça. D'ailleurs, je me fais chier avec ça, mais pas besoin. Ok. Alors. Ensuite, je vais faire tirer le roi silencieux toujours sur la même unité. Donc, le roi silencieux, il va faire tirer ses deux gros pruneaux de. Ces deux grosses pruneaux de menhir. Les deux menhirs qui vont s'élever. C'est sur du 2 full reroll, ça touche, ça blesse à 2, il y en a 2 qui passent. Ouais. T'as de l'invue avec eux ou pas? Non, j'ai pas d'invue, t'es PA moins 4. Ah, c'est PA moins 4, t'as du 6. Donc j'ai une 6. Ouais, je vérifie, mais pour moi c'est PA moins 4. Bonne save à 6 des familles. Je te vérifie ça 2 secondes, mais je pense que c'est moins 4. Si on sauve pas. Oui, c'est moins 4. Pour 6 flats. On sauve pas, donc j'ai de mort sec. Ça fait 5 flats. J'ai de mort sec, donc du coup, hop, celui-là décède dans la violence. Hop, et. Le deuxième qui va décéder, ce sera celui-là. Hop, voilà. Ok, ensuite, je fais les tirs du roi. Il touche à 2 en full reroll. Il y a une petite as. Non, il n'y a qu'un petit as. On est bon pour le roi. Et maintenant, on est sur du. Force combien?
Il y a le for... Alors, les trois roues blancs sont sur de la force 8, donc c'est du 3. 3 plus. Et les noirs sont du 3. Ce qui différencie, si c'est le damage, mais non, parce que je suis damage 2, donc en vrai, tu vas t'en tamponner, tu vas tout mettre en damage 1. Par contre, ceux-là sont PA-3. Ouais. Et ceux-là sont PA-2. D'accord. Par quoi je commence? Vas-y, commence par ceux-là. Donc, PA-3 qui passe à PA-2, donc sur du 5. Ouais, monsieur. Hop, j'en sauve pas une. Ça fait 3 PEV. 3 PV. Ici, c'est PA-2, donc PA-1, c'est sur du 4. PA-2, donc PA-1, sur du 4 plus. Oh là, c'est pas terrible, hein. C'est pour les fumbles, donc ça me fait un total de 8 PEV. 8 PEV, 4 marines. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok, on continue, aïe, il faut aïe, s'enlever aïe, les pertes. Aïe, aïe, aïe. Ta, 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 ta. Royaume de la douleur. Ok, ok, ok. Ça mérite réflexion. Ça mérite réflexion. Hop. Il m'en manque un. Hop. Il reste combien dans l'escouade? 3 Marines. 3 Marines. Je vais tirer un premier avion. Et je vais te faire tirer. Je vais te faire tirer celui-ci. Ouais. Je vais tirer celui-ci. C'est sur du 2+, full reroll dans l'aura du roi. Ok, 1, 2 petits as, 3 petits as. On a déjà 2 6 sur le Tesla. Ça, c'est un as, c'est un reroll. Mm-hmm. Hop, ça, c'est les gros pruneaux. Ça, mm-hmm, c'est les petits pruneaux. Mm-hmm. Ça, c'est les 2 6. Ça, c'est la reroll. Petit as, reroll as des familles. Et ça, ça passe. On a donc 4 pruneaux de Tesla en plus. Mm-hmm. Ici, ceux-là sont sur du 2 plus, mon bon ami. Il y a un petit as. Ok, et ceux-là sont sur du 3 plus et du Tesla à force 7. Ok. Hop, juste c'est sur du 3. Ça change rien. Et ça, ça sort. Donc, tu as ça en save 100 PA, save à 3. Et ça, c'est de la PA moins 4. Donc, t'as une save à 6 là-dessus. Save à 6 là-dessus, je commence par quoi? Commence par save à 6, vas-y, ça me fait plaisir. Hop, raté. Ça fait un mort, c'est D3 plus 3. D3 plus 3, ok. Si c'est la vraie D3 plus 3 pour le coup. Et ça? Et ça, c'est 100 PA, save à 3. Save à 3, 100 PA. Oh là, c'est terrible, hein. C'est terrible. Eh bien, écoute, je pense que tu as vanished mon unité. Lavage et saurage, le rinçage, c'est pas pour de suite. Ouais, royaume de la douleur, comme on dit. Ok, du coup, je vais garder mon deuxième avion qui est ici et il va salver dans le rhino qui est juste. Salut, Isaac. Est-ce que je me ferai. Non, eux, ils vont être à couvert, ça va m'emmerder sur le Tesla. Donc, je vais salver le rhino avec le deuxième avion. Je vais salver le rhino. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le rhino qui est ici, que j'ai en ligne de vue. Il n'y a que celui-là, celui-là, je pense que je ne l'ai pas. Tu sais, attends, quel avion? Celui qui n'a pas tiré, non, c'est le plus proche. Celui-ci? Celui-ci, ouais. D'accord, et du coup, t'es en 2 plus. 2 plus full reroll. 2 plus full reroll? Oui, monsieur. Vas-y. Ok. Il y a moins 1 pour toucher aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a le vent. Il y a le vent, donc je suis en 3 plus full reroll. Donc les deux ne passent pas. Tac. Merci Manu de cette intervention. Il y a 1, il y a 2 6. Ça, c'est la full reroll. Du coup, la 3 plus passe. Du coup, il y a 3 6 sur le Tesla. Et ça, ça ne passe pas. Par contre, je rajoute 1. Je rajoute. Tu te rappelles tout à l'heure quand je te disais qu'il est tout le temps en train de jouer les ornées chippées? Arrêtez, arrêtez. Commencez pas, les gars. Commencez pas. Voilà, ça commence. C'est ma première phase de tir. Commencez pas, les gars. Ça commence. Ok, les gros pruneaux, c'est force 12. C'est donc sur du 3. Et les Tesla, c'est force 7. C'est sur du 4. Et là, j'ai pas de reroll. Les gros pruneaux, les 3 passes. Ça m'arrange un petit peu, je te le cache pas. Bien et sûr. Les autres, c'est sur du 4. Donc ça, ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Oui. C'est PA-4. T'as donc de la save à 6 sur cela. Save à 6 sur cela. 3 plus 3. Hop là, j'en sais pas. Hein. Ça fait 9 plus D3 et il est dead. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'éclate là? Tel l'hiver. Non. Phase de tir, globalement, les deux avions ont tiré, mes deux barges ont tiré, le roi a tiré, les Tomblades n'ont pas de ligne de vue, les Tomblades là-bas n'ont pas de ligne de vue. J'ai pas d'autres tirs à faire, les Tesla ici n'ont pas de ligne de vue, j'ai fini ma phase de tir. Oui. J'ai donc sur cette phase de tir enlevé 2 Deep Plague Marine. 10 plagues et un rhino. Et un rhino, voilà. C'est pas déconnant du tout. Là, je vais arriver à ma phase de charge, je pose à moi le débat, puisque cette unité-là, je l'avais fait, l'objectif était de venir défoncer ce gars-là. Mais là, il se trouve que j'ai le pack de plaques, du coup, je ne m'y attendais pas qu'il est là. Et je vais prendre juste 2 secondes pour éventuellement calculer une petite stat, savoir si c'est intéressant. Ce que je veux faire, si je charge les deux, en gros, je te mettrai les deux grosses armes qui sont dégâts 3, que tu vas descendre à dégâts 2, je vais les mettre dans lui. Si j'utilise le plasma site, ça me ferait une attaque supplémentaire, ça ferait 8 attaques qui touchent à 2 sur ce gars-là, et qui vont taper à force. Avec le plasma site, donc je suis à force 7, je serai à force 8. 3 plus. Avec le plasma site, donc je te blesserai à 3. Ça fait 8 taquets sur du 2 plus, touche à 2, ça fait, on va dire, allez, comme je suis malchanceux, ça fait 6 touches. Ça fait 6 touches et je te blesse à 3 plus, ça fait 4 blesses. 4 blesses, toi tu as une avion à 5.
J'ai pas un... oui, sur le drone, 1 vue à 5. 1 vue à 5, donc on va dire dans un monde où je te mets 4 blesses, tu m'en save une. Dans quel cas je te mets 3 blesses et tu prends 6 PV, ce qui n'est pas suffisant. Donc clairement, c'est pas suffisant de mettre que les deux gros là-dedans. Donc clairement, en termes de stats, c'est pas intéressant. Mais je vais te charger que les plaques. Ça marche ? Je vais te charger les plaques. J'ai claqué un PC, ça coûte rien, mais du coup, je te mets un moins 2 à ta charge. Okay. Des fois que tu fasses un craquage. Des fois que. Alors attends, on est sur une charge à combien ? Il me vole mon maître à chaque fois. Incroyable. L'entourlooper. Vas-y, je te laisse checker. Ok, donc on sera sur une charge à 4. Bon, qui passe à 6. Qui passe donc à 6. Charge à 6. Normalement, voilà. Allez, c'est réglé. T'as tombé ton PC ? Oh ouais, j'ai tombé mon PC. Super. Je valide ma fin de phase de charge. Je vais utiliser mon plasma sit. Ok, tout sauf un as. Yes, du coup, je passe plus une attaque, plus un force. Du coup, je vais m'activer. Cette fois-ci, je vais pouvoir rentrer dans l'aura de ton drone, entre guillemets, sans me prendre une intervention héroïque. Tout à fait. Donc, lui, à 3 pouces, je dois me rapprocher de lui. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir me coller ici, socler tout le monde. Mm-hmm. Tac. Je vais même laisser une petite merdouille pour reprendre encore 3 pas derrière. Lui doit se rapprocher vers le gars qui est sur le mur. Alors d'abord je vais rapprocher lui. D'abord je vais rapprocher. Lui doit se rapprocher du gars qui est vers le mur. Donc logiquement si je m'avance légèrement en biais ici, je me rapproche. Lui va se rapprocher aussi. Tac tac. Ok. Lui il va venir. Alors même le mieux c'est qu'en fait je me reste ici à un demi pas. Tac. Pour que lui fasse. Ouais, lui il sera pas à un demi pas ce petit bâtard. Si je me mets là, lui, il sera, lui pourra taper. Ah, il y en a un qui pourra pas taper, je pense. Je vois pas dans quel monde il tape. Il pourra pas taper, clairement. Lui, donc je vais le faire piline, je vais faire piline vers là. Voilà. Je vais faire piline vers là, il pourra pas taper. Ok. Ça marche. Je suis avec eux. J'accepte. Alors avec eux, je suis en force 5 de base, force 6 grâce au plasma site. Je te blesse à 3. Et les grosses armes sont force 7, donc force 8. Ça sert à rien que j'utilise un stratagème pour passer plus à un force. Je passerai pas de cap, je passerai pas de, j'aurai pas un delta de. Je me suis compris. Je suis moi aussi. Et le chat t'as compris, je pense. Vous avez compris le chat. Ok. Donc là ici c'est les grosses les gros taquets. Ouais. Les gros taquets ici, c'est donc sur du 2. Il y a un petit as, c'est des familles. Et ensuite on sur est. Ah 3. J'ai la reroll des as natifs. Excuse-moi sur Destroyer quand même. Non, pas ce rirola, ça fait plaisir. Ça reste stable. Hein. Ça reste stable. On est sur du 3. Okay. Et donc ça qui passe, 4. Ça c'est PA moins 4. Et pour 3 flats, donc 2 flats. La save à 6. PA moins 4, la save à 6, on prend. Hop, je prends 3 morts. 3 morts. Et après, il y a les taquets des copains. Donc il y en a un qui tape pas. Moi, les deux qui ont déjà tapé, ça en fait 3 qui tapent. Eux, ils ont 4 attaques, plus une, 5. Donc ça fait 15 taquets supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tac, tac. Et une, deux. Il a fait sa relance, Nima. 3, 4, 5. Ouais, j'avais un as et j'ai relancé. Et j'ai pas de relance à la blesse. J'ai des relances à la blesse ? Non. On est à la touche. Oui, je les ai fait. Il relance des as à la touche. C'est ça. Et ça, c'est les attaques à force. A fortiori. A fortiori. Sur du 2, reroll des as. On a 3 petits as. Tac. Ici. C'est good. Et là, c'est sur du 3, du coup. Ouais. C'est parti, mon guéri. Il y a ça en 2 et il y a ça en 2. C'est PA moins. J'ai un doute. Moins 2 Moins 3. Mais j'ai un doute. Moins 3 dégâts 2, non j'ai un doute. Ouais, c'est moins 3 dégâts 2. Ouais, moins 3 dégâts 2. J'ai un tout petit doute. Si tu me le permets, c'est PA moins 3 dégâts 2. PA moins 3 dégâts 2. Donc on est sur de la PA moins 2. Donc il faut faire des 5. J'en fais qu'un. Donc je prends 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts. Et il me reste 1 PEV. Ok. La vache. Je récupère l'objectif. Oui. Hein? T'as pris une masse. Musculaire ou graisseuse? Non, musculaire. Ouais, ça se voit. Hein. Je fais pas du tout de muscu pourtant. Je fais zéro, je fais que du sport de combat, que de la bagarre. Ah oui. Et c'est suffisant. Ok. Ok, ce que je vais faire, c'est copiline, t'es plus en contact là, on est d'accord? J'ai du mal à le. De contact de. On contacte au corps à corps. Si, je suis encore un pouce. Je suis encore. Là, je vais faire un petit mouvement de piline. Je vais mettre ces 3 gars-là sur l'objet ici, ici. Et non, ça serait le prince le plus proche, je pense, de lui. Mmh. Et lui, c'est le prince. Donc, lui ne peut pas venir se foutre ici. Ça serait pas légit comme move. Mmh. Ah non, non, j'ai lui. Donc, si, c'est bon. J'ai lui qui est le plus proche. Donc, je pourrais. Oui. Ok, vas-y, je te laisse faire taper ton gars. Ok. Du coup, je saute le pas. Je reste là. Ouais, c'est le fléau, ouais. Le fléau d'Isildur. Hop, donc lui, il touche à 3.
Hop, ok, reroll des as parce qu'il peut grâce au prince démon. Yes. Hop, je te blesse à 3. Tu es en du 5. En du 5. Hop, ça te fait 3 save, PA moins 2, dégâts 2, je te prie. PA moins 2, j'ai mon avis à 5, mon save à 5. J'en rate une, j'ai donc un mort. Ouais, je te gagne. C'est dégâts 3, enfin t'as 3 PV. C'est dégâts 2, donc ça me tue un gars. Ouais. Allez, je te fais 3. Protocole. Metal Blade. Protocole. Ah, c'était pas loin. Ok, si tu m'en tues un, et du coup, je vais t'enlever. Mais pas ma grosse arme, pas cette grosse arme, je vais t'enlever lui. Je vais t'enlever lui, et je vais te mettre ici. Ok, je vais arriver à la fin de mon tour, globalement. Au niveau de l'attrition, j'ai enlevé 10 plagues ici, j'ai enlevé 9 plagues ici, t'as un test de co pour lui. Douloureux, tout sauf un as. Royaume de la douleur. Enfin, non, pour est-ce toi, que c'est... je claque 2 PC? Ah. Est-ce que je claque 2 PC pour le garder? Est-ce que c'est rentable? Thank you. Parce que ça reste quand même une figurine super OP et ça peut être cool. Je le garde. Allez. 2 PC? Ouais, je le garde. Allez, ça roule. Je le garde. Ça roule, pas de test de co. Du coup, en termes de scoring. En termes de scoring, mon bon. Tu peux enlever le mettre, excuse-moi, Bob. Ouais, bien sûr, non, bien sûr, bien sûr. En termes de scoring, je vais donc mettre 4 points sur le trésor des éons, puisque j'ai mis le pas le trésor, l'ancienne machinerie, puisque j'ai marqué cet objectif-là. Je mets 5 points parce que je tiens les 3 objectifs du trésor des éons. Tout à fait. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Code de combat, je ne mets rien parce que le roi et le noble n'ont rien tué. Rien tué. Primaire bis, je le mets à 3 points à mon tour. Et tu remets 3 points de nos prisonniers puisque tu me tues un destroyer. Non, nos prisonniers, on a dit on compte que le rip-up. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. On compte que le rip-up. Oui, excuse-moi. Donc ça n'existe pas. Donc on a combien, les gars? Par contre, tu m'étouffes. Je mets 3 et 5, 8, 8 et 4. Je mets 12. Fin du tour 1, on est à 12, 8. On est à 12-8, on passe au tour 2. C'est un beau tour. C'est un beau tour. C'est une belle attrition. Au tour 2 de... Ouais. Enfin, pour les PC, ça va être un peu compliqué à suivre, donc non, il faut bien écouter. Mais si vous pouvez rappeler vos PC, les gars. Ouais, je prends un PC, donc du coup, je suis à 1 PC au début de mon tour. Moi, je suis à 3, je passe à 4. Je vais compter au Taliman, je compte juste. Donc du coup, je prends un PC supplémentaire, ce qui mène à un total de 2 PC. Et maintenant, on va réfléchir à c'est quoi. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, dans la tristesse d'avoir perdu 10 Marines, du coup, j'en ai remis 10 et j'ai avancé avec tous les persos. C'est ceux qui étaient dans ce rhino là. Ouais, c'est ceux qui étaient dans ce rhino. Le rhino a pas bougé d'ailleurs, il faut que je le bouge. J'ai pas encore décidé ce qu'il va faire. Ouais, vas-y. Grosso modo, l'idée là, ça va être de mettre la max aux avions et de tuer ça d'un coup sec. Ensuite, on est taillé pour pouvoir recevoir ces petits monsieur là, il n'y a pas de problème. Si on enlève les avions, on enlève quand même une grosse partie en fait de l'attrition qui va tuer mes Marines très très vite et ça, on n'a pas trop envie. Donc en fait, le but, ça va vraiment être de sécher. Le drone, il est venu là, évidemment, comme Alex l'avait dit, pour essayer de sécher ça au corps à corps. Ici, on va essayer de laver ça avec les personnes qui restent ici. Là, je vais faire un petit tricks de jeu pour essayer de me sauver, pour garder mon objectif. Donc je vais faire caca dessus parce que je suis 4. Ouais. Donc l'idée, en fait, ça va être de loquer ça ici. Je vous montrerai après. On a perdu puis, la... Et puis voilà. Grosso modo, pas plus. Ici, ça n'a pas bougé. Pour le moment, ça attend. Ça attend. Et ça fait son action. Ça fait son action de scénario, classiquement, j'ai envie de vous dire, de façon classique. Ce qu'on tu va peux faire caca sur un objectif où il y a des figurines dessus. Hein. Oui, à partir du moment où je le contrôle. C'est bon. Et en fait, là, je le contrôle puisque j'ai 3 figurines super OP plus 1, soit 4 contre 1. Ça marche. Et ça bouge le rhino. Et ça bouge le rhino qui va venir se mettre ici, tout simplement. Hop, donc on va pouvoir passer à la phase psy. Je vais mettre un smite dans nos amis les destroyers. Est-ce que c'est à 24 pouces du roi ou pas? Oui, c'est probable. Je fais un smite à 6, hein, donc petit smite. Salut Aramoro. Oui. Bienvenue. J'ai donc un dispel. Vas-y, tu peux prendre ton dispel. Hop, ok, je ne fais pas. Très bien, phase de tir. Donc le rhino qui est ici, 4 tirs de combi bolter là-dedans. Ça mange pas de pain. Ça coûte rien. Pas c'est les petits tirs d'opportunité, on prend. C'est beau. Bah, écoute, hop, je touche, ça blesse à 3. Oui. Hop, tiens. J'ai une save à 6 et à 5 parce que je vais la mettre dans les mecs. Oui. Dans un mec à couvert. J'en save 2, je prends 2 PV. 2 PV, je l'ai à la couverture. Tu veux bien, tu n'arrives pas d'enlever le maître? Okay. Je te remercie. Ouais, faut que je pense à l'enlever. Hein. Je vais te le dire 10 fois de toute façon. Ouais, je pense, même plus que ça d'ailleurs. Ensuite, on va. Il y a un mec avec un petit lance-patate ici. Pof. Il va mettre 2 tirs de lance-patate dans le premier avion là. Oh, ok. Il a pris plus 1 grâce au Taliman. Et il a moins 1 parce que je suis un avion. C'est ça, donc je touche à 3. Écoute, il fait une touche. Yes. Il blesse à endurance de 6, donc il blesse à 3 plus. Est-ce que j'ai pas une endurance de 5 avec ton drone? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. 3 et j'ai fait un 2. Ok. Ça marche. Hop. Derrière, donc dans cette unité là, je vais quand même avoir un lance-plasma sur le champion. Qui fait 2 tirs à 24. Hop là. Hop, il fait un as.
Et il blesse pas. Allez, bon. C'est qui a tiré là? C'est le champion plasma ici là. Ok. C'est pas ouf hein. C'est pas ouf gueudin. Ici on met les tirs de combi. Donc là il n'y a plus qu'un combi sur celui-là. Ouais. Hop, deux touches. Deux blesses. PA. Sur l'escarabe. Pas de PA. Pas de PA. Je peux pas la mettre sur celle à couvert parce que ça va me péter, la cohésion. Donc sur du 6, je prends 2 PV. Hop. Ok. Alors, ensuite, on va passer au truc qui commence à être un peu plus que ça, donc un peu plus sale. Opportunité. On va commencer à faire, on va essayer de faire des choses un peu plus intéressantes. Le Lord of Virulence, il va mettre un coup de frouche là-dedans. Oui. Donc 2 dés de 6 tirs, les copains. C'est parti. Ok, 9 tirs. C'est bien. On apprécie. 5, 7 et 2, 9. Pour nos amis, des chiffres et des lettres. Touche auto, donc pas de malus du touche auto, ça touche à 2. Force 6, rendu 3. Tu prends 4 mortales. Ils sont morts, t'as fait à moins 2, j'ai pas de sauvegarde. Enfin, j'ai une sauvegarde de couvert, donc je suis à 5, donc j'ai pas de sauvegarde. Non, attends, j'ai perdu à moins 1. On m'a dit que t'avais perdu à moins 2 dans l'aura. Dans l'aura de contagion, mais t'es loin encore. J'y en ai pas encore, ok. Donc j'ai une save. Donc en gros, tu prends tout ça de save, à perdu à moins 1. Et 4 mortales. Plus 4 mortales à côté. Donc déjà, j'ai un socle qui saute, et après, j'ai ça de save à 6. C'est ça. C'est ce que je disais, sûrement. Pas trop de débat là-dessus. Ils sont. Day say day, comme on dit dans le jargon. Ok, est-ce que j'ai d'autres tirs à faire? Oui, j'ai le full blade spawn qui est ici. Il va full blade spawner. Il va full blade spawner. Donc la question c'est la répartition, il faut faire ça correctement. J'hésite sur quoi je l'envoie. Je vais l'envoyer sur cet avion ici. Ouais, donc des 6 tirs. Vas-y, en avant, 5 tirs, c'est bien, je prends. Hop, je te laisse sur du 3 de base. Et roll des as parce que arme de la peste. Boum, c'est propre. Ouais, tu prends 5 save, PA moins 3 dégâts 2, je te prie. PA moins 3, donc je suis sur de la save à 6. 8 PEV. J'en fais 1, c'est propre. Putain, il a été violent le bougre là. Combien il te reste de PEV? 2? Non, j'ai 12 PEV. 12 PEV, il te reste 2? Je suis en dégressif. 4? C'est lequel que tu ciblais le plus? C'est celui-ci, le plus loin. Oui. Donc tu m'as mis 6 PEV. 8 PEV. 6 ou 8? Excuse-moi. 8. 8. Il y en a 4 qui sont passés, putain. Ouais, t'as vu? C'est même moi je suis surpris. C'est quoi qui a fait ça, tu vois? C'est le full blade spawn avec sa lance. Le mec avec son fouet. Ouais, il a fait 5 tirs, donc il envoie. Ok, maintenant ça va être le moment des plagues marines. Donc il faut pas se planter dans le séquençage. Ce qu'on va faire, de toute façon, je vais faire une salsa des grenades. J'annonce. Salsa. La salsa des greux, je vais être obligé, je suis à plus de 6 pouces en fait, donc je vais être obligé de claquer 2 PC, un pour augmenter ma portée de 6, et un pour pouvoir utiliser les grenades. Okay. Donc on va faire quelque chose comme ça. Maintenant la question c'est dans quel sens qui fait quoi? Parce que j'ai aussi des fuseurs, des lance-patates. Donc ce que je vais faire, j'ai envoyé les tirs de plasma ici, déjà du sergent. Ensuite, on a des tirs de fuseurs, les deux tirs de lance-patates, ils vont partir là-dedans. Les deux tirs de fuseur, ils vont partir là. Et reste la salsa des grenades. Lui, il va faire une salsa. Ouais. Parce qu'il aime ça. Tu peux faire ça encore à corps? Ouais, je peux le faire encore à corps et je touche auto. Ok. Par contre, la question, c'est qu'est-ce que je fais de mes 12 tirs supplémentaires? J'ai peur de sécher les deux avions d'un coup sec. Remarque, ça sera rigolo si je le fais. Il me reste 12 tirs à mettre. 12 tirs. 12 tirs. Donc là, on a dit plasma, patate, là, les fuseurs. Écoute, le reste des grenades, ça va partir sur lui, je pense. Hein. Allez, c'est quoi? On va être magnanime. On va mettre une grenade là, une grenade là. Ça, c'est beau. C'est magnanime. La magnitude, c'est bien. Voilà, c'est ça. Normalement, ça devrait envoyer ce qu'il faut envoyer. On nous dit, soit pas bien dit. Tout dans les avions. Non, c'est bon. Les avions, je vais les tuer, de toute façon. C'est pas une... Ça devrait faire. Ok, le mec tout seul. Ouais, tu touches auto. Touche auto. Sur du 4. C'est 6 tirs de grenade? Ouais, c'est pistolet 6. Ah ouais? C'est cadeau, ça touche auto. Hop, eh bien écoute, sur du 4, tiens, tu prends 3 save. Ok, il n'y a pas de PA. Non, c'est cadeau. J'ai un couvert ou pas d'encore à corps du coup? Vu que c'est un tir. C'est du tir, ouais, je pense. Ouais, je suis en save à 2. Ouais, ouais. On est d'accord. Hein. Ouais, je pense, ouais. C'est bien. Ça ne fait rien. Allez, maintenant le reste. Donc le plasma qui va tirer la balle. Confirmez-nous quand même, je sais qu'il y avait Bob Armit de la fête. C'est bon. Il me semble aussi. Deux tirs de plasma dans l'avion à deux pieds. Les gars, on nous demande, c'est vrai, essayez de bien nommer les unités que vous visez, etc. C'est dur à suivre.
Ça marche. Donc le champion des Plague 9, lui, on a dit qu'il allait tirer dans l'avion. On est sur cette escouade-là, ah. Franck, n'hésite pas à mettre les petits tools. Les petits tools, ouais. Tu mets un petit rond sur eux et tu mets une petite flèche vers les... On a dit que le champion Plague 9, il allait tirer dans l'avion qui a à 4 PV. Oui. Touche à 4. Reroll des As. Hop, une touche. La reroll des As, c'est qui? La reroll des As, c'est le Lord of Virulence, ouais, qui est derrière, qui la donne. Okay. Je blesse à 3. T'as une save, PA moins 3 dégâts. 1, je te prie. C'est à 6. Non, je prends un PEV. Ok, ensuite, on a les 4 tirs de lance patate. Hop, sur du 4, tout passe. Blesse à 3. Non, blesse à 4, pardon. Parce que t'as endurance de 6, t'es pas dans mon contagion. Oui, blesse à 4. Tout passe. Tu prends, hop, tu prends 3 save PA moins 2, flat 2, et celle-là, elle sera PA moins 3. Save à 2, donc celle-ci, je suis sur du 5. J'en réussis une, flat 2. Ouais, il est mort. Il est mort, j'étais à 9 PV, ouais, donc il est mort. C'est ça. Est-ce qu'il kaboum? Oui. Ah, le bâtard. Ok, faut que je vérifie comment il kaboum, celui-là. C'est bien celui-là, le... C'est l'avion qui est juste ici, en fait. C'est celui derrière. C'est celui que j'avais déjà entamé. Celui-là, quand il kaboum, à 6 pouces, ça prend D3 blessures mortelles. Je suis content. Là, c'est la salsa du démon, là. J'ai mes destroyers qui sont là, qui vont prendre des 3 mortels. 3, donc je perds un destroyer. Et j'ai pas de protocole là-dessus, puisque c'est de la mortelle. Ok, ensuite j'ai ma console, ma barge de machin. Elle prend une mortelle. J'ai mon patron qui prend une mortelle. Ça va, tu t'en sors bien. Et j'ai le roi, il est pas à 3 pouces. Et El Rey. Le chronomancer est pas à 3 pouces. Et après, je suis pas à 3 pouces. Ah, ça m'a tué à Destro quand même, c'est pas négligeable. C'est 40 points quand même. 30, 35 points. Quelque chose comme ça. Ouais, t'as pris des mortels à gauche à droite. Maintenant, on va faire la même chose sur le deuxième avion. Les amis, sur le deuxième avion, on a 2 coups de fuseur. Ça coûte rien, ça fait joli, c'est sympa. 2 tirs de fuseur à 4. Je les passe pas. Ok, et ensuite, on a 10 6 tirs de greux. Les greux-greux. Les greux. C'est 6 pouces, on va dire. De quoi? C'est 6 pouces. Ah oui, putain, oui, j'ai pris 3 pouces. Excuse-moi, le roi il prend. Ah merde. Le roi il prend. Ouais, excuse-moi, en plus je l'ai dit en plus. Le roi il prend 2 mortels. Et l'avion aussi. Et l'avion aussi. Et l'avion aussi, exact. Il prend 2 mortels aussi. Et attends, il y a même peut-être le chronomancer, il est dans les 6 pouces aussi. Oui. Une mortelle. Donc on a dit 2, 2 et 1. Alors, une sur le chrono. Oui. J'ai plus de place pour mes petits doigts. Ici. 2 mortels sur le roi. Ouais. D'ailleurs, on va le mettre sur le menhir, tant qu'à faire. Ouais. Et on a dit, il y en a une autre qui a pris 2, c'est l'avion. Ouais. L'avion qui a repris 2 aussi. L'avion. Ok, donc les tirs de grenade. Ouais. Voilà. Les fuseurs ne sont pas passés. Non, les fuseurs ne sont pas passés. Reroll les as. Ça fait plaisir. Pardon, je le roll dans le tapis. Non, celui-là il passe pas. Okay. Je te blesse à force 4, donc sur du 5. Sur du 5. Full reroll par contre. C'est beau. Ça c'est l'archi-contaminateur. C'est l'archi-contaminateur. Ça fait 2. Tu prends 2 save, PA moins 3, je te prie. Dégâts 2. C'est à 6. Je prends 2 PV. Tu prends 2 PV. Combien t'en restes? Je suis à 4 PV perdu, il m'en reste 8. T'en restes 8, ouais. C'est bien. C'est beau. C'est bien, c'est bien. Écoute, à mon niveau, je pense que j'ai fait tirer toute mon escouade. J'ai tiré avec les fuseurs, j'ai tiré... Ah, il me reste un bolter qui ne voit rien. Donc, ça arrive le problème. Ouais, j'aurais pu le déclarer ici, à la limite. Vas-y, fais-le, je t'en prie. Voilà, 2 tirs de bolter. Il fait une touche. Hop, une save. Ouvert à 5. Ok, je repère un PV sur la... Il en avait perdu 2, je crois. Oui. C'est cela. Du coup, il en perd 3. Ok, ça c'est relativement honnête. Eh bien, on va passer à la phase de charge. Oh, attends, je fais un petit point. On peut passer sur le téléphone. Bien sûr. Il est en... Bien sûr. Uniquement les attaques. Oui, j'ai pas de protocole sur les. Faut mettre les Mortal Wounds sur le roi. Ouais, c'est mis. Enfin, c'est mis. Uniquement pour les attaques. Donc, ça permet le roi de régène tranquillou en attendant. C'est un truc. J'ai pas compris ce qu'il dit Ben. Faut mettre les Mortal Wounds sur le roi, pas sur les menhirs, parce que ça permet de régénérer tranquillement. Mais mon menhir il régène aussi. Hein. Mon menhir il est multipev, il a un, comment on appelle ça? Il l'a. Il l'a. Ah mais je vois ce qu'il veut dire. Il a raison. Parce qu'ils peuvent régénérer et après les autres PV vont passer sur les menhirs et donc le roi va se régénérer. Ouais, je suis d'accord. J'ai compris la madame. Allez, on passe en mobile. Globalement, café, notre ami Bob, pour que vous puissiez suivre. Je crois que c'est l'avion qui... Vas-y. Ça a frise. Ça a frise, je ne sais pas pourquoi. Oula. Ok, passe en zénithal. Vas-y.
Excusez-nous pour ce petit problème technique. Donc ici, Bob, vas-y, je te laisse refaire un petit récap. Donc du coup, ici, les plaques marines viennent de sécher l'avion et entamer celui-là ici à l'aide du full blight spawn. Le Lord of Virulence vient de sécher tous les petites nuées de scarabs qui étaient sur l'objectif ici. Yes. De ce côté-là, il ne s'est pas encore passé grand-chose, je me suis juste positionné. Mais comme maintenant, on va aller faire la phase de charge, normalement, je devrais laver ça. Et ça, je devrais le bloquer. Avec tu l'as déjà bloqué, de toute façon. Je ne l'ai pas engagé. Oui. Mais maintenant, je vais charger avec mon rhino. Ok, charge du rhino. Hop, je fais une charge à 4. C'est une couille. Zwip. En fait, je viens charger au plus loin possible. Ok. Tac. Hop. Il est vite ici. D'accord. Celui-là, je te socle pas. Ouais, okay. Le rhino, il est en slip. Ça marche. Il est en slip comme il faut. Et voilà, voilà. Et donc ensuite, pour le reste des charges, je vais déclarer donc la tondeuse ici. Ouais. Hop, qui fait une charge à 7. 7, c'est bien, c'est fluff. Oui. Hop. Ensuite, je vais faire une charge avec le prince Léon. Ouais. C'est ça. Charge à 3, de toute façon, on y est. Voilà. Et on est plutôt bien. Yes. On est plutôt pas mal. Non, vas-y, on déroule. Tu voulais le faire charger, je sais plus. Lui, il charge l'avion. Ok. Attends, je vais utiliser un PC, je vais t'overwatch par contre. Là. Vas-y. Parce que je suis en full reroll dans le, l'aura du roi. Donc je peux faire des trucs, ça peut faire des trucs sympas. J'étais à 4 PC, je passe à 3. Et je vais t'envoyer les pruneaux de Tesla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ça, c'est les 3 gros pruneaux. C'est sur du 6 en ouais. Full reroll. Ok. Full reroll, du coup. Full reroll, ouais. Non, moi, c'est simple, t'as pas besoin de s'embêter à compter. Oui. Allez, plus de 6. C'est mieux, mais c'est que le Tesla. Donc c'est j'ai 3 Tesla, 6 qui passent. Ce qui fait 9, ouais, c'est 9 blesses à faire. Ouais, c'est force 7 sur de l'endu 7. On est ouais, sur du 4. Sur du 4. Bim. Ça fait 1, 2, 3, 4 sauvegardes. Voilà, sur du 3+. 4 sauvegardes. 2 PV, je suis content. Hop, rien. Je t'enlèverai. T'as un PV rondement essayé maintenant, je te charge. Oui, faut que tu jettes les dés par contre. Oui, ça change rien, parce que je peux me charger un pouce. Regarde, voilà, charge à 12. Voilà, c'est refait. Je peux pas. Enfin, ça m'allongerait. Remarque, attends, charge à 12. Là, il y a combien de hauteur? Ah oui, mais je peux pas monter non, là-dessus. Non, tu peux pas, faut que tu viennes te mettre ici. T'as pas, tu peux ouais, en fait, j'ai pas de poser mon socle ici. Non, t'as pas le choix. Faut que je fasse ça. Mais je suis bien là où je suis. Mais tu me contactes pas là. Si, regarde, hop, à un pouce. Ah, de la figurine. Ah oui, c'est pas ton socle pour les charges. Voilà, t'es pas un pouce. Tu parles des ailes là. C'est le socle. En fait, c'est quoi qui compte pour les Hérodines ouais. C'est les ailes ou c'est le socle, le chat? C'est le socle ou les ailes Là, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Dis-moi. En l'état là, pour toute façon. Ouais, je peux charger un volant parce que je vole Alex Boisset. En l'état pour moi. Le socle là. Allez, vas-y, go le socle. Le chat a dit le socle, ouais, donc ouais. Tu me mets là et c'est bien. Hop. Et voilà. Merci les gars, merci, voilà, vous êtes là pour ça. Meilleur arbitre du monde, c'est qui? C'est Bob. Le chat. C'est Bob, je sais pas. Non, non, mec, il a même pas écouté la question. Mais là, c'est qui? C'est Bob. Ok. Qu'est-ce que c'est la plus grosse table? C'est Bob. Non. Non, c'est Manolo ce soir. bah écoute, on va s'activer. Je vais commencer par activer quelqu'un entre les deux. Je ne sais pas encore. Je réfléchis. Qui peut te faire le plus. Moi, d'ores et déjà, je te claque un PC ici. Je me te mets le moins. Moins un pour blesser. Bien sûr. Ouais. Oui, mais ça équilibre. Je me garde 2 PC pour t'interrompre. Donc du coup, tu passes à rendu 4. Donc je te blesse à 3, mais à 4. Je vais commencer par tabasser avec le drone. Allez. Le drone, il va faire son job. Il va laisser 12 attaques. Donc là, on est ici, ouais, avec le petit cercle que vous a mis Francky. C'est le drone qui s'active en premier et qui va taper sur mes... Mais oui, c'est ça qui va taper sur mes. Non, on a le stagiaire qui fait les vidéos. Merci pour le stagiaire. 8, 10. Donc le drone va taper sur 12. Mes destroyers Scorpec. Ouais, sur du 3. 12 attaques qui touchent à 3. C'est la stat. C'est propre. Ok, et ensuite je te blesse sur du 4. Oui, parce que je t'ai mis le moins un hit. Tout à fait. Et reroll des as parce que arme de la peste. Bien avait, ouais. Hop là. Ok, c'est PA-2, je suis sur mon avion à 5. Je vais te les faire deux par deux pour éventuellement ouais. Claquer des rerolls. Ouais, si je, tu veux. Je vois. 2 PV. Ça fait 2 PV. Ici à 5 plus, ça fait 1 mort. Et là, je te fais les deux là. Ça fait 1 mort et 2 PV. 1 mort et 2 PV. Je vais t'enlever. Alors, je vais t'enlever pas la grosse arme. J'ai bien envie de t'enlever lui parce qu'il n'a pas chargé. Et donc, il ne peut pas taper en l'occurrence tant qu'il a pas son arme. Tac, et je vais te mettre 2 PV sur le camarade qui est juste là. Tac. Mm-hmm. La question, c'est est-ce que j'utilise 2 PC pour t'interrompre? Je vais poser juste 2 petites secondes de stats. Si je veux, je pourrais mettre tous mes taquets sur lui éventuellement. Il a combien de PV le gros?
8. Il a 8 PV. T'as une invue à 4. 5. À 5. Et feel no pain à 5. Damage réduit de 1. Réduit la damage 1. Donc en gros, il n'y a que mes, y a mes 6 gros taquets qui font 2 dégâts flat. Mes 6 gros taquets. Donc je suis toujours. Je suis plus en. Si, je suis en touche à 2 plus. C'est encore. C'est toujours le. Donc du coup, tu claques 2 PC pour m'interrompre. Attends, non, je réfléchis juste à voir si c'est intéressant si je peux te saigner le prince. Si je peux te saigner le prince, il faudrait que je claque mon plasma sit pour être sûr de passer un max d'attaque. Et je mets tout sur le prince avant qu'il tape. Ouais, je vais les utiliser. Je vais les utiliser. Je vais utiliser mon plasma sit tout sauf un as. C'est bon. Donc j'ai plus une attaque et plus un force. Je vais m'activer. Je vais donc venir piline ici. Là, je vais me mettre ici à un demi-pouce, mais pas à portée de lui. Et alors, voyons si je peux faire ça. Ici, un demi-pouce. Ah, je serai sans doute à portée de lui. Je pense pas. Je pense que t'es à portée. Hein. Tu penses que je suis à moins d'un pouce là, de lui là, ok, vas-y, on s'embête pas. Je suis à moins d'un pouce. Je suis à moins d'un pouce. Mmh. On s'embête pas. Mmh. Et lui, tu me l'avais pas soclé, donc il va juste avancer. Pour... Il a un demi-pouce, on s'en fout. Mmh. Je mets tous mes taquets sur le prince. Mmh. Voilà, c'est simple. Mmh. Je te mets les, quatre, les, gros, les grosses prunelles. Les grosses marmites. Il a rendu 7, ton gars. Rendu 6. Un message d'Asher de Tourop, attention le plasma sight. C'est au début de la fight phase ou au début de la charge phase? Ok, fallait que je le fasse avant qu'il tape. Tu m'autorises ou pas? Ça, oui, ça change pas grand chose. Oui, ça change rien, ça change rien. Mais merci, alors, merci pour la précision, il a raison. Il a raison. Il a raison, ouais. Ouais. Donc là c'est les gros pruneaux ici, mmh. Et après du coup il y en a deux autres, puisqu'il y en a qui sont morts quand même dans cette affaire. Il y en a deux autres qui ont 5 attaques. Mmh. Une, deux, trois. 4 et 5. J'ai besoin d'une confirmation que mon plus 1 hit est encore fonctionnel. J'ai un doute. Est-ce que c'est jusqu'à mon prochain tour ou pas? Le plus 1 hit, est-ce que c'est jusqu'à ta prochaine phase de commandement? C'est My Will Be Done? My Will Be Done, oui. À votre phase de commandement, choisissez Ami et Neuf Foot jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, oui. Ouais, ouais. Donc c'est bon, j'ai bien plus 1. J'avais un doute. Je n'ai plus de doute. J'ai oublié le protocole de reste, le garçon, il paraît. Oui, exact. Ici, sur le petit gars qui est mort. Ouais. Tu as raison. Sur merci, merci. Bruit. Il reste mort. Voilà, c'est fait, mais au moins c'est fait. C'est parti, donc je te touche sur du 2, mon bon ami. Reroll des As parce que je suis un destroyer. Il y en a 4. Hop. Hop, et un petit As supplémentaire. Mais toutes les grosses armes sont passées. Tout blesse à 3. Ah non, je vais peut-être te blesser à. Si, je suis en plus, non, je suis en plus 1 force. Puisque j'ai en plus 1 force avec le plasma sit. Et j'ai mon protocole plus 1 force. Donc je suis à force 7 sur les petites armes. Et je suis 3. À force 9, c'est que du 3. C'est que du 3. Tout sur du 3 plus. Ok, je vais. J'ai plus de points de com, donc je peux pas utiliser de reroll. Donc ça ne passe pas, ça ne passe pas. Tiens, je te laisse mettre les 4 grosses en first. Et celle-ci, tu me les mettras après. Donc là, on est sur de la PA moins combien? PA moins 4. PA moins 4. Donc du coup, ça me fait de la PA moins 3. Oui. Donc en fait, c'est 5 plus invulnérable. Ok, j'en rate 2. Ça fait 4 feel no pain. C'est flat 4, mais damage reduce de 1, donc ouais. Flat 3. C'est flat 3. Donc ça fera 6 feel no pain. Non, c'est flat 3. Flat 3. Réduit de 1, ça fait 2. Donc, ah oui, 4 feel no pain. Ok, t'avais déjà compté. Ouais, ouais, j'avais déjà compté. Ouais. Ok, et ça, on a dit PA moins 3. PA moins 3, donc du coup PA moins 2. Donc du coup, je suis sur de la 4 plus. Oui. Et ben, c'est pas ouf, hein. Je suis bien à chier de la save. Ce soir, c'est quand même pas dingo. Ça fait combien de feel no pain? Bah ça fait 6. Et 6 et les 4 là, ça fait 10 feel no pain. 10 feel no pain. 10 feel no pain pour 8 PV. Pour 8 PV, ouais. Ah, il va vivre. Ouais, il va vivre, mais il me reste 2 PV. Yes. Ils ont fait leur office, les fifous. J'ai une question de règle pour les pros du pot. D'ailleurs, j'ai réussi des saves, donc du coup tu prends une mortelle. Ah fiefé coquin. Tac. Oui. Lui il a pris 2 PV donc il est mort avec la mortelle. Avec la mortelle il décède. Quand donc, tu fais attaquer une unité avec deux profils différents, oui. Tu sais, à la fin, quand oui. Tu as fait toutes tes saves, tes blessures et que les saves sont à faire, ouais. Tu lui dis tu peux commencer par ça. Oui. D'accord. Dans les règles, il y a quelqu'un en QGT qui m'a soutenu mordicus que non, en fait c'était le joueur opérant qui choisissait. Qui lançait les dés. Je crois que c'est le joueur qui dit ouais, c'est le joueur opérant. Non, non, mais c'est. Non, c'est l'attaquant en fait qui choisit. L'attaquant qui choisit. Sur 2 plus la mortale, on me dit. D'accord. Non mais c'est... Ah oui, pardon, il y a un jet supplémentaire. Tu pourras l'expliquer... Ah bah non, tu vois, tu as trouvé ton bonhomme. Génial. Les gars, remplacez la piste à dés, on voit plus. On a perdu le fil. Bah, tu veux quoi, là? Tu pourras l'expliquer à 18h. On voit plus la piste à dés. Vous l'avez bougé, il y a des dés qu'on voit pas de ce côté. Ah bon? Mais celle-là, il n'y a pas de dés dedans, mais bon. Voilà. Non mais c'est Manu aussi, il fout la merde, là, direct. Ok, 1, 2, 3, 4. Donc là, on est toujours dans le corps à corps, on peut rester sur la zénithale 5, si tu veux bien, Francky. Maintenant, c'est avec gros. Le petit cercle, c'est donc le gros qui va taper. Qui s'active. T'es toujours en mode.
Et ben, je suis vraiment à chier. Ouais. C'est une catastrophe, mes dés ce soir. Absolument génial. Sur du 4. Non, sur du 3. Oui, parce que t'as moins, j'ai moins en endurance. Ouais, non, tu te blesses force à 2. De 8. Non, je te blesse à 2. Voilà, c'est ça. Non, c'est une catastrophe. Arme de la peste Non, pas arme de la peste. C'est vrai. Donc, t'as une save. PA moins 3, flat 3. Je suis sûr, on a vu à 5. C'est save. C'est une catastrophe. Oh là là, c'est je t'ai tanké un prince des démons comme Jaja. Oh yes. Incroyable. Ok, mais je vais activer le drone. Hein. T'as aussi poteau 8. Ouais, après, il arrivera après. Mais... Ok. 1, 2, 3, 4. On passe sur le corps à corps, Francky, drone contre l'avion là. Que je suis en train de te sticker sur l'écran. Ah oui. Si tu veux bien déplacer. 1, 2, 3, 4, 5. Verrouille là, tu peux la cadenasser hein, sur le. Hop, allez, on est parti. Sur du 3 pour le drone. Oui. Il y a un petit 2 encore. Je l'ai vu. Yes. Je te blesse sur du 3. Oui. Hop, c'est propre. Ouais, t'as tout ça de save, PA-2, dégâts 2. PA-2, dégâts 2. Bah, je suis en save à 3 qui passe en save à 5, mon bon monsieur. Joli. Je t'en save 3, je pense que ça sera pas suffisant. 5, 10 ça PV. Fait 5, ça fait 10, il avait perdu 4, il est mort tout rond. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il kaboum? Non, pas deux fois, mais merci. Merci. Tu l'avais dit, tu l'as fait, t'as pété mes deux avions. Ouais. Combien de points l'avion? 165. 165 points. Oui, j'ai pas fini mon activation. Hop, du coup, faut que je m'active et que j'aille vers la figurine. Ah, c'est ça la plus proche, je pense. Ouais, si, c'est le plasmacite. Le théorème de Pythagore nous apprend que c'est le plasmacite. 6, hop. Et la zénithale, du quoi? J'ai perdu 2 PV. J'en ai remis 1, mais j'en ai perdu 2 ici. Je peux pas faire mieux. Est-ce que je peux faire plus intelligent? Non, il a pas fait le jet de dé. On est revenu dessus, il a fait le jet de dé, il a fait un as. Ça n'a pas marché. Non, je peux pas faire mieux. Si je veux me rapprocher, de toute façon, j'étais là. Donc, ça change rien. Ouais. Je suis obligé de venir de ce côté-là. Je peux pas jouer à la cachotte. Ok. Très bien. Eh bien, écoute, il me reste plus que mon Plague Marine, oui, vaillant Plague. Lui-même. Ouais, qui va toucher à 3. C'est très bien. C'est chauffé de ouf. Qui va blesser, par contre, lui, à 4. Parce que force 5, il est juste ici, le Plague Marine. On retourne sur le corps à corps, parce que le Plague était déjà au corps à corps. Donc, en termes de séquençage, il intervenait en dernier. 2 save, PA-2, flat 2, je te prie. Sur du 5. Et bah, écoute, tu m'en tues 1. Et il y en a un autre qui est un qui prend 2, qui prend 2 PEV. T'as ton protocolas. Là, j'ai le protocolas. L'autre protocolo. Il prend 2 PEV, donc il a 1. Ouais, mais moi je mets ce qu'ils prennent en fait. Tu mets... Ah oui, d'accord. Ouais, mais c'est pas grave. Laisse. Ouais. Parce qu'en fait, pour les. Ouais, bref. Ouais. On s'est compris. Non. Ça passe pas, donc il est mort. Définitivement mort. Il est vraiment mort, quoi, les gars. Tac. Ok. Donc ça veut dire que sur cet objectif-là, on se nulle. Puisqu'on est tous les deux objectifs sécures. On a 3 figurines chacun. T'as fait. Est-ce qu'on serait pas sur la fin de ton T2? Je pense qu'on est sur la fin de mon T2. Pas de morale ici, j'ai perdu 2 mecs, j'ai un coma 10. Ici, ouais. J'ai rien perdu. Ah, j'ai pas attaqué avec mon Rhino. Oui. Et toi, t'es pas activé. Bien sûr. En plus, j'ai 3 attaques sur du 6. J'ai 2 PV sur Rhino, tu vas voir. Ah oui, je pense, ouais. Vas-y. Je m'active du coup. Oui, je t'ai passé aux clés. Oui, très bien. Très bien. Je vais juste faire passer lui, juste pour qu'il soit à 1 pouce. C'est tout ce que je fais. Ok. C'est tout ce que je fais parce que de toute façon t'as 3 figurines donc même si je pop ici, ça changera rien, je l'aurai pas. Tout à fait. Donc c'est parti, ça fait 4 attaques par socle. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Et je te touche sur du 4+, les 6 blessent auto. Il y a 1, 2, 3, 6. Et c'est après, costaud. Là c'est sur du 6. Ouais. Et ben voilà, t'as 5 save à 3+. Oh le mec. Ah ouais, ben, je te l'avais dit, t'allais perdre 2 PV sur ton rhino. Hop là, bah 2 PV sur le rhino. Je l'avais dit. Ce dé était hors champ hein, pour le chat. Ouais, ouais. Hop, il en reste 8. Ok, ici j'ai fait mon action de scénario, donc on peut arriver à la partie scoring. Hein. Partie scoring. Si t'es d'accord, mon bon Alex. Première bis. Première bis 3, toc 2. Donc je contrôle 2, donc ouais, 2 points. Première bis ici, tu mets 2 points. Oui. Et 2. Le hall front. Oui. Le hall front, 2 points. 2 points. J'ai un rhino là, j'ai 5 plaques marines là-bas, je suis à plus de 6. Oui, à 6 pouces du centre. Ouais. Ok. Donc hall front, tu le remets à 2 points. Tout à fait. Nos prisonniers, j'ai pas fait de raise, donc on reste juste. Et sur spread les... the sickness, je le fais là-bas avec les 5 plaques marines, donc je prends 4 points. Tu l'avais pas. Non, tu l'avais fait là-bas. Ouais, ok, ça marche. Oh, ouais. Regarde, je mets les tokens à chaque fois pour que le chat puisse suivre, et moi aussi d'ailleurs, par la même occasion. Donc, tu mets 2 plus 2 plus 4, tu remets 8 points. Tout à fait. Tu remets 8 points. Je vous rappelle quand même qu'on n'a pas compté nos prisonniers pour l'instant. Non. Moi, je commence ma phase de je regagne un PC. Oui. Toi aussi d'ailleurs.
Et tu avais déjà regagné avec le Taliman. Oui, j'ai déjà gagné avec le Taliman, donc je prends juste mon PC. Ouais. Voilà. Et de mon côté, je tiens un et deux objectifs. Tu mets 4 points. Pas plus que toi, donc je mets 4 points. Je prends. Ça fait plaisir. Ici, 1, 2, 3 et 4. Tu peux déjà me rajouter. Non, on le fera à la fin du tour. Mon scoring. Laisse mon scoring vierge et on le fera à la fin du tour. Alors, ici, je récupère mon PV. Ici, je récupère mon PV. Ici, je récupère mon un PV. Ici, je récupère un PV. T'as un autre PV là, Alex, sur la console là. Oui, bah, je le récupère aussi. Et ici, là, c'est toi qui m'as mis ce qui restait. Ouais, là, c'est ce qui lui reste. Donc, moi, je vais mettre ce qu'il a perdu. Comme ça, je sais qu'il reste un PV. Il lui reste un PV. Moi, je mets ce qu'ils perdent. Je mets ce qu'ils ont perdu. Il a perdu un PV. Comme ça. Ah oui. Voilà. Ok, j'ai compris. Voilà. Ça y est. Oui, on travaille à l'envers. Là, il a perdu un PV parce que sinon, ça veut dire que c'est relou pour lui, tu vois. Ouais, tout à fait. Oui, raconte-nous tout. Comment je fais, Francky? Tu appuies sur l'écran. Vas-y. Moderne. Hein. Ouais, c'est super moderne. Ah. Ok, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en stand de tir pour commencer à avoiner là-dedans. L'idée, c'est quand même d'amoindrir la saucisse avant l'arrivée des Destro. Qui c'est qui file le Fight Last? Il est là. À 3 pouces, donc je pense que je devrais pouvoir contacter sans prendre le Fight Last. Parce qu'il y a deux socles de 32, donc logiquement, il faudrait... De mémoire, hein, j'ai joué le Judicat, il fallait être entouré pile poil autour du mec pour avoir le Fight Last. Donc si je me place pas trop comme un gogol, je devrais pas prendre le Fight Last. Par contre, lui, il va le prendre ici, parce que je vais lui expliquer un peu comment ça se passe en termes de dynastie. on va amoindrir quand même un peu. Là, t'as envie de me raconter des choses. Là, j'ai envie de te raconter des choses. Je sens que t'es un homme du racontage. Ce qu'il faut que j'arrive à faire, en fait, c'est surtout, si je peux faire, je verrai, si je peux charger et décaler le roi. Et quand je vais charger ici, venir capter son aura de reroll des blesses. Ça me paraît un peu ambitieux, mais je vais voir si j'y arrive. Peu importe. Donc là, cette zone-là de tir... Je vais utiliser un PC, je vais enlever le couvert et je vais commencer à avoiner là-dedans. Ici, on va tirer, on va commencer à avoiner là-dedans. Là, j'ai désengage parce que de toute façon, il allait frapper en first, donc il allait me saigner sur la manœuvre corps à corps. Ici, ce que j'ai fait, j'ai mis mes trois socles ici. T'as fait ton désengage. Pour lui éteindre son primaire, surtout. Je suis pas à plus d'un pouce, d'ailleurs, j'ai triché. Oui, tu l'as éteint plus d'un pouce. On était dans l'intention, Alex. Et surtout, ici, j'ai fait ma petite action d'ancienne machinerie pour mettre mes points. Tout à fait. Je veux bien la zénithale, Francky. Comme ça, j'attaque, non pas ma phase de psy, car je n'en ai pas, mais bien ma phase de tir. Je vais commencer à tirer avec les Tomb Blades, qui vont tout mettre dans la mouille des artichauts farceurs. Oui. Je vais utiliser mon dernier point de com pour te faire péter le couvert. Solar Flare. Et donc, j'ai 30 tirs qui vont être bien. Et d'ailleurs, le plus à hit est passé sur eux, la console. Donc, eux, ils ont le plus à hit. Ça fait... Alors, 30 tirs, ça fait beaucoup quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, il y en a 30. Ça touche à 2. Ouais. Reroll des As parce que... Enfin, reroll, c'est toujours le rat du roi. C'est stable. Je veux bien mettre les petits dés là parce que je suis encore en te remplis. Je te remercie. Allez, sur du 2, reroll des As. J'ai 1, 2, 3, 4, beaucoup. 5, 6, 7, 8, 9 As. La reroll est la bienvenue. Allez. Ah, du coup, j'ai un seul petit As reroll As. Du coup, ça me convient. C'est propre. C'est force 5. Sur du 4. Ok. J'ai le tir à travers le vent, j'ai le moins un hit. Non, parce que t'as fait sauter le couvert. J'ai pas le moins un hit. Sur du 4 de rien. Oui, effectivement, j'ai fait sauter le couvert. Je m'étais focus sur la save, mais voilà. Donc ça, c'est A3. C'est les Tomb Blades qui tirent sur les plagues. Je te rappelle que j'ai fait sauter le couvert, donc il a save à 3. Attends, je t'enlève ça pour pas que... Oui. Mélange. Bah, écoute, ça fera 3 points de vie. Fait un mort et un PV. Tout ça de dés pour 3 PV. 30 dés pour 3 PV. Alors maintenant, il faut... retirer les à 21h quand tu intelligente. Je vais attaquer ensuite avec la console parce que c'est elle qui a le moins de ligne de vue. Vas-y. Donc je vais t'envoyer la sauce. Ça fait 3 tirs de Ghost Cannon. Qui tient sur qui, redis-nous, pardon ? C'est la console, la console d'annihilation, je ne me rappelle jamais bien de son nom, qui est ici et qui va tirer sur les plagounets. Oui, c'est une barge, oui, c'est vrai. 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là! Nico Moka, il y en a plein le cul, c'est quoi, t'as des pouraves là? Des boîtes!
Il arrive de son île et il casse tout. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, je tire sur les plaques toujours. J'ai pas le moins 1 du vent. Par contre, j'ai le plus 1 à la touche et j'ai la full reroll avec le roi. Je fais des petites pluies d'as et je suis bien content d'avoir passé mes rerolls. J'ai pas de 6. Pas de 6 sur les Tesla. Et j'ai toujours pas de 6 sur les Tesla. Par contre, j'ai plus touche qui passe. Ouais. C'est force 5 pour la Tesla. Non, c'est force 7 pour le Tesla et force 6. 3 plus. Que sur du 3. Que des 3. Oui. Bonjour, hop. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est du. Ça c'est pas de PA, save à 3 pour un dégât. Un PV. Un PV, ça tue celui qui était entamé. Exactement. Ça c'est PA moins 3, donc PA moins 2 pour toi. C'est sur du 5 et c'est pour des 3 damage. Pas tanké, donc du coup j'ai le mec qui a entamé un PEV. Ah non, attends. Là, non, t'as, le mec à un PEV est mort. Le mec à un PEV est décédé. Donc là, ça, j'ai un D3 à faire. Du coup. Là, là. Ouais, voilà, on l'a calculé. Ah, oui, c'est sur du 5, du coup. Bah écoute, j'accepte mon D3. Vas-y. Ça marche comme ça? Oui. Ok, bah je prends un mort sec. Et c'est tout. Et c'est bien. Ok. Donc on a enlevé un autre mec avec la console. Du coup, je vais activer le boss qui lui va mettre ses 4 tirs de bâton photovoltaïque et ses 3 tirs de boss. On est sur du 2 full reroll. Il y a un 6 sur le Tesla qui fait 2 touches supplémentaires. Enfin, c'est pas un Tesla, mais il y a, 2, 6, il y a un 6 sur la relique qui fait 2 touches supplémentaires. Et ici, tout touche. Et du coup, c'est force 6 et force 6. On est sur 3 à la blesse. C'est un beau jet, sauf sur le... Ah, mais c'est damage 2, ça, donc c'est pas trop mal. Ça, c'est PA-2. Ici, PA-2 pour 2 damage qui passe à 1 damage. Et qui passe PA-1. À PA-1. Donc là, ça, il va 4 pour 1 damage. Et bah écoute, mes jets de dés, c'est vraiment pas ça. Bah, je prends 5 PEV. 5 PEV. Et celle-ci, c'est PA-3 qui passe à PA-2 pour D3. 5 PEV. Le D3, ça va tuer, ça en tue un autre. 5 PEV, ça en tue un autre. Donc je prends 3 PEV. 3 morts. Ouais. Alors. Pour l'instant, j'ai mes deux barges qui ont tapé. Enfin, ma console et ma barge. Et j'ai mes Tomblades qui ont tiré. Je vais préparer les tirs de Tesla de mes Immortels. Qui ont 10 tirs. Je vais les faire tirer. J'ai mes immortels qui sont ici, qui vont tirer dans à 24 pouces. Ma cible potentielle c'était là, mais je pense que j'ai pas autre chose. Si. Lui il peut tirer. Ah non, je peux pas le cibler. Je dis des bêtises. Il est personnage. Donc je vais mettre mes tirs de Tesla dans ce drone là. Les tirs de Tesla des immortels qui partent. C'est sur du 3 en full reroll. Sur avec le drone Tesla. Celui-là? Ouais, celui qui est devant le roi. D'accord. Hop, et ça c'est en full reroll, du coup. Ouais. Du coup ça fait 2-6, ça passe, ça fait donc 4 touches supplémentaires. C'est de la force 5, ça n'a pas de PA, c'est sur du 5. Mm-hmm. Je t'enlève un PV, je suis content. T'as ça en save, et ça c'est de la zone. 6 save à 3 plus. Bah écoute, 2 PV hein. 2 PV, je suis content. Je l'avais dit, j'étais content. Quand je le dis, je suis content. Hein. Après. Ok. Est-ce que t'es heureux d'être content? Je suis content d'être heureux. Hop. J'ai maintenant le roi qui va mettre toute sa smala de tir dans papa qui est juste ici. Ouais, moins 1 pour toucher. Moi là j'ai moins 1 pour toucher. Ouais. Donc je touche à 3 et en full c'est reroll. Ça. C'est ça. Donc on va avoir les deux gros tirs. D'abord je fais les deux gros tirs. Alors, sur du 3 full reroll, ça passe. Ça, c'est force 12 ou 14? Force 12. Je crois. Hein. Il y a un truc qui force 14. Je sais plus. Je ne sais plus. Si vous le savez dans le chat. Force 12. Force 12, donc sur du 3. Sur du 3. Sur du 3, j'ai plus de PC. J'ai utilisé mon PC pour le flair. Joli. Les deux passent. T'as un vu à 5, c'est ça? C'est un vu à 5. La première passe pas, donc je prends 6 PEV. 5. Et la deuxième, c'est une catastrophe. Du coup, ça fait 10 PEV. Est-ce que j'utilise un PC pour une reroll? Il y a 12 tirs encore qui arrivent à du roi. Si ça peut t'aider. Ouais. Ouais, mais si j'en réussis une, il me reste 4 PEV en fait. 4 PEV. Ouais. Bref, 4 PEV et 4 PEV, je peux survivre. Écoute, tu claques ta reroll ? Ouais, je pense pas avoir besoin de ce PC là pour faire quoi que ce soit de. Oh, mais si, il en aurait besoin. De fifou dingue. Non. Attends, je suis un bâtard. Non, Alex, ça ne fonctionne pas. Tu sais que tu la passeras pas ta reroll. Ça ne fonctionne pas. Ah ouais ? Ouais, c'est sûr. Allez, Sharingan. Et ben non. Ok, est-ce que j'explose ? Oui. Tu prends une mortelle. Oh, c'est qu'une ? C'est une. Il y avait des trois sur ton. Ah non, tu ne mets pas des mortelles à toi. Non, pas à moi-même. Ah le bâtard. Et tu mets une mortelle à qui ? Le roi. Oui, le roi, il est pas. Ah non, attends, je dis une connerie, c'est lui qui pète. Ouais, c'est lui. Hop. Lui, il avait perdu 2 PEV. Oui, il a 7. Ah ouais, toi, tu mets ce qui reste. Moi, je mets ce qui reste, ouais. Donc, les restes du tir de roi sont perdus. Voilà. Ici, il n'y a pas de tir. Ici, il n'y a pas de tir. Non. Ici, j'ai pas de tir. Non. Donc, bah, tout le monde a tiré ensemble. Oui. Ce qui va m'amener délicatement à ma phase de charge. Oui. Je vais donc. J'ai tué combien de plagues ici? Tu en as tué 6.
J'en ai tué 6. Il en reste donc un total de 4. C'est un perso bleu, ok. Il en reste donc un total de 4. Et ben, ce que je vais faire, mon bon Bob. Vas-y. Je vais. Donc, mon roi a pété un truc au tir. Hein. Je le rappelle quand même, ça fait quand même 3 points. Tout à fait. Et j'ai pas pété un truc avec lui. Non, j'ai pété que des plagues. Donc, ça n'a rien fait. Ok. Donc, je vais charger avec mes destros là-dedans. Vas-y. C'est de la charge haute. Tu veux mettre à moins 2? Non. Non, j'ai plus de PC. Ah, la mettez moins 2, elle passait pas. Ouais, mais. La charge à 3. Charge à 3. Bon, ça devrait le faire quand même, je pense. Oui, je pense que t'as la place. Alors, on va rester hors de portée de son fight last. Oui, c'est bon, ça le fait. Donc, lui à 3, il va venir se mettre ici. Lui. Pas pratique ces maîtres là. C'est rude hein. Ah bah bon. Lui à 3 va se mettre. Ah je douille hein. Ouais. Ah, je douille du slip là. Hein. Je douille du slip. Mais au moins comme ça je serai tranquille pour le reste du week-end. Après je peux faire du commentaire et Balek frère. Le roi va signer. Non, c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Le roi va charger le drone. Oui. Et puis en vrai comme ça Alex il peut s'entraîner pour le Warmaster. C'est ça c'est l'excuse. Mais le reroll gratos avec le Chronomancer. Non mais oui, le Chronomancer il est loin là. Non mais je vais passer la 5 plus à vue. Merci. C'est vrai, bien joué. 8. Ça fait 8, c'est beaucoup mieux. Bonjour de Ludwig. Merci Ben Balou. Salut Lulu. Je vais les replacer. Monsieur Lulu Coco. Lui va venir se mettre ici. Ouais. Non, ça marchera pas. Ok, tac, tac. Du coup, le PV, il est sur le King. Hein. Le PV est sur le King. Yes, sir. Ok, là, je me replace juste. J'avais fait 8, du coup, je vais faire un peu plus. Mais pas beaucoup plus non plus. Non. Parce que la reroll serait ici. Non, ça serait compliqué. Ça sera trop compliqué. Ça sera trop compliqué. Et surtout, je ne vais pas mettre dans l'aura de cette saloperie de Fight Last. Donc, je vais juste rester là et tout le monde pourra taper. Mmh. Voilà. Je rappelle que le roi silencieux file un Fight Last à tout ce qui est en portée d'engagement de lui. Donc, ton drone tapera en dernier. Tu peux pas utiliser stratagème parce que tu n'as pas de point de com, on s'en branle. Non, on s'en fout. Donc, du coup, je vais activer mes... Parce que du coup, je te l'ai expliqué, il y a les cuves. Et les cuves, en fait, elles te suppriment ta charge. Donc en gros, je m'active en premier. À 6 pouces du full blade spawn. Et tu peux pas l'éviter parce que tous mes marines sont à 5. Ok. Bah, donc du coup, je vais m'activer d'abord, avant de mourir. Vas-y, ça marche. Hop. Tac. Ah, les cuves, ça te file plus 3 pour... Ah non. Non, en fait, les cuves, c'est une bulle de 6. Ouais. C'est une aura dans laquelle, quand tu charges, tu ne comptes pas comme ayant chargé. Ok, ça marche. Et tu me l'as dit en plus que je pouvais pas annuler. Oui, j'ai le truc. Ça marche. Celui-là, il gagne. Yes, ça gagne. Ok, donc là avec mes 3 pouces, je peux venir là. Celui-là, je le garde ici pour être à 1/2. Yes. Et ensuite, on s'avance. Donc juste, on s'arrête 2 secondes pour la manœuvre. Vas-y. Il a les cuves. C'est comme puantes. Ça. Les cuves puantes. Parce que ça pue. Ça pue du huc. Donc c'est du coup, ça. En fait, j'ai pas de bonus. Je considère pas comme ayant des bonus à la charge. Du coup, comme on est sur mon tour opérant, bah, je ne tape pas en premier. Puisque je ne suis pas considéré comme ayant chargé. Et du coup, j'aurais pas non plus mon plus 1 à la force de mon protocole. Puisqu'il faut que j'ai chargé ou que j'ai été chargé ou fait une intervention héroïque. C'est voilà. Ça. Donc du coup t'as pas plus en force et moi je te tape. Et toi tu tapes. Alors on va commencer par les 6 attaques de fléau. Allez fléau moi ça. Pam. Donc en fait il y a 2 fléaux donc on est sur 12 attaques. Je touche à 3. Le roi doit taper en premier. Ouais du coup le roi doit taper. Oui je le fais taper. Vas-y. Le roi tape en premier. Ça change rien sur la situation. Oui on est d'accord. Sur du 3 écoute on est content. Ensuite je te blesse sur du 3. Ouais. Hop. Full reroll grâce à Archicontaminateur. Ouais. Je rate une, hop là. Ok, donc tu vas prendre 2 mortales. Et tout ça de save à PA moins 2, dégâts ouais, 2. C'est sur du 5. 2 mortels et. Joli. Donc 4 PV plus 2 mortels. 2 morts. Ça fait 2 morts. Du coup, 2 morts et 1 impev. Alors, il y a les mortels, les mortels par rapport au protocole. Tu vois ce que je veux dire? Mon raise. C'est compte-les comme des PV perdus classiques. Ok, ça marche. Ok. Du coup, je vais enlever 1 et je vais enlever 2. Ouais, et t'as un mec qui a un pev. Et maintenant, j'ai mes attaques de la choix. Non, j'ai pas un mec qui a un pev. Si, t'as pris 2 mortels. C'est flat 2, hein. T'en regardes, t'en rates 4. Oui, exactement. 1 mort, 2 morts. Ça marche, ça me va. C'est bon ? Tu as entièrement raison. Hop, et maintenant, on va faire les attaques de hachoir, les copains. Je reprends là, je sais pas ce que veut dire Ben Balou, mais protocole même contre les mortels. Ouais, oui, ça marche. Oui, mais il faut que je finisse de m'activer quand même. Sa séquence. Sur du 4. Écoute, j'en passe. 3. Yes. Je te blesse sur du 2. Hop, tu prends 3 save, PA moins 3, dégâts des 6. J'en ai vu à 5 de mon chrono. Oh le mec. Le mec me respecte pas. Dégâts des 6. Putain, j'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu si j'avais fait des 6 à la blessure, les copains? Sur le chat. Hop, dégâts des 6.
Oh putain. Un PV, bah, y en avait un qui avait pris deux mortels, du coup il meurt aussi. Plus une mortelle, plus une mortelle. Plus une mortelle, donc la mortelle elle va là. Et merci pour le sub, alors je sais pas si c'est Yassanis ou Lassanis. T'as fini de taper? Ouais, ça y est, j'ai fini là. Et ça ira pour demain, t'inquiète. J'ai 9 protocoles. Ouais, 9 protocoles, mon bon Alex. Jean Raisin, c'est stat. Oh ouais, totalement complètement stat. Et donc je vais le mettre. Non, je ne pourrais pas aller chercher la réole des blazes, donc je vais le mettre là. Ouais. Tout simplement, hors de portée de corps à corps d'autre chose. Ouais, du coup, c'est à moi de taper. Je vais taper avec le roi pour rester propre au niveau de la séquence. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pas que nos viewers bien se perdent sûr. Dans les méandres de nos erreurs. Donc le roi va commencer par taper. Le roi, de mémoire, il a 6 taquets qui sont en flat 2. Il a 4 taquets qui sont en flat 3. Et après, il a 3 autres taquets qui sont en flat 1. Mmh. Donc ici, je commence par cela. Je te touche sur du 2. Hop. Non, mais décidément. Je vais y arriver. Ok, il y a 2 as, mais c'est sur les flats. C'est sur les flats 2. Mmh. Et ici, c'est de la force. Alors, 7. C'est de la force. Non, c'est plus. Parce que j'ai le plus à c'est force. Plus, Alex. Comment? C'est plus que ouais, 7. Je pense que c'est plus. Il y en a un qui est force 8. Les damage, je crois, sont force 8 de mémoire. Mmh. Attends. Alors, les damage 3 sont force plus 3, donc 5 et 3 ça fait 8. Ouais. Et j'ai le plus 1 en force du protocole, donc je suis à force 9, mais ça change rien. Non, je le roi il a pas le droit au protocole lui. Pourquoi? Si. Si, si. T'es sûr? Ouais, ouais, il a le droit. Confirmez-moi, mais pour moi il a le droit. 9 les 2, force 9 les 2. 8 les 2. Ok, merci. 9 les 2, 8 les 3. Ouais, ça okay, roule. C'est ça. Donc c'est sur du 3 plus pour tout le monde, et c'est en full reroll parce que je me donne mon mot-clé corps. C'est full reroll les blesses? Ouais, full reroll des blesses. Ah putain. Ça, c'est le gain de son royaume de la douleur, ça. Ouais. Ok. Ça, c'est PA moins 4, donc t'as 5 plus 1 vu là-dessus. Non, c'est PA moins 4, donc t'as 5 plus 1 vu, c'est ce que j'ai dit. Et ça, oui, c'est PA moins 3, donc t'as 5 plus. Bon, en fait, t'as tout 5 plus. C'est juste les dégâts qui changent. Les blancs sont damage 2, pour toi. C'est ça, et ça, c'est damage 1. Ouais, pour toi. Tu veux que je commence par quoi? Les damage 2, s'il te plaît. Les damage 2? Oui, un 5 plus 1 vu. Ouais, bah, écoute, ça fait 2 PV. 2 PV, il m'en reste 5, donc je ne mourrai pas, quoi qu'il advienne. Là, j'ai d'autres attaques encore. Hop, et bah écoute, je prends 3 PV au total. 4 PV. Ouais, 4 PV au total. Et après, j'ai 3 attaques supplémentaires. Celles-ci qui sont force 6, du coup. Ah, les noirs sont de damage 2 et les blancs de damage 1. Oui, ouais, j'en ai raté 4, c'est sûr. Sur du 2, ça passe. Et c'est force utilisateur, donc c'est force. Mais c'est sur du 5. 5. 5 rerolls. 1, 2. 3. Ça me dit non. PA-1, 2. Donc PA-1 sur du 4. 1. Ok. Ok. Il lui reste 2 PEV. Ouais. Au fief et coquin. Tout à fait. Ok, ça roule. Je te fais taper vas-y. Mes destro. Ouais. Donc il y a les deux gros. Il y a le chat qui s'excite là, les gars. Ouais. Pourquoi? Charge, rien, c'est 4 et 4. Non, vous vous avez inversé. Tant pis. J'ai rien compris. Non, non, mais en fait, j'ai raté une première save qui m'a mis un flat 2, puisque c'était flat 3 qui descend à flat 2, et après, j'ai raté deux saves qui me mettaient 2 PV. Ça fait un total de 4 PV. Les agents dynastiques ont pas le... C'est parce que je l'ai joué sans le protocole à la fin. On m'a dit les agents dynastiques ont le protocole. Donc, les pylônes doivent frapper. Oui, c'est vrai, il y a les pylônes qui frappent aussi. Bien vu. Et bon, ça va pas changer la donne. Quoique, t'as 2 PV, ça peut être rigolo quand même. Ouais. Se faire tuer par des pylônes. Mais c'est pas grave, au vu des G, ça donne le même résultat. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le roi, il a le plus, il gagne les protocoles? S'il vous plaît, merci, je vous en serai gré et reconnaissant. Et donc, les pylons, c'est une attaque qui touche à 6. Donc ça fait 2 attaques, parce qu'il y a 2 menhirs. Ça touche à 6. Reroll. Oh, le mec. La short confirme. Ok. Non. Force combien? C'est force 5 qui passe. Bon, c'est sur du 5 et c'est reroll. Tiens, vas-y, t'as un petit peu supplémentaire, s'il n'y a pas de PA. C'est la 3? Oui. Tanké. Oh, ça va. Ok, on passe sur les destros, sur les catafracti. Ouais. C'est pas du tout des catafracti. Il y a 3 attaques pour Bobby. Oui. 3 attaques pour Dylan. Oui. Et il y a 4 attaques pour Jojo le haricot. Oui. Voilà. Donc on est. Vas-y, envoie la zénithale, Francky. On est ici, dans le corps à corps, si tu veux bien décaler le cercle. J'ai deux armes, deux grosses armes et une petite arme. Et donc je vais taper dans la masse de plagues. C'est parti. Là, j'ai pas le plus en force, donc je suis force. Je ne suis que force 5. Là, tu touches à 3. Alors, les grosses armes vont te blesser à 3 et les petites vont te blesser à 4. Mais tu touches à combien là? Je touche à 2. Tu touches à 2? Oui, j'avais bénéficié de l'aura de mon patron. Bien sûr. Donc, ça ne passe pas. C'est sur les grosses. Ça, c'est les grosses armes. T'as pas une reroll des as de base? Ici, j'ai une reroll des as de base, bien vu, exactement. Merci.
Petit As, reroll As. Très bien. Tac. Et ensuite, ici, à la blesse, je t'ai dit les gros, donc c'est les blancs. Ils vont te blesser à force 7. Donc on est sur du 3 ici. Oula. Il n'y en a que 2 qui passent. Très bien. Et ici, on va te blesser sur du 4 de mémoire. Joli. Ici. Je t'invite à faire cela en premier, c'est PA-. Cela ? Oh putain, j'ai du mal à retenir mes PA. C'est PA-4 ? Non, l'inverse. Ouais, reroll des As. Oui, c'est bon. Ça y est, c'est fait, on l'a fait. C'est ce qu'on a fait. PA-. Blanc égale dégâts 1, il dit. Les blancs égale. Non, les blancs c'était. Non. Les noirs de dégâts. Mais non, mais c'est nous qui décidons ça. Enfin, le chat. Non. les blancs sont. Ça sont 2 dégâts et ça sont 1 dégât. Voilà. Donc ça c'est du dégât 2, mais par contre c'est PA-4. Non, c'est dégât 3, mais c'est pas dégât 2. Voilà. Oui, c'est ça, mais c'est PA-4. Et c'est ça, j'ai avec. Mais oui, c'est un PA-4. C'est un PA-4. T'as une save à 6. Ah là là! Il est tellement chaud. PA-4. Ouais. Donc ok, donc du coup c'est sur du 6. Ça, 6. Voilà. Ouais. J'en sauve pas, donc je prends 2 Marines de mort. Ouais. Et ensuite ça c'est sur de la PA-3 qui passe PA-2, sur du 5. Et je prends un deuxième Marines, donc je perds les 3 Marines au total. Il me reste 1. Ah bâtard. Royaume de la douleur. Ah mais là tu pourras pas le sauver au moral avec 2 PC. Non. Non, là si je fais pas 1, il partira. Vers de lointains horizons. Oh oui. Tu vas pouvoir faire tes 12 attaques dans mon roi. Ouais. Nous allons... Monsieur Frodon, je vais tondre votre gazon. Combien de PV les menhirs ont 5 PV. Ah ouais, mais de toute façon, je peux pas taper... Tu pourras pas allouer dessus d'abord, tu vas être obligé d'allouer sur le king. Non, ça loue sur le menhir. Quoi? Ouais. Non, attends, c'est une unité les trois, là. Ouais. Mais... Et bah du coup, si t'as commencé cette figurine-là, tu vas continuer à louer dessus, hein. Ah oui. Non, parce qu'en fait, t'as une règle qui te dit... en fait, comme tu m'as mis des mortels qui sont hors séquence... Mmh. Je peux les mettre sur le roi. Oui. Sauf qu'après, t'as une règle sur le roi. C'est une règle sur le roi. Sur les menhirs qui te disent tant que cette unité contient le moindre figurine menhir, elle ne compte pas comme un personnage pour la règle attention messire. Et chaque fois qu'une attaque réussit à blesser cette unité, l'attaque doit être allouée au menhir. D'accord. Donc en fait, comme c'était du hors phase, l'explosion, je peux la mettre sur lui. Ça marche. Et voilà. Eh ben écoute, c'est pas dégueulasse. Endurance de 7 sur lui 3. Oui. Reroll des as parce que arme de la peste. Hop, t'as tout ça de safe, PA-2, dégâts 2. Ok, PA-2, bah je suis sur mon avis à 4. Ici, là tu me tues un menhir et tu me mets 4 PV sur l'autre. Ouais. Tac, et 4 PV on va dire. Mm-hmm. Sur un autre menhir. Mm-hmm. Mm-hmm. Bim bam boum. Ok. Est-ce que t'as d'autres choses à déclarer? Je n'ai rien à déclarer, mon monseigneur. Je suis un peu deg de ne pas te l'avoir signé, ça me mettait 4 points de victoire avec le roi. Mais le roi t'as pas très fort, de toute façon, corps à corps, ça fait plusieurs fois que je le constate, il est un peu décevant sur les phases de close. Tu as un test de commandement pour ton plague. Il faut un as, sinon il est dead. Et ben voilà. Bravo, on est 3 chacun sur l'objectif, donc personne ne le tient. Là, ça m'a pété complètement mon scoring. Ça, cette affaire-là n'est pas très drôle non plus. Je vais faire mon scoring de fin de tour. Alors. Oui. Sur le primaire bis. Oui. Sur le primaire bis to flex. Primaire bis, tu vas marquer. Un point. Puisque là, on se le nul. Là, on se le nul. Oui. Yes. Donc, primaire bis, je vais mettre un point supplémentaire. Oui. Tac. Le secondaire trésor des éons, je vais le mettre à 0. Puisque je ne tiens aucun des 3 objectifs que tu m'avais ciblé. Non. Ancienne machinerie, je vais le mettre à 4 points. Parce que tu le fais avec cette unité qui est ici, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ensuite, code de combat, je le fais à 3, puisque j'ai pété l'unité au tir avec mon roi silencieux. Ce qui veut dire qu'à ce tour, je mets 4 et un 5. Je mets 5 et 4. 9. Je mets 9. 9 et 3. 12. Je mets 12 points supplémentaires. Je suis donc bravo. À 24. En comptant les primaires? En comptant les primaires. Et toi, tu c'est commences et tu mets 4 points de primaire. 4. Ouais, 4. Tac. Donc, moi je commence dans la douleur. 3, ça commence à sentir le fumet. On va essayer de sortir le maximum de ce qu'on peut. Oh, oui, il compte les rip-hop, t'inquiète. Oui, on compte que les rip-hop. Ah, derrière, il y a 3. 3. Exact. Bien joué, les gars. Bien joué, merci. C'est propre, ça. C'est quand même bien pratique. Ok, alors, est-ce que je gagne un PC supplémentaire pour monter à 2 ou... Oui, la réponse est totalement oui. Oui, et moi j'en gagne 1 pour monter à 1. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait de mon dé de point de com. Je ne sais pas non plus, mais t'es à 1. T'as dû le jeter parce que t'avais plus de point de com. C'est vrai, pourquoi je fasse ça? Mais j'ai pas de 0 sur mon dé. Ok, donc là, il va falloir réfléchir. Parce que j'ai mis mon maître. Je ne sais pas. Ah, ils sont tous là-bas.
Le mec phagocyte tous les maîtres, quoi. Bon, alors, là, ça mérite un minimum de réflexion, parce qu'on est un peu dans la cagade, mais on sait encore se défendre, on peut encore faire des trucs rigolos. Donc là, lui, on sait ce qu'il va faire. Ce petit mec-là, là, il va chier sur le bleu. Propre. Et je vais le bouger, mais il va faire caca. Deux points de com, rondement investi. On a des petites bouteilles de flotte, là. Bah, je sais pas, te ranger, c'est dans le... Je vais te chercher, si tu veux. Ok. Les amis, j'espère que cette partie vous plaît. Vous êtes en live sur Twitch pour le Championship. Oui. On est sur la première partie quart de finale. Oui. On passe sur le T3 de Bob. On n'a pas changé au niveau. Franck le changera après. On passe sur le T3 de Bob. Il va mettre 4 points de primaire. Et il va continuer. Il travaille. Le mec job, de toute façon. Il est là pour faire le job. Bobby, il va travailler. 5, ça amènerait là. Là... là, clairement, ici, le fait de ne pas réussir à avoir tué lui, ça te fait mettre 4 points de primaire supplémentaires et ça m'enlève. À moi, ça m'enlève. Ça t'enlève 4 points. Un point de. Ah oui, un point de All Machinery. Un point de Trésor des Éons et un point de primaire bis. Ça fait un delta de 6 points juste pour ce gars. Ça fait un delta de 6 points et lui, ça me fait. Bon, je pense que le roi arrivera à tuer des trucs quand même au corps à corps, je m'en fais pas trop, mais. J'ai pas eu énormément de réussite sur la fin du tour. Là. Protocole actif, bien vu. Sur ce tour, le protocole actif, c'est toujours le plus à force. Je le double puisque je peux le faire grâce au. Je peux le faire grâce au roi silencieux. Donc c'est encore une fois le plus à force qui reste. Hydratez-vous, c'est important. Ah, regarde. Fait chaud hein, dans le studio. Il commence à faire chaud, on va ouvrir un peu. On va pas se mentir, mais là, il commence à faire... Ah, c'est la testostérone, quoi, qui fait le job, quoi. Ah, de ouf. J'espère que cette partie vous plaît, les amis, que vous vous régalez. Nous, on s'amuse, donc c'est le principal. On fait notre vie de wargamer, non. Attentif. Alors, bon. Et pragmatique. Tout à fait. Il faut, enfin, récupérer des objectifs... Un max. Récupérer les objets à maximum. Très bien. Donc là, ça fera la douche. La douche. Ça, c'est bon. De quoi ? Ouvrir. Ouais. Là, je crotte. Et là, on est saucé, nous dit Grand Steak. Ça fait plaisir. Nouveau follow encore. Merci à nouveau follow, les gars. Saucé, nous dit Lassanis. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu aimer, non ? Je sais pas, ça fait un moment. Il y a à peu près 2 semaines de ça, on a fait un tournoi Insider où elle a à peu près 10 minutes de parole sur Collection. Oui, voilà, donc, puis. Voilà, ouais. Et elle était sur Twitch il y a moins d'un mois avec nous pour commenter les listes. Donc, non, elle est toujours régulière. C'est peut-être plutôt toi, Gaz, qui ne suis pas assidûment la programmation de Creative Wargame. Hein, mon bon monsieur Des choses simples d'homme simple. Après tout, est-ce que c'est pas ça la vie? Et ici, j'ai envie de te dire. Hop, là, on va faire notre course. Ok, course à 1, très bien, les gars, petit bras. Oui. Pif! Vas-y, bah, tu vas passer la porte. Pif, pouf! Pif, pouf, mes deux doigts dans ta fouf. Exactement. Allez, sans pitié. Bon, bah, tu me l'as bien mise quand même. Mais je vais essayer de me défendre un max. Donc, on a dit, lui, il fait caca ici. Ouais. Le Taliman, lui, il fait l'action de scénario. Normal. Donc, normalement, si tout se passe bien à la fin de ce tour, je devrais arriver à scorer 3 points puisque je vais contrôler ça. Ça, tu l'as déjà. Celui-là, je l'ai déjà. Et celui-là, je devrais le récupérer. Et peut-être que je peux prendre aussi celui-là. Donc, il y a moyen de moyenner des trucs. On va attaquer par la phase de psy. Mon bon Alex. Vas-y, j'ai mon roi qui va te dispel. Spell, c'est parti. Smite dans les score pack. Ouais. Smite à 7. Dispel 7, du c'est roi. Bien, c'est fluff. C'est ok, dispel. Pas là, non. Voilà, merci. Très bien. Phase 2, tir. Je vais commencer à tirer avec les plaques marines qui sont là. Je vais mettre les deux tirs de plasma dans l'escouade ici de Scarab. Bien, tu vois, il y aurait ton maître. Pic. Oui. J'arrive pas, hein. Tu me le dis à chaque fois. C'est normal. Hop. Ok, donc j'en rate une. Je te blesse à 2. Tu prends une save, PA-3, dégâts 1. Moi j'ai mis ce qu'ils ont perdu, donc c'est dégâts 1. Ouais, je reprends un PEV. Ouais, j'ai perdu 2 PEV. 2 tirs de lance-patate. Il y a un lance-patate, 2 touches, ça blesse à 2. Reroll des as parce qu'arme de la peste. 2 save, PA-2, dégâts 2.
Lui est mort, et lui prend des dégâts. Ok, un tiers de fuseur parce que j'ai le droit. Je fais mes protocoles à 10. 3, ça baisse à 2. Ok, nombre de dégâts, 2. 2 plus 2, 4. Donc un socle. Un socle. Et ensuite. Et ensuite, que me reste-t-il? Il me reste une grenade, parce que j'ai le droit de balancer la greu. T'as tout à fait le droit de balancer une grenade, si tu veux balancer une grenade. Mais, t'as fait quoi, mais non, ça va aller. Allez, je te fais protocole. Oh, le mec, il remonte un socle, quoi. Non, il m'en manque un. T'as manqué un? Ah ouais, t'as raison. Chouip. Ah, attends, j'ai oublié de regarder ce que je faisais avec lui là. Vas-y, fais. Parce que si je reste là. Procède. Ouais, si tu restes là, il va mourir. Voilà, si je reste là, il va mourir. Et c'est clairement pas le but. Et si tu vas ailleurs, il va mourir quand même. Donc. Oui, c'est ça, mais je préfère mourir en étant. Avec panache. En étant ailleurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours plus plaisant. Parce que là, si je reste là, je sers absolument à rien. Et c'est toi qui t'actives en premier en plus. Oui. Donc. Autant se barrer. Autant aller loin, parce que je peux le faire. Ouais. Essayer quelque chose. Est-ce que je reviens en arrière? Est-ce que je reviens en arrière ou pas en arrière? Tu prends un quart de table là, si tu te mets là. Ouais, je mets. Oui, on est d'accord, je mets 2 points, mais. Tu mets 4 points du coup sur le quart de table. Non, je mets 3. 3, pardon. Je mets 3, je gagne 1 point, mais est-ce que ça m'intéresse en fait? Oui. Ouais. Tu veux plutôt aller le cacher? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, peut-être le cacher. Non, écoute, je vais jouer safe, je vais venir me mettre là. Okay. Tant pis pour le quart. Le chat en feu qui hurle, bah arrête tes conneries, putain! Je vais quand même essayer de mordre sur l'objet et puis. Alors, PSK n'a pas de réanimation protocole. Fac WTC pour éviter un abus, pour gros oui, effectivement. Ah oui, non, les gars, et des. Ça perd 4 points de seconde. Heureusement. Ouais. Hop, pendant que toi, regarde pas, j'enlève mon maître de la table. Merci. Je suis un bon élève. Ici, j'ai quand même le droit de mettre un tir de lance-patate dans le King. Et toi, plaise. Parce que tu le vois au moins. J'ai pas bougé mes figues, mais grosso modo, je peux faire un swap de 5 pouces, on s'en fout, tu vois. Vas-y. Si ça te va. Ça me va. Hop, en gros, je fais ça, ça change un sur la phase de move, je peux le faire, j'ai plus un pour toucher. Donc j'ai 2 tirs. Vas-y, fais-toi plaise. Est-ce que je les envoie sur lui d'ailleurs? Est-ce qu'on irait pas sécher ses gueux une bonne fois pour toutes? Los Goss? Ouais, à 24 ce pouf. Écoute, je les ai même pas. Donc non, j'ai annoncé le King, je vais aller sur le King. Comme vas-y. On se l'est dit nous-mêmes. Et c'est pas Elvis dont on parle. Bim, 2 touches. Blesse à. C'est sur du 5. Non. Merci. De rien. Ça fait plaisir. Ouais. Ensuite, on essaie quand même de cramer. Moi, j'aimerais bien cramer un menhir là. Je vais mettre les 2 dés de 6 de flammeur lourd dans les. Ouais, mais je crois. Ouais. Tu peux m'enlever encore ton maître, s'il te plaît. Francky, on est sur le lance-flamme ici. De, lance-flamme, du Lord of Virulence que vous ne voyez pas. Donc mais qui va cramer les petits petit spider. Mon petit morchissos qui va essayer de cramer les socles. 7, c'est bien. 7, on aime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est totalement fluff. Je te blesse sur du 2. Oui, monsieur. Hop, reroll des as parce que arme de la peste. Ok, tu prendras 3 mortels. Déjà. Et tu vas prendre 7 save PA-2, je te prie. Bah, 7 save PA-2, j'ai pas de save, c'est dégage 2. C'est dégâts 2 ? Non. C'est dégâts 1. Oh, okay. Donc au total, t'auras pris 10 PV. Et bah, je vais les prendre parce que j'ai 12 PV. Enfin, j'ai. Donc je vais prendre sur lui. Ouais. Tac. Ouais. Lui. Il a pris 3 PV, lui ? Qui c'est qui l'avait blessé à lui? Lui, il a pris des pèves parce que j'ai tiré dessus au Rhino. Et tu lui avais enlevé 3 pèves? Non, pas 3 pèves, j'ai enlevé 1 pève. Un pève, et c'était à quel tour? C'était au tour précédent. C'était à ton tour 2, à ton tour de France, si tu peux passer au tour 3, s'il te plaît. C'était à ton tour 2, donc je n'ai pas récupéré au protocole, donc c'est bon. Donc on a dit 10 pèves, donc ça, lui, du coup, ça en fait 3. Il lui en restait plus que 3, donc ça en fait 3. 3 et 4. 7, il t'en reste 3. Il m'en reste 3, donc il me reste un mec à 1 PV ici. Je vais quand même faire 8 protocoles. Protocole donc. Il y en a 8 du coup. Allez, on en relève 1 pour le fun. Oui, bien joué. Ça en relève 1. Ça fait plaisir. Et donc je vais le mettre derrière. Caché. Voilà, tac. Okidoki. Donc il en reste un qui est en dehors. Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un qui est en dehors, c'est-à-dire. Ouais, enfin un qui est en dehors de l'objectif. J'en ai pas, ils sont pas sur l'objectif. Oui, ouais, il t'en reste un en dehors avec. Alors, un attends, laisse-moi réfléchir à 2 secondes. Tu peux faire quoi? Tu peux. T'as quoi comme tir encore? Tiens, ma question. Il me reste lui qui peut tirer, qui a des grenades et un pistolet potentiellement à 6 pouces, donc là il sera court. Il me reste lui avec son combi bolter. Il me reste lui aussi avec son lance-flamme. Ah, mais si tu frouches eux, tu frouches pas eux du coup. C'est vrai. Je vais le laisser visible. T'as raison.
Je vais écouter tes judicieux conseils. Tu laisses visible. Je vais laisser visible. Bah 4 tirs. Les 4 tirs de combi bolt. Ouais. Oui c'est ça. Attends. C'est tir rapide 2, donc tir rapide 4, mais j'ai 2 combi bolteurs. C'est ça hein. Tu l'as pas sur tous les rhinos je crois. Non, celui-là il l'a pas. Okay. C'est celui-là qui l'a pas. T'as tué celui-là et moi celui-là là-bas. Vas-y, ça marche. Donc j'ai 4 tirs de combi. Vas-y, c'est ça, attends, c'est ça. Je dis pas de conneries. Non, c'est ça, combi bolter, t'es en tir rapide 2, donc c'est des Stormbolt. T'as 4 tirs par combi. Ouais, c'est ça, donc 4 tirs assez vite. Sur les 3. Sur les scarabées, là. Sur les scarabées, les garçons. Hop, t'as 4 saves. 4 saves, une par une à 5 sur celui qui a perdu un PV qui est dans le décor. Il est mort, et ça c'est à 6. Ok, ça fait 3 PV, et j'ai encore un protocole. Oh, mais non. Et donc il lui reste un PV, celui qui est... Non, c'est celui qui était sur l'objectif. Ouais, celui qui est sur l'objectif, c'est celui qui a hop. Ok. Et celui qui a couvert, tu me l'as tué. Non, il était là. Ah, il était là. Tac, le plus bas possible. Mais attends, mais t'en avais plus à couvert, là. Si, il y en restait un, celui qui... Ah oui, il en reste un. Mais attends, c'est celui-là. C'est celui-là que tu m'enlèves. Faut l'enlever. Oui, c'est ça. Oui, non, mais il est encore là. Mais attends, il était pas mort à la phase d'avant. Parce que non, quand je t'ai frouché, en fait, il t'en restait plus qu'un à un PV. Non, ils étaient trois. En fait, ils étaient trois, tu m'en as tué deux, mais j'en ai rip-hop un. Mmh. Donc, ils étaient ça deux marche. Quand t'as commencé à tirer au Stormbolt. Okay. Sauf que sur les deux qui restaient, il y en avait un qui restait un seul PEV. Donc, tu lui as enlevé son PEV, c'est celui sur lequel j'ai fait la save de couvert. Mmh. Et après, les autres sauvegardes sont passées sur lui. Mmh. Ok, très bien. Je vais envoyer quoi? Je vais t'envoyer. Je vais claquer un PC, parce que j'ai le droit de le faire. Sachant que j'en ai deux, donc on va regrenader cette fois. On va regrenader, alors la question c'est où est-ce qu'on greut, parce qu'on a plein d'endroits où on peut greut. On peut greut, on peut gris, on peut grindy. Je sais pas, je suis désolé, on peut le faire. Franck, pour commettre le Space Marine, ce qu'on a avec Indomitus là, l'énorme. Tu sais, celui qu'il y avait dans la boîte au lancement de la V9 là. Ah oui, l'énorme, c'est vrai, il faudrait le mettre là. On va juste prendre le Biologus. C'est Adrian qui l'a. Faites le Biologus tout seul. Il va tirer sur qui cet animal? Sur le Biologus, il va grenader ici là. Vas-y, grenade. D'abord, il va tirer avec son pistolet injector. Il a le droit à 3 pouces. Il touche sur du combien ce petit monsieur? Il touche sur du 3. Il touche. Oui, monsieur. Ensuite, il blesse sur du 4. Et je crois que s'il blesse, il rajoute des 3 mortels. Non, il blesse pas. Okay, comme ça mérite. Il mettra ses mortels dans le gonf, le petit gars. Et ensuite, il a son pistol 6. C'est parti. On est ici, les gars. Hein, ça tire avec papa la grenade. Avec la greu. Nouveau follow, les gars. Merci aux gens qui follow, qui nous rejoignent, qui sub. Ça fait super 4. Plaisir, les gars. On a atteint l'objectif des 50 subs ce soir. Non, sérieux. Je viens de passer à 60. Tiens. Un objectif. Non. Tu prends 4 saves, PA moins 2, flat 2, je te prie. T'es sérieux, là? Ouais. Ça sort d'où, ça? Bah, c'est juste le mec avec ses grenades. Il te les balance à la bouche. Sérieux? Ouais, pour un PC, ouais. Combien de PA, c'est quoi l'histoire? PA moins 2, flat 2. En fait, PA moins 1 parce que c'est le Biologus. Ok. Dégâts 2 parce que c'est le Biologus. Et comme t'es dans l'aura de contagion du. Ok, ça va. Là, t'attaques. Je vais l'expliquer le coup. Ouais, mais tu sais, c'est. Moi, non, mais ça reste pas. Moi, j'ai un... T'attaques les Scorpec là, c'est ça là? Ouais, les Scorpec, ouais. Ça me fait des grenades. J'en ai un. Merci, Finn Rodo. J'ai ma patte dans le couvert, donc j'ai le couvert, on est d'accord, même sur celui qui a commencé à perdre un PV. Oui, tout en fait. PA moins 2, donc je suis sur du 4. Tout à fait. Je suis sur du 4. Et bah écoute, je vais te les faire. Je vais te les faire une par une. Vas-y. Sur du 4, elle est passée. La deuxième, sur du 4, elle ne passe pas. Donc ça tue la grosse arme. Et ensuite, je vais mettre les deux autres sur. Bah, pas la grosse arme du coup. Ici sur du 4. Et c'est save. Joli. Yes. Et j'ai un protocole. Et regarde bien le raise. Le raise qui fait plaisir. Ah, j'y ai cru. J'ai voulu y croire. Calmez-vous. J'ai voulu y croire. Calmez-vous. C'est ça la beauté du jeu. Ok, savoir aimer. Il a le Blight Grenade, le Biologus. Il en a pas une louche. Hop, allez, je vais te mettre un coup de frouche avec les. Avec le. Qui ça? Qui frouche? Le frouche qui on est plus du tout là. Blood Spawn. Hein. On est plus du tout là, on est là. On est là. Le rond, il est pas bon. Oui, pardon. 5 tirs de frouche, on est content. C'est parti. Hop, et bah écoute, tout blesse, ça gavé. Te fait 5 save, PA moins 3, flat 2. Bah, je suis sûr de la vue à 5. Oh, oui. Allez, c'est parti. Allez, on tank, les gros. Allez, hop. Ah, ils sont on va aller, c'est pesé. Les deux sont morts. Mais gusta. C'est triste. Je te le dis. Ah, c'est la tristesse. Gros, c'est la tristesse. Faut pas que j'oublie de faire rentrer eux, je voulais les faire rentrer au tour précédent, je les ai oubliés d'ailleurs. Ok, du coup, je pense que j'ai terminé pour ma phase de tir. Ça a fait feu. Tout ça a fait feu.
Ensuite, ici, ça a fait ce que ça avait à faire. Là, on va charger. Ici, on tient. Là, on va charger pour essayer de terminer une bonne fois pour toutes ces saloperies. Là, on va charger. Là, on va tenter aussi la charge. On va la tenter tout de suite. Non, je ne suis pas du tout, par contre. Je suis désolé, mais... Ouais. Mais en fait, c'était pour mon plan. Ouais. Maintenant, je vais annoncer. En fait, je me fais mon plan. Tu sais, je fais une Mogor. Je me parle à moi-même et ensuite, j'annonce au viewer. On va commencer par des choses sans incidence. Avec les plagues marines ici, on va charger le dernier scarabée. Alors oui, Marmoutine, ça sera en rediff sur YouTube d'ici une semaine, oh, une semaine et demie. Charge à 12, qu'est-ce qu'il y a? Respectez-moi. Hop là. Alors, donc, on va mettre le hachoir parce que c'est bien. On va mettre le fléau à 2 pouces parce que c'est bien. Et ensuite, comme on a 12, on va venir chercher ici. Hop, pour pouvoir avoir une fête sur l'objectif, et ensuite avec le reste, nous allons compléter la ligne pour avoir tout le monde à 2 pouces les uns des autres. Tout à fait. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Ça, c'est très bien. Ensuite, ici, nous avons que très peu d'options. Mm-hmm. Donc nous allons charger. Nous allons charger parce que c'est ce que nous savons faire de mieux. Hop, c'est une charge à 5, nous apprécions. Et nous allons donc venir ici, nous allons contacter ce petit monsieur. Et enfin, essayer de terminer ce bloc de Scorpec qui, ne nous le cachons pas, nous casse les pieds. Ensuite, ici, nous allons tenter la charge du Lord of Virulence. Il a une très grosse charge. C'est une charge à 9, hein, mes chers amis. Donc, imaginons que ça passe, ce serait très rigolo quand même. Eh bien, ça ne passe pas. Très bien, il restera donc ici. La charge du Rhino qui est à côté, par contre. Hop, qui est une charge à 7 et qui passe... Hop, on est rendu là quoi. Vous vous rendez compte? J'ai envie de vous dire, monsieur Turop, c'est scandaleux. Alors attention, s'il y a des motos derrière. Non, c'est bon, elles sont loin. Non, elles sont loin, il n'y a pas de problème. No problème. Que nous reste-t-il de nos amours? Bah, je pense qu'ici tu peux pas charger car tu as désengagé. Je pense que lui, tout à fait. Il n'a pas beaucoup d'intérêt à charger qui que ce soit. Là, à l'heure actuelle, non. À moins que. Non, même pas, tu vois, sur une charge à 12, ça n'existe pas. Ça me paraît audacieux. Oui, c'est audacieux. Ça me paraît audacieux. Eh, mais j'en suis rendu à avoir des plans audacieux. Très bien, je l'accepte. tu peux. Ok, très bien. Écoute, t'as plus de PC, donc je m'active comme je veux, en fait. Active-toi comme tu veux, comme bon te semble. Très bien. Enlève-moi ton maître, bordel. Un petit coup de mobile, juste pour. Allez, vas-y, on fait un petit coup de mobile. Allez, le petit coup de mobile homme. Que je puisse voir ce qui se passe ici. Yes. En avant. Alors, nous allons... on va commencer par savater le petit socle de nuit. Tiens, de Scarab. Regarde. Qui est juste ici, les copains. Hop, attendez voir. Voilà, il est, hop, il allez, est on juste passe ici. Là. C'est donc, parti. On va commencer par le savater au fléau. Ça devrait le finir, on n'aurait plus en parler. Oui, monsieur. Hop là, ça blesse à 2. Boum, voilà, tu as 5 saves, perds moins 2 dégâts 2. Mais j'ai envie de te dire, il est mort. Voilà, ça... Ça c'est fait, maintenant on va se positionner correctement. Je vais voir ces petits camarades. C'est cela. On va se positionner correctement pour être à 2 pouces, mais quand même mettre des pieds partout sur l'objectif. Mets des petits pieds partout, le gars. C'est un piéton. On aime ça. Hop, on aime mettre des petons. Ça, c'est bien. Ça nous plaît. Yes. Est-ce que je peux faire mieux ici? Attends, j'avais peut-être mieux ici. Ah non, attends. Là, je suis un mouvement qui n'est pas les guides, parce que je vais m'approcher de la figurine la plus proche. C'est les scorpions qui sont derrière le mur. Exactement. Donc en fait, ici, j'étais là et là, donc je reste là où j'étais engagé. On est bon. Voilà, juste garde 3 bonhommes ici et j'en ai... Voilà. On veut savoir ce qui se passe ici, avec ton prince démon à qui reste de PV. Oh, le prince démon qui est en PLS, il souffre. Il souffre. Ah, c'est dur, là. Chez vous, être matinal, mon cher Retourop. Donc là, je vais vous suivre, les amis. On est prince ici démon sur le champ de bataille. Et voilà, il fait 2 as. Ça, ça fait plaisir. Ensuite, il blesse à 2 et à 3. Hop. Et bien, écoute, tu prends 3 saves. PA-3, flat 2. Flat 3, pardon. Et une save, PA-1, flat 2. Allez, ça, c'est sur du 6. Bah, ça fait 3 morts. Ouais, ça fait 3 morts. Voilà, merci. Merci d'être venu. Il a été beaucoup plus efficace qu'au premier tour. Ouais, mieux à l'aller qu'au retour. Ok, et du coup, ça atomise aussi mon plasma site par la même occasion. Exact gland, j'ai envie de dire. Donc là, il faut que tu enlèves. Ah oui, ça atomise aussi le voilà, plasma phyto. C'est le plasma site en gros à la fin de. Non, ne les remets pas dans ma zone de déploiement. Oui, oui, non, je te les mettais juste là pour que tu les récupères. Le plasma site en fait, il disparaît à la fin de la phase s'il n'est pas à 6 pouces d'unité Scorpec. Donc voilà. D'accord. Donc il disparaît comme bon lui semble. Non, il me reste 2 PV. Ah, je souffre. Ça, c'était un petit. Ça, c'était un PV de. Il a perdu. C'était un PV de. Voilà. Yes. Bah, il te reste ton Rhino. Il me reste. Bah, en fait, c'est ça qui nous intéresse en vrai. C'est ça qui nous intéresse, c'est les attaques du Rhino. C'est vrai. Parce que si je le sèche. Le Rhino qui est là-bas, les amis. Paf. Ça change beaucoup de choses. Allez. 3 attaques sur du. C'est bien 3 ou c'est 4
Ils ont changé, Rhino. Le chat, c'est 3 ou 4 attaques? C'est 3 attaques, Rhino. Il semble que c'est 3. C'est 3, un des 3 et 1. On va partir sur 3, et s'il y en a une de plus, j'ajouterai. Il n'y a pas de 6. Ah là 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 là. Ouais, c'est pas Game Breaker non plus. Hein. C'est non, mais ça m'aurait plu. Ça t'aurait plu. Ça m'aurait plu. Bon, et ben voilà, on fait avec les moyens du bord. On fait, on va faire le point scoring. Moi, du coup, j'ai pas taqué puisque tu m'as lavé tout ce que t'as touché. En gros, on reste sur la zénithale. Ce qui s'est passé, résumé du tour. Résumé ici, du tour. Il m'a lavé mes 3 destroyers qui étaient là. En fait, j'ai lavé tous les destroyers Scorpec qui restaient sur la table. Ici et là-bas avec le prince. Voilà, donc ici, donc là, j'ai plus de destroyers Scorpec. Il m'a tué les scarabs, mais grâce à un petit rip-hop, j'ai réussi à en garder un qu'il a chargé avec le rhino, mais il est encore en vie à 1 PV. Exactement. Ok, ici, je me suis fait laver mon scarab, globalement. Exactement. Donc, globalement, ton plan s'est bien déroulé, hormis là, mais je pense que. Exact. Pour le reste, ici, ça s'est bien passé, ici, ça s'est bien passé, donc bon, ça me paraît plutôt stable. Imhotep, ça va, ça Imhotep. Va. Imhotep. Par contre. Les gars, il y a une petite remarque, si le plasma site, il part à la fin de la phase. Oui. Le prince, il peut pas bouger comme il l'a fait. Ok. Il lui passe à travers. Effectivement, t'as raison. Oui, mais en fait, ça changera rien parce que je vais faire la roue autour. Ça changera rien parce que j'avais la place, il était en arrière pour faire passer mon socle. Donc, Ben Malo, tu vois, je peux faire la roue. Mais la remarque est juste, après, ça change pas le placement. Bon, Ben Malo, on t'apprécie, on t'aime bien parce que t'es un très bon arbitre et que tu participes tout le temps. Mais il faut pas trop en faire non plus parce que. Gros coucou à Ben Malo, évidemment, qui est en plus sur le fil tipeur et qui aide vachement quand il y a des questions de règles, etc. Les gars, si vous tipez sur Creative Wargame, vous avez accès au super chat Creative Wargame WhatsApp. Et c'est de la bombe, je vous le dis. C'est vrai que c'était pas toi, Ben. Comment? C'était pas Ben qui le disait ce coup-ci, mais j'ai pris un tag gratuit. Ah, c'était gratuit, merci. Je m'excuse, Ben, je m'excuse. Bisous, bisous. Alors attends, avant qu'on l'oublie, tu m'as fait j'ai fait un rip-hop de Scarab à 4 PV. 4 points. Non, 1 point. C'est... Non, 4, c'est des PV, hein. Oui, t'as fait un rip-up à 4. Un rip-up à 4. Ok. 3 points de secondaire bis, mon bon Alex. 3 points. Je contrôle 1, 2, 3 objectifs. C'est validé par l'arbitre de touche. Ensuite, All front, tu me mettras 2 points, je te prie. Ok. Le spread, 4 points. Spread, 4 points. Et le mob prisoner, on l'a marqué. C'est ça. Il faut la marquer. On a juste compté les raises et on comptera à la fin de la partie. Exact. Ça fait un total de... Parce que là, ah oui, excuse-moi. Du coup, ça fait un total de 3 et de 5. 5 et 4, 9. Tu peux lui rajouter 9 points. Et tu peux ne pas me rajouter mes points à moi parce qu'on le fera à la fin. Moi, en primaire, je pars à 4 points. Ouais. Et je vais vérifier que ce soit faisable. Bien sûr, bien sûr. Ok, allez, donc je rappelle. Ici, j'ai mis 4 gars. Et je vais faire mon action de machinerie sur cet objectif-là. Ok. Ça, c'est fait. Là-bas, j'ai mis mes motos. J'ai mis 2 motos sur l'objectif. Oui. Et j'ai oublié de désengager. Je vais désengager mon petit socle. Oui. Qui va venir ici. Très bien. Loin des yeux, loin de la peur. Oui. Ici, j'ai mes Tesla qui ont avancé et qui vont salver sur le prince. Mon papa. Ici, j'ai lui qui va essayer de tuer quand même au cas où le prince aussi. Ici, je suis arrivé. Vous la voyez pas trop. Elle est là, la barge. Elle est ici là, mais je suis arrivé, j'ai bougé ma barge, voilà. J'ai bougé ma barge ici et elle est suivie par 3 ophidiens qui sont là. Le roi a fait une grosse advance et le roi, en gros, il va essayer de défoncer ça au tir et après de défoncer ça au corps à corps. C'est le but de la manœuvre. J'essaye d'enfoncer le clou-clou dans le cucu. Voilà pour ça. C'est ce que je constate. Merci Isaac pour le sub, pour ça fait rappel, plaisir. J'ai passé un plus un hit sur la barre, j'ai passé un plus un hit sur eux et un plus un hit sur les kikoulons. Donc là, en gros, tu fais shooter l'action. Non, je vais pas shooter. J'ai passé un plus un hit, mais il ne sert à rien. Mais en fait, d'accord. Je pouvais en passer 3, donc je les ai passés. Tu les as fait. Je les ai fait. Non, ça sert à rien sur eux, excuse-moi. Ça sert à rien. Il se le passe à lui-même éventuellement, comme ça annulera le malus du vent. Ouais, bien sûr. Voilà. Et sur eux et sur lui. Et la 5 plus 1 vue est sur la petite barge qui est ici. Non, elle a déjà 5 plus 1 vue. La 5 plus 1 vue est sur les immortels. Très bien. Voilà pour ça. Et allez, c'est parti. Je t'envoie déjà une première salve avec. Je vais essayer de t'envoyer une salve avec mon Baby Brown qui va tirer sur ton Prince Démon qui est juste là. Vas-y. On va essayer de se le faire. Ça me rapporte 3 points de victoire si je tue ces 2 PV. C'est parti. Ça touche à 2+, mesdames et messieurs. Oui. C'est parti. C'est beau. C'est beau. Il y a un 6 qui est pas sur le canon gauche. Donc ça fait 2 touches supplémentaires ici. Oui. Ok. Ça, c'est de la force 6 sur de l'endu. 6. 6. Et ça, c'est de la force 6 sur de l'endu 6. Donc on est sur du 4. Tout à fait. C'est parti, tout est à 4, j'ai pas de reroll. C'est honnête. Donc c'est honnête, ça fait celles-ci, elles sont PA-2, 2 flats. Celles-ci, elles sont PA-3, D3 flats. Tiens, commence par celle-ci, ça va vite. Ça, c'est PA-2. PA-2, 2 flats. Donc PA-1, t'es sur la save à 4. Save à 3. T'as une save à 2 avec lui. Une save à 2, c'est copain.
Oh là là. Ok. Ça c'est pas bon. Ça fait flat 2, donc ça fait 2 fin de pain du coup. Ça fait 2 fin de pain à 5, j'y arrive pas. Bon, ouais, c'est réglé. Merci d'être venu. J'aurais dû les faire une par une, j'avais des PC, j'ai pas été malin sur ce coup là. Hop. Ok, ensuite on continue l'aventure incroyable de des Nécrons ici, donc lui en Tesla. Est-ce que je vois la petite machine qui est là? Oui, et je suis à portée. On n'entendra pas tout le monde. Voilà, c'est ça la question. Combien j'en ai? Je pense que j'en ai un qui n'a pas. Lui, à mon avis, n'a pas de ligne de vue. Et lui, ils ont tous une ligne de vue. Allez, moins un pour être touché. 10 prénoms Tesla, mais je leur ai passé le plus à hit. Donc, moins un plus un, on est sur du 3 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 et 4. C'est parti. Donc, les immortels sur la tondeuse. C'est sur du 3, hop, il y a un 6, il y a 2 6, tac. C'est force 5, c'est donc sur du 7. Sur du 5, oui, on s'est compris. On s'est bien compris, ça fait 4, il n'y a pas de PA, t'as pas de couvert. 4 save à 3. Voilà, ok. Ensuite, lui, il lui reste 2 PV. Hein. Oui, c'est ça, ok. Lui a tiré. Le roi va mettre toutes ses armes. Je vais essayer de te le salver au tir aussi du coup. Ok. Je le salve au tir et eux je les claque à la charge. Ouais. Je pense que ça me paraît raisonnable. C'est honnête. Bien que, ils sont quand même un peu nombreux. Et le roi il est jamais fifou au corps à corps. En plus t'as l'armure of content. Je vais pas voir eux. Par contre lui va tirer là-dedans déjà en premier. Ouais. Lui va tirer Boris le Lachoir. Boris le Lachoir, oui. Ok, donc j'ai ma console qui tire dans les Marines. C'était 6 Marines qui sont sur l'objectif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est les Tesla. Ça, c'est les canons Ghost. Ouais. Lui, il touche à 2. Il n'y a pas de reroll. Ici, il y a un As. Il y a du Tesla ici. Donc, ça fait 2 touches supplémentaires sur le Tesla. Et tout le reste passe. C'est force 7 et force 6. Donc, tout est sur du 3. Il n'y a pas de reroll. C'est simple. Les canons Ghost ici ne passent pas. Ça ne passe pas. Ça, c'est de la. Pas de PA, donc tu peux mettre sur un mec à couvert à 2 plus. Ouais. Faire 2 tout par ça, 2. C'est pas de PA, dégâts 1. Pas de PA, dégâts 1. Et ça, c'est PA moins 3. Tiens, tu mets celle-ci en premier d'ailleurs. Mets celle-ci en premier, PA moins 3. Dégâts des 3. Donc PA moins 3, si je le prends sur un mec à couvert, ça fait PA moins 1, ça fait sur un 4 plus. C'est ça. Tanké. Ok, et tiens, vas-y, fais-toi plaisir. Ok, un PV. Un mort. PV. Un mort, et tu peux tout faire. Tu enlèves le reste. Vas-y, sur du 3. Bah, pourquoi tu l'as fait une par une? Pour un reroll. Ah ouais. De toute façon, je suis à 2. Hop, donc non, c'est bon. T'es à 3. Je viens de te le tuer, le mec à couvert. Oui, donc ça c'était la première, mais ça t'as dit c'est pas de PA. Donc je suis à 2. Pourquoi t'es à 2? Je suis à couvert. Non, je te l'ai tué. Ah, tu l'as tué? Ah oui, pardon. Tu l'as tué, je t'en tue 2. Oui, je croyais que j'en avais 2 à couvert. Non, t'es un. Je te tue le mec à couvert et je t'en tue un autre. C'est pour ça que je comprends pas que tu veux dire. Non, on est d'accord. On est d'accord. Donc, mais couvert est dead, de toute façon, il n'y a pas de débat. Et ça, après, on ne discute pas. Et ensuite, le reste, il faut que je perde une figurine. Et on va faire les ratatas là-bas. Il faut que je perde une figue. La tristesse d'un monde. Est-ce qu'ils sont tous à 2 pas? Je suis pas sûr. Je pense pas. Je pense que j'ai un gap ici. Non, tu vois. Là, je suis pas à 2 pas. Mais alors, ça fait quoi? Hop. Il ben, faut que je choisisse ce que j'enlève. Ah oui, ok. Là-bas, j'ai mes 30 tirs de moto. Je vais essayer de te salver. Ton mec qui est objectif sécure, qui m'embête un peu. Ouais. Je me tâte même à utiliser mon dernier point de com pour t'enlever le couvert. Ouais. Pour pouvoir le passer en save à 3. Ouais. Précise, c'est qui, sur qui tu... Alors, c'est les motos qui sont dans l'angle. Ouais. Pour là-bas. Chez vous. Voilà. En fait, il a un mec objectif sécure j'ai un qui petit est là. Gars qui est juste ici. Là. Qui peut m'embêter sur 2-3 manœuvres à la con. Tout à fait. Donc, j'aimerais bien m'en débarrasser. Et je vais utiliser mon dernier PC. Ah non, j'en ai 2 PC, excuse-moi. Je vais utiliser un PC. Et je vais te péter la gueule. pour ignorer son couvert à lui. Parce que ça a un intérêt majeur de pouvoir le salver. Bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je t'en referai 10 en plus. Avec plaisir. Allez, c'est parti. On est sur du 3. Ça, c'est pas bon. Tac. Je te fais les blazes dans la foulée, je t'en ferai 10 en plus. Hein. Ouais. Force 5, en du 5, on est sur du 4. Tu as ça de sauvegarde dans un premier temps. Je te les laisse là, je te fais les 10 autres. Et je prends les 10. T'as combien de dés? Là, j'en ai 6, il m'en faut. 6, 4 J'en ai 7, pardon. Il m'en faut 3, ça c'est bon. Donc on repart sur du 3.
Tac. Et sur du 4. C'est sur du 4. Donc, il y a ça de sauvegarde pour papa. Hop, sauvegarde à 3. Oui, monsieur. Un avant. Ça tank. Ça tank. Ça tank. Ça tank pas un PV. Ça tank. Ça tank. Ça tank. Ça tank pas. Je vais claquer un PC, je vais la reroll. Oui. Ça tank. Ok. Il me reste un PV. Il te reste un PV et tu perds un PC. Ouais, il me reste un PC. Ok. Ok, ok. Ça c'est fait là-bas, ça a tiré. Il me reste le roi du coup à shoot. Le roi va shoot. Il y a lui qui a bougé tout à l'heure, mais lui il a une fesse sur le jeu. Ouais, ouais, ouais. Depuis tout à l'heure, ce qu'il a prouté dessus même. Donc, Le roi va shoot et le roi il va mettre tous ses tirs dans. Alors t'as deux unités, Alexandre. T'as une unité là et une unité de 3 ici. Ah merde. Là c'est une unité ça? Il est tout seul, c'est le mec que j'ai sauvé à 2 PC, souviens-toi. Ah mais il va crever lourdement celui-là. Donc je vais mettre. Je vais mettre. Alors bonne question. Parce que là t'as une AVU à 5. Oui. Ah oui, c'est important en fait. C'est important. Ah ouais, mais du coup, je pourrais pas te les. Si je te les vois. Je vais mettre tous les tirs du roi là-dessus. Tous ces tirs. Ouais. Là, tu mets tous les tirs sur les 3 mecs derrière. Tous les tirs sur les 3 mecs derrière. Ouais. Et je vais mettre le pruneau d'Agen sur lui, parce que j'ai l'impression que j'ai que ça à faire. Oui. Ok. Donc, le pruneau d'Agen sur du 2 reroll. Non. Pourquoi moins 1? Parce que je suis dans la forêt. Et moi, je suis dedans aussi. Ah, est-ce que ça compte pour lui, là? Parce que lui, il est en dehors. C'est une unité. C'est une unité? Ouais, je pense. C'est l'unité qui est considérée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si le chat sait. Je te la reroll le cas échéant, il faut qu'on sache. Faut qu'on sache. C'est réglé. Faut qu'on sache. Alors, nous dit non, le Mézir prend moins 1. Voilà, c'est ça. Ok, le Mézir prend moins 1, donc le Mézir. Le Mézir ne touche pas. Et après, il y a les tirs du roi. Du oui. Coup, sur les mecs derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beaucoup trop. 9. Sur les mecs derrière, ça fait ça. Mmh. On est sur du 2 en full reroll. Ok. Et ensuite, on est sur du 3 pour tout le monde. C'est propre. Ok. Il y a ça et ça qui passe pas. Ok. Ok. Ça, c'est. Bon, de toute façon, c'est de. Il y en a qui sont flat 2, donc tu t'en tamponnes. Et par contre, c'est pour la PA. Il y en a qui sont PA moins. Les blancs sont PA moins 3 et ça, c'est PA moins 2. On va commencer par la PA moins 1. On commence par la PA moins 3. Moi, c'est pas grave, il a fait. Tant ça pis, change. Ouais, ça ouais. Change rien. Ça fait un mort. Ouais. Et ceux-là, c'est les dégâts 2, c'est ça? Celle-là, c'est dégâts 2, mais c'est la PA qui est à PA moins 3. Donc à 5 plus. On a dit dégâts 2, donc dégâts 1. Donc j'ai un mort et un PEV. Ok. C'est ça? Je sais pas, j'ai pas suivi tes sauvegardes. Non, non, c'était juste pour les stats. C'est... Oui, oui. Un mort et. Un mort et un PV. Et un PV. Ok. Ok, 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 ça m'emmerde absolument, parce que j'ai pas tué ce mongol. Parce que j'ai pas tué ce mongol, mais c'est pas très, très c'est un peu grave, mais c'est pas très grave. Non, ça va. J'ai mon roi qui... Il a tiré mon roi ou pas? Oui, le roi oui, il a tué la console et t'as pris 3 points pour ça. Ça a tiré, eux ont fait l'action, n'ont pas tiré. Eux, ils ont tiré sur ton gars, bon. Ils sont ratés. Les Tesla ont tiré. Ouais. J'ai donc plus de tir, je vais pouvoir déclarer de la... Je char. Oui. Je vais manger du chorizo. Le roi silencieux va venir se péter. Le truc, c'est que lui, il te fait prendre l'objectif. Oui. Et ça m'embête profondément. Et lui, il me fait de l'attrition. Ça veut dire que là, si je te tue pas lui... Parce qu'après je rentre, je mets mon menhir, ça fait 2 figurines sur le truc, donc j'ai l'objectif. Oui. Et tu mets 0. Non, tu mettras quand même des points de primaire ici. Oui. Je mettrai quand même 4. Tu mets 4 points de primaire. Ouais. Par contre, après, il faut que tu viennes te taper avec le roi, quoi. Et ça, c'est un peu embêtant. C'est ça. Après, tu peux faire l'intervention héroïque là-dessus. Tout à fait. Mais c'est pas ton avantage, très honnêtement. Peut-être pas. Ouais. Je vais te charger. Le roi va charger ce marine. Vas-y. Très belle charge à 10. Très belle charge à 10. Ouais, permettez-moi de vous le dire, mon cher Tourop. Ça fait plaisir. C'est très beau. Ici. Autre charge, il n'y en a pas. Okay. Là, tu peux pas faire l'intervention héroïque. Non, non, tu n'as plus de 3. Est-ce que je te charge ton rhino? Est-ce que ça a un intérêt quelconque? Non, mais toi tu pourras me charger au prochain tour.
Donc ouais, je vais te charger le... Non, je vais pas te charger le rhino, ça me rapproche rien, sans fout. Ok. Ça n'a pas d'intérêt quelconque, de toute façon, je suis sur l'objectif. Bah, tabasse-moi. Est-ce que tu fais attention, non, Rick? Non, je te regarde. Fais coquin. Ok, donc regarde. Du coup, on est en face de corps à corps. Je vais mettre toutes mes attaques du roi sur le petit mec... On peut peut-être gagner du temps, à moins que tu te rates vraiment. Je pense qu'on peut gagner du temps. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4. Je fais déjà les gros taquets. Vas-y. On est sur du 2... Bon, il n'y a pas d'as, on est sur du 3, du même à force 8. Ouais, on est sur du 3 en full reroll. Tac, tout ça passe en full reroll. Ok, ça c'est PA-4 et c'est 3 flats. Ouais, c'est fini, il est mort. Ouais, c'est bon. Ok. Tac, gagnons du temps. Gagnons donc du temps. Et je vais te contacter ta tondeuse sur le piline. Tu contactes la tondeuse sur le piline, c'est intéressant. Tu vas pouvoir taper. Je vais quand même pouvoir taper. Ouais. Bah écoute, il n'y a que ça qui va taper, donc ça va taper tout de suite. Attends, laisse-moi réfléchir deux secondes. L'idée, c'est de l'empêcher de t'emmener quelque part après, qui pourrait m'embêter, c'est-à-dire de charger quelque chose. Tu pourrais au prochain tour potentiellement venir ici m'embêter, m'arracher la console. La console, tu ne me l'arraches pas. Je suis en physiologie transhumaine et je réduis les damages de 1. Tu ne me l'enlèveras pas. Tu peux potentiellement venir ici m'embêter, mais ça m'embête pas plus que ça. Non, je vais pas piline. D'accord. Je vais pas piline parce qu'elle ne m'embête pas plus que ça en l'état. Très bien. Et j'accepte. Et voilà, je vais rester comme ça. Et lui, il avait perdu 3 PEV, ce petit loustique. Ok, il y a 6 facilités. Il y avait le 2, on est bon. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi au niveau scoring de fin de tour, globalement pour vous résumer le tour. Hein. Je me suis un peu fail, mais bon, en fait, j'ai mis qu'un tour, je me suis pas vraiment fail. C'était du 3+ reroll, c'est pas passé. Puis en plus, derrière, t'avais potentiel, il y avait un jet de blesse et t'avais une 5+. Par contre, ici, ce qui me porte préjudice, c'est qu'ici, j'avais pas capté que c'est deux escouades. Donc en fait, quand je pensais de charger, je pensais laver les 4 escouades. Et je me serais mieux positionné si je les avais démarqué les deux. Donc ça, j'incombe la faute à mon adversaire qui n'a pas bien distingué ces deux unités avec des marqueurs de socle qui sont disponibles chez MyScenary à moins 15% pendant tout l'event. le sel d'un homme. J'ai mis mes mecs ici sur l'objectif et j'ai fait l'action. Oui. Et donc j'arrive à la fin de mon tour. Alors, ton scoring, Alex, sur code de combat, tu vas avoir pris avec le King, parce que tu as tué une unité avec le King. Avec le King, j'ai tué une unité au corps à corps, oui. Donc je mets 4 points. C'est et ça. Avec l'autre, j'ai tué une unité au tir, donc je mets 3 points. C'est ça. Je remets 4 points d'ancienne machinerie. Trésor des éons, je tiens 1 et 2 objectifs. Je mets donc 3 points au trésor des éons. Niveau du primaire secondaire, je mets 3 points, puisque je tiens 3 objectifs dans le No Man's Land. Nous sommes... Ça veut dire que sur ce tour, je d'accord. fais 4 et 3, je fais 7, 7 et 3, 10, 10 et 4, 14, 14 et 3, 17. Voilà, tu peux mettre plus 17 points sur ce tour. Et toi, tu commences le tour 4 et tu nous mets 4 points. 4 points de primaire. Ok, donc on arrive au tour 4, les amis. Comme vous pouvez le voir, c'est clairsemé, mais on a encore des choses à faire. Je monte à 2 PC. Est-ce que je gagne un CP de Taliman? Est-ce qu'il s'est compté? Non, il ne s'est pas compté pour ce tour. Protocole, donc là, je découvre. Je découvre. J'ai un test de morale là-bas, mon bon Alex. Ah oui, vas-y, ça me ferait bien rire. 4, ça tient. Ouais. Ici, donc je découvre, j'ai le gardien éternel, donc c'est soit le couvert, soit le préparer sa défense. Pour un Overwatch à 5+, ça peut être rigolo, mais j'en ai pas un grand intérêt. Donc du coup, je vais utiliser ma capacité du roi silencieux et je vais passer un tyran conquérant et je vais passer un désengage plus tir à la place. Tu prends disengage and shoot. Ouais, disengage and shoot, et donc ça se fait dans ce sens-là. Donc ça veut dire que je dois laver ce que je touche. Pas forcément, ouais, pomper. Là, c'est celui-là qui m'embête un petit peu, là, parce que j'ai du mal à évaluer comment sécher tous ces gens. Là, c'est pas trop compliqué à évaluer. Oui, je pense que ça devrait aller à peu près tout seul. Et puis ensuite, viva la vida, j'ai envie de te dire. Viva la vie d'artiste, même. Phase psy, j'ai plus. Là, j'ai rembarqué. Ok. Ici, avec les marines, et je me suis éloigné au maximum. Oh, non. Là, j'ai une tondeuse qui a remplacé l'autre. Ouais. Donc il y en a une qui est venue ici, l'autre qui est venue là. Et puis on n'est pas trop mal. Là, j'ai placé le rhino à plus de 6 pouces des autres quarts pour pouvoir scorer tranquille mon engage. Ouais. Là, je me suis avancé, comme ça je peux mettre des tirs de. Je mets un tir de fuseur et un tir de lance-patate, c'est bon jamais. C'est pas ouf, mais bon, c'est de l'opportunité. Et puis après, joie d'offrir, plaisir de recevoir, j'ai envie de te dire. Déroule. J'allais dire phase de psy, mais non, t'as plus de psy. Non, j'ai plus de psy, donc on va directement à la phase de tir. Lui, il va mettre un coup de frouche là-dedans. Allez.
Parce qu'il a le droit, il a couru, c'est juste un ouf. Ah donc, le Full Blight Spawn qui est juste ici va mettre un tir de flammeur dans ses gentils monsieur. Hop, 1, mais j'ai le droit de reroll parce que j'ai un pathogène. Pato. 5. Hop, je te blesse sur du 2. Tu as rendu 5, que je descends à 4, donc sur du 2. Reroll des as. Tu as 5 save, PA, moins 3, flat 2, je te prie. 1 vu à 5, j'en perds 3, je fais donc 6 protocoles, je te prie. La stat est 1. Eh bien, pour le moment, la stat est à 1,5. Et la stat est à 1, donc je reprends 2 PV. Tac. Et donc, j'en ai 3 qui meurent et 1 qui repop, on est d'accord? Ouais, c'est ça. 3 qui meurent, 1 qui repop. Oui. Et donc, je vais la mettre sur l'objectif pour le coup. Voilà. Ok. Ok. Du coup, ça m'empêche de prouter cette histoire. Mais non, tu proutes à la fin de ta phase de mouvement, non? Oui, je déclare l'action. Ah oui, attends, je la déclare en. L'action, tu peux la faire, mais il faut que tu aies le contrôle objectif à la fin du tour pour la marquer, peut-être, non? Non, en fait, il faut que je contrôle l'objectif au moment où je proute pour déclencher l'action. Pour moi, c'est bon. Je pense que c'est. Tu déclenches le prout, c'est bon. Je pense que c'est. Est-ce qu'on a un professionnel derrière qui peut nous confirmer ça? 4 tirs de pan, ratata. Au moment où il proute. Il a le contrôle et avec un rip-hop, du coup, je lui nulle l'objectif. Je te blesse à 4. Ouais, définitivement, ça c'est le rhino. Hop, tiens, tu prends. T'as compté le moins 8 Non, je suis dans la forêt là. Ah oui, le moins 8 natif. Ouais. On commence. Allez, vas-y. Hop, sur du 4. 4. Tac, 3. Sur du 4. 2. 2 save sans PA, je te prie. Ok, bah save à 4 de mobilette. Faire un PE. Ouais. Qui contrôle au moment où il fait le coup? C'est moi, c'est lui qui contrôle. Si je peux, c'est une unité ennemie, ça a changé Bulbul Redfish. Ça a changé avec le chapter approved. Néphiline. Oh yeah. Oh oui. Ensuite, ah, à la fin de la phase de mouvement. Ah oui, non, on s'en fout. Touk. On s'en frouche. On s'en frouche. Là, j'ai une ligne de vue. Je suis à plus de 12. Je peux peut-être m'aligner à voir, parce que là j'ai quand même une charge à faire. Faudrait que je les finisse quand même. Attends, on va faire les trucs où au moins on sait que ça n'est pas game changer. Le tir de fuseur là-dedans. Vas-y, sur du 3, ça touche. T'as moins 1 à 3. Ouais, mais j'ai plus 1 grâce au Taliman. Oh, okay, je te blesse, t'as une save 1 vue, je te prie à 4. Oui, 1 vue à 4 sur le menhir. Réussi, bravo. Yes. Deux tirs de lance-patate. Oh, trop simple ce jeu. Vas-y. Ouais, de ouf. Sur du 3. Ok, 2 touches. Blesse à 4 cette fois. Une save, PA moins 2, dégâts 2. Toujours à 4 plus 1 vue. Ok, très bien. T'as essayé de me frustrer, non? Non. 2 tirs de plasma. Poum. Hop, une touche. Blesse à 3. Non. Le plasma, il va pas branler celui-là, chaque fois. J'ai les tirs. Ici, j'ai lui qui a son bête combi bolter. Il va faire un ratata. Je sais pas si tu peux le faire, ça mange pas de pain. J'ai pas vu qui. Hop, c'est le combi bolter qui est ici qui va faire un rata. Le des petits tirs anecdotiques. Hein, ouais, on fait du. Moins 1 pour être touché. Parce que tu profites du couvert. Tac, rien. RAS. Ça ne veut pas. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais avec le Lord? El Lordo. El Lordo, je pense que El Lordo, parce que là on est quand même sur une petite save, je vais pas te tirer dessus, je vais garder ma charge en fait possible ici. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais payer un PC, je passe à 0, du coup j'étends la portée de lui à 18 pouces, et comme ça me permet de sécher ça. Ça te permet de tirer dessus, tu veux dire? Ouais. Mais à aucun moment t'as une ligne de vue par contre. Si, parce que j'ai l'arme de ma figurine qui est là, donc en fait là je peux tirer. Ça me paraît capillotracté cette affaire, non? Attends, bouge pas. On peut mettre un laser si tu veux. Ouais. J'ai un petit laser, c'est fait pour. Hop. Je suis pas sûr, hein, très honnêtement. Ça te dérange si on enlève le rhino? Non, ça me dérange pas. Tac. Ouais, t'es pas sur ma figurine. Là, je suis sur les deux, là. Non. Regarde. Si, j'ai les deux, là. J'ai une ligne droite. Ouais, ça, vas-y. Ouais, ça marche, ça me va. Le laser a fait preuve de... Le laser, les gars. Prenez le laser. Le laser a validé. Après, c'est validé par la vitre de touche. Après, est-ce que je vais arriver à faire beaucoup de touches? Je ne suis pas sûr. 7. 7, c'est rigolo. C'est la stat. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Directement sur du 3. Ouais. Hop, reroll des as parce qu'arme de la peste. Arme de la croûte. Bim, ok, ça marche pas. Tu prends 3 mortales, plus 5 save. APA. PA moins 1. 1 vu à 5. Ok, c'est 2 flats. Non, c'est dégâts 1, mais là ça fait 6 pour 6 motos.
Pas pour 6 PV de moto. Parce que j'ai 3 mortels. 3 mortels en plus. 3 mortels, ok, ça marche, elles sont mortes. Oh là, je suis tristesse. Hop. Tu l'avais marqué là pour Moto Carry Pop. Hein. Ah oui, j'ai pris les deux points de la Moto Carry Pop, mon Alex. Ok, donc ça, c'est plutôt pas dégueulasse. Eh bien, écoute, pour la phase de tir, ça a fait ce que ça avait à faire. Ici, ça a fait ce que ça avait à faire. Lui, il a fait feu, donc j'ai terminé. Eux, ils ont tiré, donc nous allons passer à la phase de charge. De pied-bouche. En phase de pied-bouche, on a dit le Lord ici. Vas-y, c'est parti. Hop là. Oh, écoute, ouais, je les mets en dehors, ouais, mais... Hop. Voilà, charge à 6. Franck m'avait confirmé que les dés ne sortaient jamais de sa piste. Bim. Ensuite, le drone ici. Yes. Oui. Taille 6. Easy. Alors. Cash, money gang. Ouais. Hop. Je vais venir par là. Parola. Hop, Monsieur Tourop, je vais tondre votre gazon. Et la tondeuse, on va essayer quand même de se virer le monolithe à la con qui reste là, qui me casse les pieds. Dans quel monde je charge? Parce que c'était quand même couillu, mais il fallait quand même occuper le king un moment. Après, il peut peut-être me sécher. Je sais pas ce que je fais. Je sais. De toute façon, je charge. Voilà. Hop, voilà, ça c'est bien. Par contre, la question c'est où est-ce que je me positionne? Et je pense que je vais venir me mettre. Hop, ici. Yes. Tac. Allez, là. La tonte. C'est bien. Fight là sur lui. Coup, tu peux taper sur les motos. Je peux taper tout ce que je veux sur les motos. Allez, je pense que la tondeuse, elle fait le job en flat 2, je suppose. Le moins 1 à la touche des tomblades, je crois que c'est qu'au tir. Je vais commencer par le Lord. Attends, j'ai un doute. Qui brille. J'ai juste oui, c'est qu'au tir. Enfin, je crois qu'il me semble. De mémoire. Hop. Memory Quantum. Vas-y, c'est où? Tire, c'est bon, c'est quoi, tire. De toute façon, j'ai un moins 1 pour toucher avec le Lord, donc je te touche sur du 3 seulement. Yes. Il porte une moufle, voilà. Ensuite, il est PA moins 4. J'ai de la vue à 5. Bim, il blesse sur du 2, mais c'est arme de la peste, sa moufle. C'est ça qui est chouette. Eh ben non, ça fait 3 save, PA moins 4. Un vue à 5. Deux morts. Une. Flat 2. Je te fais 4 protocoles. Ouais. Une qui ripop. Deux. Donc tu m'en as tué 2. Ouais, et ça remonte une. Donc je vais t'enlever celle-ci et celle-ci. Ouais. J'aurais bien aimé que tu m'en tues 3. Et j'en ai une qui ripop. Ouais. Et qui va venir se mettre ici. Très bien. Du coup, je vais tondre ton gazon. Je vais venir la mettre. De toute façon, je vais juste en mettre une. Ici, elle est sur l'objectif et elle est pas portée. Vas-y, tu peux tondre le gazon. Tiens, t'as une mécanoptère qui traîne et maintenant. Merci de me laisser tondre votre gazon au bonbon tour up. Vous êtes trop bon, monseigneur. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est parti. On touche sur du 3. Eh bien, c'est de la merde. Hein, décidément. Par contre, je te blesse sur du 3 aussi. Eh bien, c'est de la merde aussi. Reroll des as. Eh bien, écoute, c'est vraiment tout pourri. C'est le pire jet que j'ai fait. Un vu à 5. Deux motos mortes. Protoclose, catastrophe. Et j'en ai une qui ripop encore. C'est une catastrophe du dé. Donc j'aurais vraiment pas eu de bol sur mes jets de dé. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ok. Donc je m'active chez mes 3 pouces. Je viens ici. Ouais. Et on est content. Et on est heureux. Laura, va taper sur ta tondeuse. Alors, il va mettre 3 taquets ici. Quand même. Et il va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, mais c'est pas grave, Madara. C'est pas grave. Allez, c'est sur du 2. Vas-y. Et c'est sur du 3 en full reroll. Tac, tac. Et tac. Ok. Vas-y, celle-ci, PA, moins 4 pour 3 flats que tu passes à 2. Donc t'es un invulnérable. 5 plus invulnérable. 2 PEV. Ok, ça me fait 4 PV à 5. Et ça, c'est sur du 5 plus invu pour 1 dégât. Il est mort. Putain, j'arrive pas. C'est une catastrophe. N'explose pas, s'il te plaît. Si, j'explose. Mais tu prends un PEV. Ah, c'est sur du 4 que t'exploses ? Ouais. Je prends une mortelle sur le menhir.
Tu l'as tenté. C'est très très con. En fait, j'aurais peut-être dû rester de contester. Finalement. Tu prenais une intervention héroïque, je pense. Ouais, je prenais une intervention, ça changeait rien. Fallait pas aller dessus du tout si tu venais. Non, fallait pas venir dessus du tout. Non, je suis relativement désappointé. Ok, j'ai mes tomblets qui vont quand même taper dans ta. Dans la tondeuse. J'ai un doute, j'ai jamais fait taper mes tomblets de corps à corps. Je pense qu'elles ont deux attaques. J'espère. Si je suis avec ta tondeuse, je suis le roi des haricots. Bah écoute, j'ai envie de te dire, vu les jets de dés que je me traîne depuis tout à l'heure, parce que quand même pas arriver à sécher ça avec une tondeuse, c'est quand même la loose du slip, hein, on va pas se mentir. Attendez. Une attaque par tondeuse. Vous allez plus vite que je ne lis. Merci, c'est cool les gars. C'est sur du 3 et c'est sur du 5. Non, voilà, merci d'être venu. Merci la tondeuse. Ok. Fin de ton tour. J'ai pas de test de coup. Le roi, il va remettre 4 points parce qu'il a pété une unité au corps à corps. Donc c'est cool. Au niveau du scoring, tu es sur... Donc l'objectif primaire, primaire bis, tu es sur 1 et 2 objectifs. On est d'accord? Oui. Tu mets donc 2 points sur le primaire bis. Je mets 2 points sur le primaire bis, oui. On t'a déjà mis les 4 points de première attente début, donc je te compte que les 2 points. Ouais, tu me comptes que les 2 points. Ouais, c'est ça. Ensuite, le all front, tu es sur les 3 quarts de table. Donc tu remets 2. Spread, tu le remets à 4 points. Je fais les 15. Ça y est, t'es à 15. Hop. Et tu avais rajouté les prisonniers en plus. C'est ouais, déjà fait. T'as remonté 3 motos à ce tour-là, donc j'ai remonté les... Donc tu peux lui rajouter 2 et 2, 4 et 4. Tu peux lui rajouter 8 points. Et moi, au début de mon tour, je vais tenir 3 objectifs et je vais mettre 8 points de primaire. Je vais mettre 8 points de primaire grâce à mes belles motos, donc ça c'est cool. Je mets 8 points de primaire à mon début de tour. Donc à la limite, fais-moi le apparaître comme on l'a fait apparaître, comme ça on suit bien. Oui, c'est mieux, ouais. Donc tu peux mettre plus 8 dans la foulée. Au niveau des aptitudes, le roi, il a personne, donc il va se filer un plus 1 hit pour lui. Lui, il va filer un plus 1 hit sur la barge qui est ici. Ou pas. Les dés sur ton rhino, c'est son nombre de PV qui lui reste? Ouais, 8. Il lui reste 8 PV? Ouais. Ok. Je vais prendre un... Bon, c'est quand même la frustration de la tondeuse. Hein. Putain, mes jets de dés, globalement, c'est pas ouf. Hein. Je vais prendre un plus 1... Hein? Ouais, c'est le nouveau bouchon, c'est chelou. Et tu peux m'en rajouter 4 points d'entrée de jeu aussi pour le primaire, le roi. Ici, pour le code de combat. 1, 2, 3, 4. De quoi? Tu l'avais pris là pour la tondeuse? Je l'ai pas marqué. Tu l'as pas noté? À la fin de ton tour, je l'ai pas marqué. Donc t'as 4 points de bonus? Tu peux me rajouter 4 points encore. Ok. Lui, il se met son plus 1 hit. Et lui, il va se mettre... Il va se mettre quoi? Il va se mettre dans la mouille. Il va se mettre. Là, t'as moyen de mettre un moins 1 hit quelque part? Tout le monde est dans la veine. Ouais, je vais mettre un plus 1 hit pour lui. Il va se le mettre sur lui-même. Ça marche. Ok, je récupère un point comme je suis à 1, je passe à 2. Ouais. Et le Chronomancer, il va mettre sa 5 plus 1 vue sur mes petits guerriers. Ouais. Qui font plaisir. Voilà pour ça. C'est très drôle. C'est très drôle, toi, tu es un génie. Ok, phase de tir. J'ai papa qui va mettre tout dans Toto. Vas-y. Donc on a 3 tirs de canon go-go-gos. Et on a 1, 2, 3, 4 tirs de bâton voltaïque. Ouais. On est sur du 2. Ok, il y a un petit tasse et il n'y a pas de 6. C'est que de la force 6. On est donc sur du 5. Oui. Allez, on y croit. Il y en a 2. Ici, il est hors champ. Et il est bon. Il y en a 3. Alors, ça, c'est de la ça, c'est du D3 damage. PA moins combien? PA moins 3. Sur la 5. Ouais. Non. Donc D3 damage. Le D3, donc ça fait 1. Du coup, il reste un PEV. Un PEV. Et ça, c'est PA moins 2. Donc PA moins 1 sur du 4. Sur du 4. Ça tanque. Ça tanque pas. Je te fais l'affront de rester. Allez. Allez. Il me reste des PC de toute façon. Allez, fais-toi plaisir. Donc on se fait plaisir. Eh bien non. Est-ce que j'explose? Non. Merci. D'être venu, ça me remet 3 points sur le code de combat, je pense que ça me le cap à 15. C'est fait. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais eux, ils font l'action là-dessus. Lui, il met mon dernier objectif là-dessus. Ouais. Tac. Et voilà. Après niveau des tirs, le roi mage, il va tout mettre sur le rhino. Donc le gros pruneau de la. Est-ce que vraiment je le mets? Est-ce que je prends pas un risque? Parce que si tu débarques, tu peux pas débarquer sur l'objectif quoi qu'il arrive. Et de toute façon, comme je ne suis pas trop placé comme un neuneu, tu ne pourras pas venir sur l'objectif sans prendre une intervention héroïque. Donc là, c'est bon. Donc, je vais le défoncer au tir. Tu tires dessus? Je le tire dessus. Donc, le gros pruneau à 2+ reroll, ça passe. Sur du 3+, ça passe.
Ça, c'est mon bon monsieur PA-4, save à 6 pour 6 dommages flat. Je prends 6. Il me reste le rhino, j'ai du pas de 1. Non, il me reste 2 PV. Et non, parce que okay. Ce codex, tu vois, c'est pas comme les TS qui, eux, ont leur mot-clé qui s'applique à tout le monde. Ça, c'est les 3 tirs. Nous, non, ils s'en foutent. En 3 flats, ça touche. Les explications, ils s'en foutent. Ils vont te piétiner. C'est tout. Oui, c'est ça, ouais. Ok, ah. T'en as une en PA-3, donc PA-2 sur du 5. Tant que ça passe. Et après, il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est sur du 2. Tac. Et on est sur du 5. Mm-hmm. Tu en as une, mon bon monsieur. À combien? Raté. Raté. Elle est ratée, c'est sûr, et c'est que un damage. Ok, il me reste un pet. Ok. C'est con. Je vais pas le charger, parce que si je le charge, je me fais douiller. Je le défonce, après il débarque ses objectifs sécures et il me reprend l'objectif. Donc je ne vais pas le faire. Je vais rester tranquillement sur mon objectif. Voilà. En fait, le deal, ça, je m'arrête deux secondes. En gros, si je pétais son châssis, soit il débarquait sur l'objectif, je le chargeais easy, il se faisait défoncer ses trois marines qu'il y avait dedans. Soit il débarquait derrière le mur pour pas que je puisse le charger ou que je fasse un gros détour. Et dans quel cas, en fait, il n'est pas sur l'objectif, donc je m'ennuie pas. S'il revient sur l'objectif pour le contrôler, je pouvais faire une intervention héroïque, puisque le roi, il fait une intervention héroïque à 3 pouces sur toute l'actualité de l'objectif. Voilà, ça c'était pour le petit instant next. Ici, je ne peux pas tirer sur papa parce que tu es dans l'aura du rhino. Là-bas, je ne peux pas les cibler. Je vais donc déclarer mes phases de charge. Comme je vous l'ai dit, lui ne chargera pas là. Et j'ai papa qui va se taper avec ton héros. Tu me rentres dans le lard ? Je te rentre carrément dans le lard. Allez, rentre-moi dans le lard. Et je vais charger le rhino aussi au passage. Vas-y, rentre. Je m'en trompe pas. J'ai un PC. Alors attends, j'ai un PC parce que je peux te mettre un. Un quoi ? Un Overwatch ? Un Overwatch. Vas-y, si ça te souhaite. Je peux complètement t'overwatcher. Est-ce que j'aurais besoin de mon PC pour après ? Écoute, je t'overwatch. Vas-y. Plus de PC. Plus de PC, parce que j'ai pas besoin de. T'as d'autres charges à annoncer ou pas ? Non, vas-y. Non, donc Overwatch. Allez, c'est parti, 2 dés de 6 tirs, hop là, ça fera 9, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vais... sur attends, 4. attends, est-ce que tu, c'est quoi ta PA? PA moins 2. Comment j'utilise mon PC pour l'invu, c'est par phase, je crois, pour l'invu à 4, pour les véhicules, je sais plus comment ça fonctionne. Bon, je l'ai pas déclaré, je vais vérifier, tant pis, je l'ai pas déclaré, c'est pour moi, sur du 4. Et je pense que c'est au début de n'importe quelle phase. À mon avis, c'est début de n'importe quelle phase. Donc il aurait fallu que je le déclare avant de la charge. Très honnêtement, je pense que je l'aurais pas fait. Donc voilà. Eh ben écoute, c'est pas ouf. Ça en fait 3. 3 ouais. Ça en fait 3. Un vu à. Tu m'as dit PA combien ? PA-2. PA-2, je suis dans le coup. J'ai le couvert quand même. Maintenant, je suis un véhicule. Donc je suis en un vu à 5. 2 PV. Je prends 2 PV, monsieur. Et j'ai fait ma charge à 5. Donc je peux venir te contacter. Vas-y. Tu veux bien la rapprocher ? Bien vois. Sûr. Tac. Comme ceci ? Ouais, comme cela. C'est parti. Tu contactes ? Je contacte. Tout le monde ? Tout le monde. La vie. La vie, tout le monde. La vie, tout le monde, la vraie. La vraie. Ok, j'ai un fight last avec lui ou pas là ? Non, pas du tout. Non, pas de fight last. Ok, donc je vais pouvoir te taper. Vas-y, tu peux me taper. Je vais te mettre 4 taquets. Vas-y, mets tes 4 taquets. C'est sur du 2. Ok, bravo. Et c'est force 6. En endurance 6. 5. Sur du 3. Oh, le mec. Ok, et le bâton voltaïque. Attends, parce qu'il y a des 6 et je pense qu'il y a de la mortelle, je crois. J'ai un doute. Le mec connaît pas du tout son armée. Un scandale. La relique, non, pas du tout. C'est à chaque attaque, c'est que au tir que ça proc. Et pas du tout en mêlée, c'est bien plus. Donc, c'est bien. Force plus 1, PA-2 dégâts. PA-2 dégâts 2. Donc, t'es sur une 4 plus. Sur une 3 plus. Parce que PA-2, PA-1, j'ai une 2 plus de Terminator. Ouais, tu fais chier. Tac, bah écoute, j'en rate une, donc je prends un PV. Vas-y, il me reste 5. Et tu peux taper. Et là, par contre, c'est moi j'ai utilisé mon invu à 4 plus. Hein. Oui, oui, oui. Pas débat, je l'ai pas déclaré. Mais... Hop, sur du 3. Sur du 4. Sur du 4. Pardon. Tiens, je l'ai mis dans... T'as vu ça ? Ouais, c'est talent. Tiens. Et de mon côté, sur du 4 aussi. Tu prends 2 PV. C'est du 3. Les dégâts de 1. Tu as du les dégâts de 1, non ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc je prends 2 PV. Tu prends un PV, bien. Là, ici, on va être sur un truc très long. Globalement, on a un truc sans fin. Sauf que je suis objectif sécure. C'est ça qui casse les pieds. C'est ça qui casse les liens. Ok. Je te mets les attaques de rhino au passage. Vas-y, fais toi plaisir. 3 attaques de rhino. Faire. Faut quand même les faire. Fin. De mon tour. Oui. Fin de mon tour. Oui. J'ai capé mon code de combat. Alors, au niveau des primaires bis, j'en tiens 3. Donc, je remets 3 points primaires bis. Primaire bis. Au niveau du trésor des éons, je tiens les 3 objectifs. Donc, je remets 5. Au niveau de l'ancienne machinerie, je l'ai capé à 15. Donc, tu peux me rajouter juste. J'avais fait 12. Tu peux me rajouter plus 3.
ici. Et code de combat, j'étais à 8. 8 et 6. T'as tué quoi? T'as rien tué avec si, la barre, j'ai la, mon barre, j'ai la tué ton, ta tondeuse. Ah, la tondeuse, ouais. Donc, je suis. Alors, 8 et 6. 14. 14, donc je suis à 15. Tu mets juste plus 1. Alors, ça fait que tu me mets plus 3 pour le primaire bis. 3 et 5, ça fait 8. 8 et 3. 9, 8 et 3, 11. 11 et 1. 12. 12, ok. Tu peux mettre plus 12. Et toi, au niveau des primaires, tu commences 8 et 4. À 4. Je mets 4 ici, là. Yes. Ok, du coup, j'ai essayé de faire mon taliman qui a mal compté. Ça donne combien de points au début? Et tu peux passer au tour 5, et je veux juste savoir combien. Je suis au tour 5. 65, 41. Et t'as rajouté les 8 points de primaire? Les 4 points, oui, 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 oui. Il est à 41 avec les 4 points de primaire? Oui. Oui. Okay. Allez, donc et là, il faut c'est finir. C'est parti pour le tour 5. Il faut finir ce qu'on a commencé. Je pense que c'est faisable. Alors. J'ai encore un PC pour l'invue à 4. Oui, mais on va aller à la mortelle directement. Ah, okay. On va aller à l'essentiel. Ah, là, mortelle, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire. D'ailleurs. Le stratagème. Attends. Le stratagème, il s'utilise en phase de commandement. Donc, vas-y. Hop, j'utilise mon stratagème en phase de commandement. Sur un 2+, je hache un PC et je te mets 2 D3 mortels. Ah non, t'es un personnage, je te mets D3 mortels. Ok. Ça fera que D3, donc je peux pas te tuer. Fais un 2+. Hop, ça marche. Et maintenant, le D3 mortel qui va avec, on pourrait faire la même chose. Et voilà. Bah écoute, tant pis. Et voilà. 4, ok. Ah, ça t'enlève un PV à toi? Ouais. Je perds un PV, tu perds un PV quoi. C'est... Et ça te coûte un PC. Ouais. C'est une manœuvre de merde. Non, parce qu'en fait. Ça s'entendait pour amendrir le mec. Ouais, et en fait, sur ouais. L'unité classique, tu mets 2D3 mortal. Donc en Bisous fait, le mec, tu regardes, tu peux le tuer sec. Bienvenue entre jeux studio, merci pour le raid. On a 22 personnes qui nous rejoignent. Oh, l'entre jeux studio, merci les gars. Vous assurez. L'entre jeux studio, ça fait plein de fois qu'ils nous raid. Franchement, les gars, on vous rendra l'appareil. Merci, ouais, de ouf. Quand on aura l'occasion, on vous rendra l'appareil. Vous êtes noté dans notre petit book of honor. Fin de la phase de mouvement, je vais activer le crâne. Tu sais, c'est la relique que j'ai. Ouais, le crâne Glot of Clotilde. Le crâne de Clotilde, écoute, ça fera 2 mortels de plus. Ok. Je suis à 6 PV perdus, il en reste 3, mon bon monsieur. Ouais, j'y arrive pas quand même. Ok, ça marche. Écoute, j'ai plus de PC, c'est la loose, donc on va faire les tirs qu'on peut faire parce qu'on les a. Je vais faire le dé de 6 tirs là dans le mec qui reste là-haut pour qu'il me donne les points. Ça fait 1, mais j'ai le droit de le reroll. Ça fait 4. Ça fait 4, c'est très bien. Pratique ton pathogène, hein. Ça fait plusieurs fois qu'il rentabilise. Ah oui, bah il est fait pour reroll des as. Tiens, tu prends tout ça de save, PA-3, je te prie. Pas de save, il est mort, c'est réglé. Voilà. Ok. Boum, ça on en parle. Lui, il est content, il a traversé toute la France. Plus. Filmez ça. C'est absolument génial. Ok, eh bien écoute, on va pouvoir passer à la phase d'assaut. Parce que j'ai rien d'autre de plus à faire. Là on s'en fout, de toute façon, quels que soient les tirs que je fais, ça ne changera rien. Du coup en phase d'assaut, on a dit que je faisais la charge à 6 ici. Yes. Eh bien non, t'as plus de PC. Merci Mad Max pour le sub, ça yes, fait plaisir. Merci Mad Max pour le sub, je te fais l'intérieur ici. La vie est ainsi défaite. Écoute, Phase de charge terminée, de toute façon, phase de charge, ouais, non, c'est bon, c'est tout. Je tape en premier dans les deux claques. Ouais, ici, je te passe un fatlas. Effectivement. Donc, le roi, c'est parti, il va te mettre ses 4 gros taquets à flat 3. Mets les 4 gros taquets pour voir si je survis pas. Sur du 2 et sur du 5, donc c'est sur du 3 reroll. La reroll, elle fait grave zirplay. Tiens, c'est PA moins 4 et sur de la save à 6 pour voilà. À chaque fois. Ok. Hop. Ok, et là-bas j'ai mon boss qui va taper. Vas-y. C'est sur du 2. La phase d'assaut, c'est un vieux truc de V7. C'est la phase de charge. Ça passe. Vas-y, PA. Moins 1. PA moins 1. Enfin, il met en moins 1 validé, donc c'est okay. Bon. Tu peux taper maintenant à ton tour. Ouais. Le combat de Dolmon là-bas, de toute façon, on l'avait dit. Est-ce que tu vas le tuer? Tac. Sur du 3. Ouais. Les dés, c'est vraiment pas ça. Hein. Ok, et ensuite sur du 4. Ouais. Une save. J'ai pas activé mon invu, donc je l'active pas, de toute façon c'est trop tard. Donc je prends un PV. Un PV. Attends, j'étais à 6 et j'en suis à 7. Je vais le mettre, mais je vais le récupérer dans la foulée quasiment. Ouais, on s'en fout, le met pas. Ouais. On sait. Tac. Ok. D'ailleurs, j'avais pas activé le dernier protocole. Et le dernier protocole, il sert plus à rien, c'est ni recouvert ni porté, de toute façon on s'en tamponne, c'est option T5. Ça te finit ton tour là-dessus? Ouais. Ouais, c'est dommage. Allez, ça finit ton tour là-dessus, on fait le scoring, on active un petit peu. Parce que là, on ralentit pour rien. Je mets un point. Un point sur le primaire bis. Un point sur le primaire bis. Ok. Au front, je mets 3. Ouais, propre. 3.
Le spread, tu l'as capé. C'est bon, je l'ai capé. Et nos prisonniers, t'as rien relevé. Ok, ça marche. C'est à toi. Du coup, moi, début de mon tour, je regagne un PC. Ça fait plaisir. J'ai gagné un point. Bah oui, il a gagné. Il a gagné. J'ai pris 3 points dans le front. 5. J'ai pris 5 points au total. Pourquoi 5 ? 5 parce que j'ai pris 2 points de bis. 2 points de bis. Et 3 points de front. Et 3 points de front. 2 points de bis parce que tu tiens. Un PC. T'as qu'un point de bis. Tu prends 3 points. T'as qu'un point de bis. Hein, je t'ai mis. Ah oui, un point. T'as raison. Donc je prends 4 points. Tu lui mets un plus 4, ouais. Plus 4. Et moi, je mets mes primaires à la fin de mon tour. Mais très honnêtement, là, je suis déjà en. C'est à 12. Je suis déjà au 12. Et je suis déjà en fait au plus 3. En 12, faut voir. Oui, non, mais en fait, là, j'ai fait les moves comme là, tu veux. Là, je récupère un truc. Là, ici, je te mets les 3 là. Tac. Voilà. Tac. Pour le contest. Ça sert, ouais, ça sert à rien qu'on continue de toute façon. Je pense pas d'action supplémentaire à faire. Non. Je te mets ça là. Et ici, on s'en fout. Donc en fait, sans faire de manœuvre. Sans faire de Philippe. Je fais. Je capte mon trésor. Alors, attends, et je dirais même mieux Warzone et Philippe. Sans faire de manœuvre. Okay. Parce qu'on enchaîne. À la fin de mon tour, ouais. Je vais mettre 12 points de primaire plus les 3 de primaire bis. Oui. Donc je vais mettre. Plus 15 ici. On va le compter, mais je pense que je suis à 45. Oui, je pense. On verra. Trésor des éons, je vais le remettre à 5, mais il me manquait plus que 2 points, donc je mets juste un plus 2. Ouais. Et après, je suis déjà capé à 15. Donc en fait, la question c'est est-ce que je mets 45 points de primaire. Okay. Donc on arrive à la fin de cette partie. Nécro contre DG. On fait le petit rappel des scores. Bob finit avec 23 points de primaire de son côté, contre moi à 41 points de primaire. Ensuite, bah, je mets 45 points de secondaire et lui met 11 et 12, 23, 23 et 15. 23 et 15, 38. 38 points de secondaire. Donc, t'as très bien scoré au secondaire aussi. Qu'est-ce que t'as pensé de la partie ? Bah, j'ai pas eu de chat. Enfin, mais j'ai fait des sauvegardes à chier. Tu peux pas commencer à se débris si. En disant je n'ai pas eu de chat. J'ai été en dessous des stats sur. Il y a pas mal de sauvegardes. J'ai été surpris par ton attrition, je le savais. Ouais. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a plein de volets de save à 4+. Qui était complètement en dessous, où j'en rate 7-8 sur les 10, quoi. C'est un peu dur. Et le drone, là, qui arrive à rien tuer, ça, c'est désagréable. Après, sur la game, je pense que ta liste est pas mal. Je pense que j'aurais pu peut-être jouer différemment. J'ai voulu jouer 4 objets. Finalement, je pense que je jouais 3 objets. Ouais. Là, je jouais les 3 ici. Et puis après, on faisait peut-être un nul, à voir. Après, je pense que ta liste, elle est cool. Moi, j'ai du mal à maîtriser encore le PM, dans le sens où je le trouve quand même fragile. C'est cool le PM, mais ça reste une 3+. Et en fait, aujourd'hui, il y a un vrai engouement autour du PM. Il y a plein de gens qui le spam de ouf quand genre je joue toi. Pas mal. Non, parce que là, c'est pas ce que je joue d'habitude. Ouais. Moi, je joue plutôt des Terminator, ce genre de choses. Est-ce que c'est une bonne idée en fait d'avoir un full spam? Je suis pas sûr, j'ai encore du mal à être convaincu, c'est ce que je disais la dernière fois. Mais je pense que je vais continuer un peu à pousser les tests quoi, pour voir. Et toi, mon bon Alex, qu'est-ce que t'en penses? Je mets un gros bémol sur le côté aléatoire du jeu. Il n'y a pas grand-chose qui m'a choqué parce qu'en fait, quand on les remet un petit peu en perspective, il y a eu des phases qui étaient hors stade des deux côtés. Il y a eu des loupés assez importants aussi, le drone qui restait à 2 PV, le prince qui restait aussi à 2 PV, il y a eu des petits loupés aussi par là-bas qui m'ont fait perdre beaucoup de points, la marine sur la manœuvre sur le marine qui reste en vie, qui perd 6 PV. Pour moi, je suis pas choqué par les GD, j'ai pas vu un truc insane qui vraiment a été game changer, senti. Les 12 attaques de drone quand même dans les motos. Il y a les 12 attaques de drone dans les motos, t'en as tué 3, c'est ça? J'en tue une. Parce que tu rip-up les autres. T'en as tué 2? Ou t'en as tué 3 et j'en ai rip-up 2. Tu es 2, ouais, 2 et t'es en rip-up 2. Ouais. Parce que c'est catastrophe sur 12 attaques. Non, t'en as tué 3 ou 2 et j'en ai rip-up 2. Je suis largement en dessous. Ouais. Et ouais. Après, je te dis, c'est pas mal de save à 4+, où quand je les ai lancés, j'étais là, j'en passe une ou deux. Moi, je passe rien derrière. Présent. je peux certifier qu'au niveau de la stat, c'était absolument normal. Ouais, c'est bon, comme on est sur la chaîne de Tour Up, je trouve que tout s'est joué, moi, je trouve, sur le talent stratégique du Nécro. Enfin, je dis ça vraiment. Alex a mieux contrôlé les primaires que moi ce que j'ai pu faire. Et en fait, à chaque fois, c'était sur le fil. Et il m'a manqué du push à chaque fois. Moi, juste, si je me projette sur comment je visais la partie, j'allais être en difficulté potentiellement sur les primaires en me disant que ça allait être dur d'enlever beaucoup de masse. Et j'ai trouvé qu'en fait, au tour 1, je pense,
le gros pack de, c'est pas une bonne idée. De mecs là sur l'objectif. Pour moi, il a été cadeau parce que je pense que c'était ballsy. T'as vu les avions font super mal. Mais je pense que de manière générale, les gens ont une habitude de jouer contre le Necron, d'un Necron qui est résistant, qui prend les objectifs, etc. Et ont pas forcément de voir un Necron qui fait très mal. Là, c'est un Necron d'attrition. T'as vu les avions? Les avions, je le savais. Par contre, tu vois, de les emmener au milieu là. Ouais. En fait, tu me les as donnés. Mais en fait, c'était le trade. C'est-à-dire, je me dis, je sors et je vais te laver du plague. Et après, tu meurs. Pour que je meure, t'es obligé de venir les chercher. Et du coup, t'es encore obligé de t'exposer. Et derrière, il y a ce jeu. Ouais, bien sûr, il y a ce jeu de trade. Donc, ouais, c'était cool. Le roi, il fait le taf. Moi, je suis très honnête. Le roi, il faut vraiment le mesurer, le roi, parce que au corps à corps, il se cut très très vite. Dès qu'il y a la réduction de damage, il a que 4 attaques qui font damage 3. Et on peut vite rebondir, on l'a vu, hein, j'ai pas tué un drone, donc voilà. Et sinon, non, je suis content de la liste. Inch'Allah, comme on dit en Suède. Les gars, c'était un vrai plaisir pour nous, j'espère que ça a été partagé pour vous sur le chat. Je vous dis de suite que ce live ne sera pas revisionnable sur Twitch et il sera re-uploadé sur YouTube probablement la semaine prochaine. J'espère que vous avez été saucés. On se retrouve demain pour la suite du Paris, pas du Paris GT, mais du 4 Paris. Ah bon, il y en a tellement. Il y a encore un PGT, PGT 4, Félix. PGT 2.5. PGT Turbo 3000, on est déjà dans le turfu. Préparez-vous, PGT 2050. C'est donc ça l'horaire, s'il te plaît. Et donc demain matin, c'est LOL en Ika contre Kuro en Space Marines. On vous attend nombreux, ça commence dès 10h, armée déployée. La bagarre sera lancée. On se retrouve dès demain matin pour de nouveaux lives sur Twitch. Franck, t'as quelque chose à dire? Bisous. Okay. Allez, on vous laisse. Bonne soirée à tous. Au revoir. À demain.